nul lui. Lui, pff, oh là là, il est vraiment éclaté au sol. Regarde, regarde, regarde ce skill. Hop là, juste avant que ça arrive. Non, mais pourquoi? Maybe come back. Won't you be come back? Ouais, il me la met. Il est au courant. If you remain in this zone, you will be detected by hostiles. Your location has been Même moi, parfois, quand je me regarde dans la glace, j'ai envie de me faire l'amour. Nice! C'est vrai, c'est Michael Jackson. Et a bit of genius, not my love. Il arrive sur moi, il arrive sur moi, il me tue. Non, il s'est TP. Il s'appelle vraiment Michael Jackson. Ah ouais. J'ai fait le test pour le Covid aujourd'hui, sensation la plus désagréable que j'ai jamais vécue. Alors tu n'as peut-être pas essayé la sodomie. Si tu veux pas finir à la cafette. Opie a donné 1€. Merci mec, pour m'acheter rien du coup. Le plaisir d'une bonne grosse banane. Une bonne grosse bien mûre, ouais. Bien mûre. Moi je me débrouille comme je peux. Ça fait maintenant 2 ans hein, que je joue à Among Us et que pourtant j'ai jamais été imposteur. Car une voiture à des pneus. Évitons donc de se faire écraser. Il est... Vigile, vigile! Il est dans le couloir avec un tapis rouge qui donne sur la cuisine à côté du Babylone. Mais si, tu sais, celui qui est entre la cuisine et Babylone et qui ressemble un petit peu au main, mais de l'autre côté de la map, là où ton pote c'est Dark 6 PS4, il avait fait un kill au doigt avec une putain de WhatsApp et mes caméras, même si c'était le seul et unique frag qu'il avait fait pendant toute la partie, cet énorme fils de... Jamais été imposteur, hein. Je pense que je me fais victimiser par le jeu, hein, tout simplement. On est les animaniacs. On a les contacts. Faut que tu fasses le tour. Non, faut que tu me laisses sortir. Oh, il a... Non, il a vraiment claqué. Non. Oh, tu m'as troll, 6-4. Allez, relax, on a les bananas. On est les animaniacs. Joue pas trop avec moi, mec. La grosse coccinelle, hein? On la gratouille? Oui, allez, ferme ta gueule. Ah, bon coup de tour. C'est 6-4. Petit cul. Grand S. Ouais, non. Quand je vais les prendre, je pense que je vais en payer. Oh! Double citadelle! Joué. Il a pris 19k le Svetlana. Ça m'énerve ça, sérieusement, les gens qui écorchent mon pseudo. Hein, petit cul. Oui, petit cul. Oui, petit cul. Dans la vraie vie, dans le pseudo. Attention, ici c'est l'école de la vie version salée. Ce live contient donc toujours une dose de second degré et de sarcasme aussi grande que l'humilité de notre cher proviseur, lol. Thank you.
comment ça va tout le monde sur le campus de Sainte-Soltier Academy? Vous allez bien? Vous avez passé une bonne et une agréable journée? Tout va bien pour vous en ce jeudi 26 août? Hein? Ça va ou quoi? Ça va? Bien? 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 Bon, je suis pressé parce qu'il faut que je parte vers 19h. Et comme je suis déjà à la bourre, rentrons si on veut taffer sur ce qu'on a à faire. Il faut encore que j'analyse de la VOD. De la VOD. Alright? Allez, rentrez. Ah, tu les fais rentrer! T'appuies sur ton bouton et tu les fais rentrer. Et tu n'oublies pas de mettre de la musique. R. C'est quand même pas difficile. Bon, ça va tout le monde? Bien. Vous avez passé une bonne journée? Monsieur le proviseur, bonjour, je peux venir avec mon goûter? Bien sûr, bien évidemment. C'est quoi, c'est dégueulasse? ça va, à part que je me suis pété le dos hier. Reprise du foot. Oui, j'aurais peut-être pas dû tenter ce petit ciseau. Hein, ouais, surtout que j'ai oublié que c'était pas du vrai gazon. Hein, voilà, je me suis un peu enflammé. Mais voilà, j'aurais dû prendre la VOD, je l'aurais mis sur YouTube. On pouvait faire un record sur le terrain et tout, machin. Avec un petit slow motion, ça aurait été parfait. Mais à part ce pétage de dos, qui fait que dès que je me tourne un peu, ça va faire aïe! C'est ce petit truc, le petit courant électrique là. Voilà quoi. Putain, je kiffe tellement 6-4 les gens. Ok, Trunks, mais si tu me kiffais tant que ça, tu serais étudiant du campus. Donc on attend. 3,99€. Tu vois? C'est quand même pas difficile. Merci infiniment, poulet. Merci. Hello, Mister Proviseur. Merci infiniment. Tu as déjà joué à Squat? À Squat? Merci infiniment, Galagan. Merci pour les 7 mois de frais de scolarité. Comme un bon étudiant qui se respecte. Merci aussi, Skyrix, pour les 28 mois de frais de scolarité. Merci, Sekereni, nouvel étudiant du campus. Pierre OO pour Sheiko Doubled. Merci infiniment. Vous êtes des monstres. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il me l'a mis en franc suisse? Ça, quelqu'un m'a payé en franc suisse. Après, je dois faire la conversion sur PayPal, quoi, hier. A fait un don en franc suisse, j'avais pas vu. Hier c'était en euros, maintenant il le met en franc suisse. Anyway. Est-ce que j'ai déjà joué à Squad? Ouais, j'ai déjà joué. Je trouvais ça très sympa. Mais voilà, il y a pas longtemps j'ai voulu le relancer tellement on avait rien à se mettre sous les dents. Mais voilà. Salut Backback, comment ça va poulet? Merci pour les 13 mois. Merci Negri BDS. Nouvel étudiant du campus, bienvenue. Merci OveraGamer d'avoir offert la possibilité à Trunks de devenir un étudiant. Des monstres. Tu prends les dinars? Oui. Merci infiniment au Cactar. Je voulais faire une blague, j'ai pas trouvé. Merci infiniment au Cactar, nouvel étudiant du campus. Bienvenue, vous êtes des monstres. Vraiment. Ok, mois prochain, je sub. Ouais, non, mais je plaisante, vous êtes pas obligé. Après, bon, c'est pas grave. Si vous voulez réussir dans la vie, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et merci, Cactar, merci beaucoup. Du coup, aujourd'hui, VOD. 15, 16, 17, 18, 19. On va faire 3 heures. Il faut que je taffe là-dessus. Du coup, tu as fait ton mode Olivier Tom. C'est alors bon déjà, ok. Non mais ça c'est comme passer du Coca Light, ok. Déjà c'est Olive et Tom, ok. Genre bon après c'est vrai qu'il s'appelle Olivier, mais c'est Olive et Tom, tu vois. Voilà, et puis après, honnêtement, je suis pas vraiment pour... Moi, j'aime bien les titres originaux, donc on parlera plutôt de Captain Tsubasa, en fait, tu vois. Parce que, par exemple, un truc que j'ai découvert dans les années 2000, c'est qu'en Espagne, il s'appelle pas Olivier, il s'appelle Benjamin, tu vois. Donc, c'est... Ah non, c'est pas Tom, c'est Ben. Ouais, c'est ça. C'est Oliver et Benji, là-bas. Je sais pas pourquoi. Donc, appelons un chat, il s'appelle Captain Tsubasa. C'est aussi simple que ça. Passer du Coca Light, qui dit ça? Bah, je te jure, j'ai entendu ça l'autre jour, j'étais mort de rire. À mon avis, ça devait être par une personne qui a dû rajouter un petit « ouais, frère » à la fin, je pense. Mais voilà, on va pas mettre de... Hein, on veut cibler personne, mais quand même. Ah, Captain Tsubasa, incroyable. Ouais, après, j'ai pas vu la fin. C'est Mary qui me disait qu'à la fin, le mec, il part au Real Madrid et tout, n'importe quoi. C'est ouf, quand même. C'est ouf, ça. Du coup... Wesh mon ref, ouais c'est ça. Mais bon, chez Youngtis, ils arrêtent pas de le dire, donc c'est pour ça que je leur mets des scuds.
Wesh frérot, merci évidemment Galagan d'avoir offert la possibilité à Eskilmeister ses droits de scolarité. Bienvenue Eskilmeister, merci Galagan, t'es un monstre, merci poulet, vraiment ça me touche énormément. L'école des champions, mais bien sûr. Oh le mec s'appelle Tsubasa en plus, c'est assez ouf. Bien sûr l'école des champions, avec Benjamin là. Avec le tir du parachute quoi. Il y en a un c'était le tir de l'aigle et l'autre c'est tir parachute ou je sais pas quoi. C'était quoi déjà? Oui c'est ça, ouais je m'en souviens ouais. Attends, parce que en règle générale, les génériques comme ça, ça reste, tu vois. L'école des champions. Viens à l'école des champions. Et là, ça devait être du Bernard Minet, ça encore à l'époque, non? Non, si, si, je m'en souviens. Je m'en souviens, bien sûr, je regardais. Pas trop, enfin, pas trop, trop, mais voilà quoi. Le tir de l'aigle. Mais le tir de l'aigle, c'était dans quoi? C'était dans Captain Tsubasa? Ou c'était dans l'école des champions. Merci Silver Fans pour les 99 bits. T'es un monstre, merci beaucoup vraiment. Merci Smoker pour les 6 mois de frais de scolarité. Merci beaucoup vraiment. Comment ça va 6? Ça va très bien, ça va très très bien. J'ai tellement hâte d'avoir la majorité pour payer un abonnement. Mais t'es pas obligé d'avoir la majorité pour payer un abonnement. Mais t'es pas obligé de payer un abonnement non plus, en fait. Voilà. Merci en tout cas poulet. Donnez tout ton cœur pour devenir enfin le meilleur. Viens à l'école des champions. Et donner tout ton cœur. C'est ça? Ah ça, bah après moi je me souviens juste du « Viens, allez !» Et après je ne sais plus. Je ne sais plus du coup. Je ne sais plus. Les camps des champions n'avaient pas de coups spéciaux. Quoi? Le tir de l'aigle, c'est dans Captain Tsubasa? Le tir de la feuille morte. Ouais, ça je m'en souviens. Le tir de la feuille morte. Oh, pute. Oh les cons. Oh mon dieu. Putain mais c'est ouf que vous connaissiez ça. Il y a vraiment des darons dans ce chat en fait, hein, c'est sûr. C'est l'école des champions pour le tir de l'aigle. Ah tu vois, donc il y avait des coups spéciaux. On est d'accord. On est d'accord. Il voulait dire j'ai hâte d'avoir un salaire pour me payer un abonnement. Oui c'est ça qu'il voulait dire à mon avis. C'est ça. Bah si parce que mes parents ne veulent pas en acheter. Donc j'ai hâte d'avoir la majorité pour pouvoir le payer. Mais tu sais qu'avoir la majorité, tu vois ce que je veux dire, le jour où tu vas passer 18 ans, il n'y a personne qui va te filer de la thune. Hein. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle, tu sais. Eh, c'est bon. Non, en revanche, tu peux travailler pour avoir de la thune. Mais tu peux le faire avant 18 ans, pour le coup. Hein. Moi, j'ai bossé avant 18 ans, par exemple. Hein, 37 ans pour ma part. Ah, 37 ans, vous êtes des darons. Vous êtes des darons, vraiment. Vous avez 10 ans de plus que moi, vous vous rendez compte? Merci infiniment Tarzanoui, le monstre, d'avoir offert la possibilité à Lebo Leader, à Go28, à Warjoe, à Driver94, à Hannah Hounds, leur droit de scolarité et frais d'inscription au campus de cette Salty Academy. Merci Leios pour Unity Talks Hack qui vient de lui payer ses droits de scolarité. Voilà, il a fait le... Il a fait sa mendicité et du coup, les gens lui payent. Ça marche à tous les coups, ça. J'ai vraiment hâte. J'aimerais tellement avoir le 39... 25 persos. Agent, t'as quel âge, toi? Non, sérieusement, Agent. T'as quel âge, toi? Non, sérieusement. 35, un genou. 39. 6-4, c'est mon département. Pays Basque, du coup. Enfin, un truc, là. Pyrénées-Atlantiques. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Je suis mort. 17. 6-4, le papy. Mais 43 pour moi. Non. Non, j'y crois pas. Il n'y a personne qui a plus de 40 piges ici, sérieusement. 32. Ouais, mais Tsubasa, ça m'étonne pas. Pour quelqu'un qui utilise ce pseudo, tu vois, voilà quoi. 31, 22, 20, 26, 28, 16. Aïe, 1978, 21, 22, 16, 14, 28, 40, 17, 28, 16, 22, 18, 36, 16, 17, 14, 15. On a notre world record là. 16, 26, 25. Ouais, la moyenne d'âge, elle est à quoi? 24 quoi. 24 dans ce chat, en fait. Je pense que la moyenne d'âge, on peut l'établir à 24 ans, comme ça. Là. Voilà, 33 ans et papa, faut le souligner. Putain, la vache, 33 ans et papa, quoi. Merde, j'ai raté quelque chose, quelque part. Hein? C'est plus des étudiants, là. Si! On peut suivre de la scolarité, qu'importe l'âge, ok? Il y a pas mal de gens, d'ailleurs, qui, à un moment, tu vois, vont travailler et après reprennent, reprennent les cours. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais j'ai des personnes autour de moi qui ont fait ça. Et voilà, qui à 30 piges se retrouvent du coup dans des facs remplies de personnes de 22-23 ans, quoi, à peu près. Et derrière, ça se passe très bien au final, quoi. Parce que l'avantage,
c'est qu'à 30 piges, tu vois, ou aux alentours de 30 piges, souvent, t'as la maturité nécessaire et l'expérience nécessaire pour savoir exactement ce que tu veux, en fait, quoi. Tu fais plus le truc en disant, bon, on m'a dit d'aller à la fac, j'ai fait fac de lettres, bon bah je vais faire fac de lettres, on m'a dit de faire MIAS, j'ai fait MIAS, voilà, parce que je sais pas trop quoi faire en fait de ma life. Après quand tu y retournes en disant, ok j'ai un projet, j'ai envie de faire de la psycho, bah bim, je vais faire fac de psycho, et là c'est bon quoi. Et ça passe tout seul en fait quoi, non mais sérieusement en plus, hein. Mais voilà quoi. 28 ans et un fils de 2 ans, attendez, qui a des enfants ici là? Il y a vraiment tant de darons que ça dans ce chat. Qui a des enfants? Hein? À 30 ans, tu as la maturité de savoir où t'as merdé surtout. Enfin, tu penses avoir la maturité de savoir où t'as merdé. Et à 40 ans, tu te rends compte que... Merde! En fait, t'étais encore bien jeune quand même. Hein, voilà. Moi, j'ai 15 ans en MDR. Putain, la vache. Vous vous rendez compte? Merci infiniment. Bye, Beans. Nouvel étudiant du campus. Bienvenue à toi, poulet. Un monstre. Moi j'en ai un, il a 4 pattes. Ok, mais ça s'appelle un tekel. 34 ans ici. Non mais qui a... J'ai moi 12 gosses, on chôme pas. Non, c'est, ça j'y crois pas. 30 ans, 3 gosses, 32 ans et un fils de 8 ans. Ah la vache, 39 ans, pas d'enfant et jamais. Ouais, c'est bien ça, c'est bien. Parce que tu penses à la planète, et t'as raison, bien évidemment. Hein, voilà. 15 ans MDR, quand il est né, t'avais déjà 28 ans. 6-4 MDR. Quoi? Non, en fait. Ok, tes calculs sont mauvais. Va te faire foutre. 16 ans et un PC. Ok. Bah attends. Attends, j'ai eu quel âge mon PC, moi? Ah, c'est dans ces eaux-là qu'on a un PC, quand même. Ouais, 16-17 ans, ouais. Ouais, quand tu travailles, en fait, quoi. Hein. Moi, j'ai taffé comme un con pour avoir mon... J'ai fait de la mise en rayon de merde pour... Oh là là, qu'est-ce que c'était relou, quoi. Ah la vache, sérieux. Non, mais c'était cool, tu mangeais des yaourts gratos, quoi. Merde, faudrait pas que je dise ça en live, en fait. Mais c'était la canicule. Et il faisait extrêmement chaud. Et c'était en plein milieu du mois d'août. Tu vois? Donc, de temps en temps, la pause, je la faisais dans les frigos, quoi. Désolé, Auchan, j'ai volé 2 Danone. Ils étaient bons. premier PC à 12, ça fait plaisir quand le bon vieux temps. 125 ans, 26 femmes, 45 enfants, donc 44 garçons et une fille. Ah ouais, ça va. 2003. Ouais, un peu avant, je pense. Non, moi, je me souviens avoir fait mon premier boulot. C'était à 17 piges, je crois. Ouais, à 17 ans, ouais. 17 ans quand je faisais de la mise en rayon. Je sais pas comment tu pouvais à l'époque... Mais je sais que tu pouvais, si ça dépassait pas un certain nombre d'heures par semaine, il y a un truc comme ça. Je faisais de la mise en rayon à Auchan, quoi, ou un truc comme ça, voilà, quoi. Donc, c'était un truc genre, je sais plus, c'était sur des horaires normales, tu bossais que 5 heures par jour et tout, ça t'a fait un billet de 1000 euros à la fin du mois, et puis t'étais content, ça m'avait permis de me payer mon PC, quoi. J'étais payé comme une merde. C'est hyper relou, honnêtement, c'était vraiment dur, mais bon, voilà, quoi. Les mecs étaient pas trop cons. Voilà quoi. C'est vraiment hyper répétitif. Mais voilà. C'est ce qu'il faut. Hein. Il y a un moment, si t'as envie de te payer ton truc et que t'as pas envie de te faire chier, tu le fais toi-même. Hein. Et il a une valeur. Il a une autre. Tu vois, c'est pas la même valeur. Hein. C'est pas la même valeur. Quand il y a papa, maman qui paye un truc, c'est une chose. Mais quand c'est toi qui as travaillé pour ton PC, là, pour la première fois, tu peux dire c'est mon PC. Hein. Personne ne me fait chier. Hein. Et puis quand on dit ouais, Kevin! T'as installé quoi sur... J'ai installé ce que je veux, ok? J'ai envie d'utiliser Firefox, j'utilise Firefox. Vous me faites pas chier, c'est mon ordinateur. Ah, ça, c'est bien, ça. Ah, ça arrive vers 17 piges. Faut bosser dès 16 ans, mais c'est 30 heures max par semaine et 5 heures par jour. Ouais, mais moi, j'avais fait 17. J'avais fait 17 ans. Mise en rayon, mais champion de Pro League. Ouais. Et il faut commencer... Non, mais la mise en rayon, c'est cool, franchement. Ah, c'est pas trop dur, c'est de la manutention. Tu fais un peu les... Voilà, quoi. Tu travailles un peu. Non, mais moi, j'aime bien les trucs physiques un peu, quoi. J'aime bien les trucs physiques un peu. T'as pas besoin de te prendre la tête. À la fin, t'es bien payé. Voilà, quoi. Et puis, ça fait du bien, 17 piges. Ça te fait bouger le cul, quoi, un peu. On va pas se mentir. Voilà, quoi. Tu vendais du coca dans la rue? Non, pas du tout. Hein. Non, je faisais pas du bis de coca. Merci infiniment, Over the Lord, nouvel étudiant du campus de la Salty Academy. Bienvenue. Non, le truc le plus horrible que je devais me taper, c'est que dans les grandes surfaces... Ils ont une espèce de compresseur, en fait, derrière. Une espèce de
de trucs comme les à l'arrière des camions poubelles, là, tu vois, un truc qui compresse les détritus, là. Ah, les déchets et tout, tu vois, ils balancent tout là-dedans en fait, tu vois. Et moi, genre, premier jour, j'arrive, c'était la canicule. Il faisait 35 degrés. En fait, si j'allais dans le frigo, il faisait 8 degrés. Et quand je sortais, il faisait 35 dans le stock, quoi. C'était horrible. J'ai été malade tout l'été. Et je me souviendrai tout le temps. En fait, il y avait une palette de bah, tu fais que ça, de façon, d'enlever des palettes, quoi, tu vois. C'est pas toi qui les carries, mais c'est toi qui les ouvres et tout, machin. Et il y avait un mec qui, genre, 2-3 jours avant, avait mis un énorme coup de cutter dans la palette, alors qu'il faut faire super attention. Et il avait ouvert toutes les bouteilles de lait, genre, toutes sur un côté, quoi. Mais c'était horrible. Elles étaient toutes percées et tout, machin. Bah, je te laisse imaginer ce que ça fait du lait plus de la canicule. Ouais. Et j'ai dû les jeter une par une dans le truc, là. C'était une odeur. Et c'était infâme. Je m'en souviendrai toute ma life. Ah, c'était horrible. Ça prenait le nez le soir. Tu avais l'impression que tes vêtements sentaient encore ça. C'était dégueulasse. C'était la pire expérience. Premier jour, j'ai fait « Ah ouais, d'accord, ok, c'est comme ça, quoi. C'est mon bizutage, quoi. » Ah, voilà. 16 ans, j'ai un PC également et je fais de l'alternance en mécanique pour me le payer. C'est bien, ça. C'est bien. L'odeur qui te suit, ouais, pendant une semaine, c'est exactement ça. L'analyse sera à quelle heure? Ok, vas-y, il y en a qui sont pressés. Vas-y, on peut même pas discuter. Vas-y, bah, va bien te faire niquer. Je lance. Attends. Où est-ce que c'est ça? Récapitulatif VOD. Oui. On s'était arrêté, oui. Hein. Je vais ouvrir ça aussi. On peut passer directement au bon endroit, dans le studio, ouais. Ok, donc ça... Ya. Et le feedback. Voilà, le feedback, il est là. Ça, c'était le truc d'hier qu'on avait écrit un peu. C'est un peu pour me remettre dans le bain. Non, mais... Voilà, c'est ça qu'on veut. Ok. Quoi? Mais non, MDR, c'est juste une question. Mais ouais, non, mais on les connaît, les questions, Minico. Hein, voilà. Merci, Harold. Fiscal, je t'aime, t'es beau. Ok, merci, KN. Merci beaucoup. Le live d'hier était très intéressant, je trouve. Ah! Ce qui veut dire que les autres étaient pourris, en fait. Ça fait 4 ans qu'on fait que de la merde et que je fais que de la daube. Mais pour la première fois, ce live était intéressant. Et ça, ça me fait plaisir. Hein. Vous savez que les gens qui nettoient les écrans de cinéma, ils gagnent 12 500 euros par mois? What the fuck? What? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Vas-y, j'arrête le stream, moi. Vas-y, je vais... Non. What? D'où ça vient, ce truc-là? D'où ça vient? Nettoyeur. Écran. Cinéma. Salaire. C'est le premier truc qui est proposé. 4000 euros brut mensuel. Bon, déjà, ils font pas 12 500 euros par mois. Nettoyeur d'écran de cinéma, un métier très technique. Donc, c'est pas tout à fait pareil, ok. Un secteur de niche en pleine expansion avec la multiplication des écrans IMAX notamment et un métier qui nécessite des techniques bien précises. Ok. Tout comme les vitres et les écrans domestiques, les écrans de cinéma ont besoin d'être nettoyés régulièrement pour éliminer les résidus de poussière, les traces et les taches. Et avec les nouvelles technologies, ces interventions nécessitent des professionnels aguerris. Les équipements... Les qualités... En raison d'un travail en hauteur, ne pas avoir le vertige. Accepter des horaires de nuit. Il n'y a pas de formation spécifique pour ce métier. Le plus souvent, ce sont des agents de nettoyage industriel qui se spécialisent en fonction des demandes des nuits. 4000 euros pour de pincel. Ok. Bon voilà, c'était pas 12 500, quoi. Les candidats qui se sont lancés dans cette aventure atypique font partie des professionnels les mieux payés, puisque le salaire peut dépasser les 40 000 euros par an pour ceux qui arrivent à travailler sur les écrans géants et de nuit. Oui, les mieux payés des agents de nettoyage. Je pense que c'est ça. Voire même les mieux payés des agents de nettoyage industriel. C'est déjà pas mal, 4 000 boules. Ah non, c'est vraiment énorme.
C'est vraiment un très très bon salaire, hein, honnêtement. Hein. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Hein. Mais on n'est pas à 12 500. 12 500, c'est déconnant. 4 000 euros, c'est pas si déconnant que ça par rapport au fait que les mecs bossent de nuit. Il doit y avoir une prime de risque, un truc à la con. Mais bon, c'est peut-être un peu comme les mecs qui travaillent sur des... C'est peut-être un petit peu comme les nettoyeurs de carreaux qui sont voltigeurs. Là. Les mecs qui descendent en rappel, etc., qui sont obligés de nettoyer les façades de l'extérieur en étant en rappel, ça. Ça aussi, je crois que c'est pas trop mal payé, quoi. Ils le font une fois par an sur un machin, mais ils en font tous les jours et c'est pas trop mal payé, quoi. Hein. Et puis c'est 4 000 euros brut. Ah, tu peux faire la conversion, hein. Brut en net, ça doit faire 3 250, je pense. Brut en net. Converture, un salaire brut en net. Mensuel brut, 4 000 euros. Après, ça dépend du secteur, hein, c'est pas toujours pareil. Mensuel net, 3 120. Ok. Donc 3 000 euros net. C'est quand même pas mal du tout, quand même. Hein, pour nettoyer des écrans. Merci infiniment, Red Dead Hero, pour les 4 mois de frais de scolarité. Et Ditom, nouvel étudiant du campus, bienvenue. Merci infiniment, des monstres. Là, je connaissais pas, hein. Franchement, je savais même pas qu'il fallait nettoyer les écrans, quoi. De quoi, tu vois? Des mecs qui étaient pas contents qu'on balançait du coquin. C'est ouf, quand même. Ah, tu vois, enfin, je pensais que c'était... Enfin, ouais, je sais pas. Je pensais qu'ils avaient une grande raclette, ou je pensais qu'il fallait un gros truc, un Swiffer dépoussiérant, tu vois, et puis voilà, quoi. Hein. Testeur de toboggan, 2200 euros par mois. Ouais, mais le problème, là, c'est l'ambiguïté, en fait. Que d'un côté, t'as toboggan. Tu vois, ça, c'est cool. Tu vois, c'est plutôt fun et tout machin. Et de l'autre côté, c'est le mot testeur. Il n'est pas fini. Non, tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est là le petit problème, quoi. Hein, voilà. C'est jusqu'à une infirmière cadre gagne 3500 balles brutes. Ouais, bah, c'est pas beaucoup par rapport au boulot, pour le coup, surtout en ce moment. Il manquait un boulon sur le deuxième virage. Grave. Alors, bon, la bonne nouvelle, c'est que je sais quel est le problème. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir changer le... Hein, c'est qu'on a besoin d'un nouvel employé. Hein. Ah, c'est... Ça reste très honnête. Non, mais franchement, c'est marrant. Testeur de toboggan, mais j'ai jamais entendu parler de ça, sérieux. Hein, c'est ouf. Alright. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse? Oui, on s'en fout, en fait, de ça. Ok, ce qu'on voulait, c'était ça. Tac, 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 tac. Ça, on va le mettre là. Je vais dézoomer là-dessus. Putain, c'est chiant, ça dézoome sur les deux. Alors, attendez, dans les prags, qu'est-ce qu'on a? Je regarde, hein. Sloppy, on a fait... Mais on n'a pas fait sur café. Sur café, on a dû s'arrêter hier. Ouais, j'étais en train de regarder le... Pourquoi ça me l'envoie sur chalet? Ah, mais café, il n'y a pas de VOD. D'accord, super. Ah, on a Oregon autrement. Et pourquoi est-ce qu'Oregon n'est pas allé le voir hier? Y a qui a enregistré, y a que moi? Tu m'entendais pas hier? Je suis comme ça, Escablan. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait Oregon hier? Je suis pas Escablan, en fait. Tu remontes Escablan pour les aider à prendre la master. Ok, vas-y, je rentre dedans, du coup. Y'a un castle... Y'a Jaeger, sinon c'est tout clair. Putain de... des pas... Ou alors je te laisse, je te laisse. T'as le drone Mamoy comme d'hab, là tu passes à Dynex, tu passes à Shava. Y'en a un qui fait la... Dommage, je vais pas avoir plus de son, mais je vais pas pouvoir faire grand chose. C'est clair. Ouais. C'est tout clear kitchen, top white c'est clear aussi. Meeting c'est clear, ça doit pas rendre beaucoup. Hein. Bah c'est bien. Il nous donne la map, c'est à nous de travailler tranquillement alors. C'est clear, Tiffy. C'est clear? Oui, c'est tout clear. C'était clear. Zulu c'est clear. Ok, j'ai touché dans ton. Donc quoi au top, Nando? Blanc. Est-ce qu'il y a des escafes clair? J'en ai pas assez. Moi t'es clear. C'est clear. Ok. C'est clear, school c'est clear. Mais tu mords. Il kill non. La cam meeting elle est prise. Y'a Jane qui est prise. Ok. J'ai cam meeting. Fais gaffe, fais ce cam. Plus fort. Okay. Ouais, je peux pas. Hein. Je fais la cam directement pour le docteur. Je suis à donf là, vous voyez pas, mais je suis à donf.
Oui, mutez-le. Et merci infiniment, Jake Bomb, pour les 7 points de scolarité, t'es un monstre, poulet. La porte main, vraiment. C'est mieux que ce soit moi qui ai email les Aiden Freezer, je pense. Ou alors je te laisse les diffus, je te diffus, vas-y, j'y vais, j'y vais. Vas-y, vas-y, Nina. Attends, je te drone, Nen. Qu'est-ce qu'il y a, Nado? C'est comment, pas main? Pas main, c'est clair, c'est clair. Je suis là, je suis là. Vous avez besoin de mêler, c'est quoi? Je peux aller à la trappe, venir, c'est pas pour moi, pour eux peut-être, pas pour moi, poulet. Je vais le Nightbox. Il y en a bleu. Vas-y, je vais. J'avoue, ils ont tous des skins, mon ref. Vas-y, Nate. Ouais, mec, quoi, pute. J'ai vu personne derrière la bombe. Il me décale 50 HP. Ah oui, c'est okay, y a rien derrière la bombe. Il y a un mec, deux mecs couloirs et un mec closet. Deux mecs couloirs, un mec closet. Couloir, c'est pas autoroute ça. Attends, couloir. Écoute, gros. Je vais mettre le truc closet, tu push et tu tues les mecs couloirs, ok? Vas-y, vas-y, push, push, push. Il est closet la bombe, closet la bombe. Il est derrière la bombe. Et tu redars la bombe? Là, non, il y en a et. Oui, Nade, le mec derrière la bombe ou pas, les gars? J'ai plus Nade. Attends, attends, y'en a. Y'a un mec closet. Je vais régler ça pour le prochain, my bad. Ouais, faut faire attention. Va bouger, va bouger. Bien sûr qu'il allait décaler là. Ils l'ont pas tué. Du coup, je sais pas. La lumière au torrent. Okay. Je crois à 1h. Mais non. Ah, HQSKI, c'est bonne. J'ai raison. Ok. Mais wesh, il me follow sur Twitter et puis il me dit ok. Bizarre. Bon. Allez, c'est bon, ça recommence. Je réfléchis à comment augmenter le son, mais je pense pas que je pense pas pouvoir booster. Oui. Ah oh, putain, faut que je prenne la putain de des patchs. Pourquoi? Pour ouvrir des rotations quoi. Si tu veux, ouais. Avec deux H. Sauf si c'est faire des trous, pourquoi pas. Pour un drone full, un drone mid. J'ai un drone barbarie. Un drone Zulu. J'ai un drone. Bonjour. Je vais le mettre Zulu. Pour l'instant, voilà, les drapeaux. Parfait. Laissez-moi regarder. On peut activer ou désactiver, mais je peux pas faire grand-chose. Après, ça va être dégueulasse. Merci infiniment, Ben, pour les 5 mois de frais de scolarité payés au sein du campus. Un monstre, poulet. Vous êtes des monstres. On m'entend plus. Ouais, faudrait que je télécharge la vidéo et que je la booste avec VLC. Effectivement, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux essayer de faire ça. On peut essayer de faire ça. Top main, il était descendu. On peut essayer de faire ça, on peut essayer de faire ça. YouTube to MP4. hop là. Est-ce qu'on est des bons? Cette vidéo est trop longue pour notre convertisseur. Bah, va te faire foutre. on va essayer ça. Seul train. Convertir. Tac, tac, tac. Get link. MP4 video. Yes. MP4, yes. Get link. Télécharger. Alright. Oh, c'est quoi ce Momo site? Vas-y, mais je télécharge à combien? Laisse tomber. Le site, c'est trop de la merde. C'est quoi? Attends. Mais non, mais.
Oh là 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 là, les momocytes comme ça là, convertisseur YouTube to MP3, j'ai essayé avec un autre, mais bon, le problème... Ah, to MP3, non, pas MP3, MP4. Ouais, je pense qu'on va l'avoir dans les fesses. Je pense qu'on va l'avoir dans les fesses. Tac, download. Ah, 4 minutes, ça va. Tout à l'heure, ça me disait 10 heures, quoi. Merci infiniment, High Plays, pour les 3 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy. Un monstre, poulet. Hier. Yeah. Normalement, ça devrait être bon. Temps restant pour la conversion, 5 ans. On entend largement. Vous entendez bien ou pas, hein? Clip converteur. Augmente dans le mixeur et baisse ton casque. Augmente dans le mixeur et baisse ton casque. Pas possible. Not possible. Après, je suis à... Ça ne télécharge pas vite, mais c'est pas si dégueulasse que ça. J'ai mis ça, là. Du coup, on est à 600 MO téléchargés, déjà. Non, ça devrait le faire. Dans 3 minutes, ça devrait être bon, normalement. Normalement, ça devrait être bon. Normalement, ça devrait être bon. Pousse le son sur OBS. Non, je peux pas. Non, bah attends, on va essayer. Tu baisses la voix et on augmente le son du stream, non? Vous inquiétez pas. On essaye en le téléchargeant sur VLC. Et normalement, ça devrait le faire. Et attends, mais avec VLC, on peut pas utiliser YouTube et lui dire que c'est un flux, honnêtement? Non, c'est pas possible. Please read. Yes, tu veux. On va télécharger ça. Merci infiniment, Chad, pour les 2 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy. Merci, High Place, pour les 3 mois. Vous êtes des monstres, les amis, vraiment. Ok, c'est bon, t'as installé? Non, oui, non, non, oui, non. Ok, on va le relancer parce que je sens que t'es con. Oh là là, c'est logiciel. Voilà, c'est bon. Et est-ce qu'on peut pas le mettre en flux, là? Genre, si on dit qu'on ouvre un flux réseau, on peut pas, genre... Ce serait con, mais... Ah, je pense pas, c'est pas possible. Oh. Non, il le prend pas en flux. Non, tu peux pas prendre une vidéo YouTube et la claquer sur un VLC. Un périphérique de capture, un disque, un dossier. Non, ça aurait été la seule possibilité. Ça aurait été ça, je pense. Hein. Afficher plus d'options. Bla 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 bla. Bla bla bla. On va essayer ça. Hein. Il reste... on est déjà à 1,4 giga, vous inquiétez pas. Floraison. Hein. Blap. Blap. Ça m'énerve d'être un monstre. Merci boys pour les 5 mois de frais de scolarité. Bon, si je... franchement, si je bug, c'est une honte parce que j'ai joué pendant 2 heures. Ah bah tu bugs, t'as bug. Je suis mort à la 213 de ping. Si je bug, c'est vraiment une honte. Genre tout le monde sait faire ça. Non, c'est pas vrai. Avouez dans le chat les gens qui n'auraient pas été capables de faire ça. Arrêtez de dire ça, arrêtez de dévaloriser, s'il vous plaît. J'ai besoin de reconnaissance. J'ai même pas VLC. Ah ouais, regarde. Non, ils ont pas internet. Par contre, c'est pas d'imagine ça avance à droite un truc Twitch. Non, non, c'était sur YouTube. Oh non. Vous voulez pas de Mira, non, de base? Non, Kade, sur Rugon, c'est Kade. Café, c'est Mira. C'est un connaisseur, ça. Et Chalet, c'est Okaïd aussi, parce que Mira, c'est facile à dîner. J'ai gaffe l'homme d'avoir des grands Kade, Harlem, Gerslam. Sur Chalet, mec, trop compliqué. Ah oui, mais c'est tombé, il met des Kade, j'ai mis des LED. Ouais. Y'a pas un equalizer là-dedans. Tu veux jouer moins gros que les dernières prac ou pas? Un peu plus en retrait, comme ça je peux peut-être jouer l'entrée ou comme tu veux. C'est égal pour moi. Ah, tu veux jouer l'entrée? C'est égal, c'est égal. Je veux prendre H. Mais en fait, les deux entrées en fait. Vous êtes tous les deux entrées, wesh. Non, mais je dis avec Yana, je vais beaucoup mettre pression, tu vois. C'est Yana quoi. Essayons un dernier truc. Y'a qui a enregistré que moi? La qualité sera meilleure. Putain de des patchs. Bon, le boost est pas ouf, hein. Vas-y, j'envoie. Non, la qualité est dégueulasse. Verrouille les bacs avec les... Alléluia! Est-ce que la qualité est mieux ou moins bien? Au moins un mec bas blanc et un mec en cover quand je parle. Je vais bas blanc, J'arrive. Y'a qui a enregistré les 30-50%? Meeting, c'est clair, j'ai mis mon drone meeting, y'en a pas. C'est pareil.
Pareil, non. C'est bon, là. Ok. Une heure ouverte. Vas-y. Ok. 2 minutes, on est bien. Attends, mais je vais lui ouvrir, Attic, je vais lui ouvrir. Pas ouf. On parle à mûrer, Poulem ? Avec la molette ? On m'entend plus. Non, tu peux pas faire à plus de 125. One more salty fan. Ah si. Ça c'est meeting. Oui, je m'entendais pas. Il y avait. Trous, en fait, Il y a un mec qui se camine. Prendre de l'info, c'est quoi les problématiques? Moi, problématique, c'est l'Attic là pour l'instant. Okay, les problèmes Attic. Il y a un mec qui joue close à la window Attic. Je vais quelque le retourner. Part. Ouais, j'ai les... C'est un euphémisme. Toujours Attic, côté gauche. Attends, je le mets, je le mets. Côté gauche, il est là? Non, il est à ta droite du coup. C'est... Je rappelle Kid. À ta droite du coup. Il est toujours. Prends la je garde ton drone, je garde ton drone. Okay, il est à la porte, toujours formule. À la porte. Il regarde la window, il regarde la window, il est près de drone. Ah, je suis hein. Vous êtes pas en connecté en fait en deux. Ah. Va avec lui, Enero. Je reste big. Tiens, il n'y avait pas les Zaiden ici, non. Prague versus le P-Squad. Da, 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 da. Prague versus le P-Squad. Oregon. Prague versus. 1-1. Chalet. Père Zaiden. C'est votre médecin. Un traitant qui vous parle. Afin de ne plus rater des kills que même moi j'aurais pu faire après 4 semaines de vacances à l'île de Ré. Vous trouverez 6 juin votre ordonnance. 2 heures minimum de AIMLAB par jour. Dont voici la posologie. 2 heures minimum de AIMLAB par jour à raison de 5 jours minimum par semaine, matin et soir. Voilà. Voilà. Inadmissible. Inadmissible. T'as là, ce move de Toto des îles là, c'est inadmissible. J'ai envie de le revoir au ralenti tellement j'ai envie de me faire du mal. Il y a la porte, toujours la porte. Il regarde la vidéo, il regarde la vidéo. Ça là, on vient lécher l'arête là. BAM! Alors ça, c'est un mur. Ça, c'est une tête. Ça, c'est le réticule. La prochaine fois, on essaiera. Hein, bien évidemment. En enregistrant l'image. Ouais, je sais, je force, mais j'aime bien forcer un peu. Voilà quoi. Comme ça, la prochaine fois, ce sera parfait. Bougez pas, on va faire ça. On va faire les choses proprement. Hop là, on va faire éditer. Hop là. Voilà. Tac. On va faire ça, bien évidemment. Hop là. Et on va mettre une flèche. Ok, qui va être comme ça. Voilà. Important. Voilà. Et voilà. Ça, c'est une tête. Ça, c'est un mur. Ok. Mur. Ok. Non, mais c'est important. Tac. Ok. Tête. Voilà. Voilà, on est bien là. Moi, je pense qu'on est pas trop mal. Voilà, save.
Hop là, copier. Hop là, tac, tac, tac. Ok. Bam. Voilà. Voilà. Bon, moi, ça me paraît clair. Non, mais c'est important. Ils m'ont demandé d'être leur coach. Il y a peut-être des trucs sur lesquels moi, je pensais qu'il fallait parvenir et sur lesquels on va devoir revenir dans le futur. C'est hyper important. Voilà. Allez, let's go. Non, je te jure. Allez. Comment ça marche? Ah, c'est ça. Ça. Vous êtes pas en connecteur en deux. Merci Roro pour les 30 mois, merci Baptiste pour les 33 mois, Boys pour les 5 mois. Je vais montrer ta pesca blanc. Ah, la porte kit, y'en a un. Je vais descendre, je vais monter scablon. Ouais, okay. active. Oh non, on est Roro. Active ton cheat. C'est Roro. Active ton cheat, ouais, choisis. Pipup. Prends le mode headshot. Je vais monter par la scamine. Oui. Désinstalle-le. Bah oui, celui-là. Putain, okay. Tu veux monter les deux? Ok, vas-y. Deux on va regarder les trucs. Hein. Problème de team leader parce qu'ils vont être ailleurs. Oui, c'est vrai, c'est... Ouais, pour moi, c'est front, quoi. Ouais, front, pardon. Je vais MDR, ça me fait marrer. Bah, j'ai demandé si vous vouliez front. T'es d'accord que ta méca est dégueulasse, c'est inadmissible que tu lui colles pas là. Est-ce qu'ils sont des mix? Ouais, c'est ultime, je crois. Ouais, c'est un meeting. Let's go. Voilà, là, en plus. C'est un meeting, moi ce que j'aime bien faire, c'est une attaque kitchen, on prend juste un kit. Franchement, j'ai mal de savoir que certains, même moi, certains kits, genre, je les aurais mis quoi. Normalement, vous devriez défoncer quoi. Je te jure, lundi prochain, 1v1, je te jure, je mets un round. Tu dois 1000€ mon gars. Sledge, tu vas avec Yana dans le. Putain, Master. Des problèmes de son. Et vous prenez juste la kit tous ensemble à 3. Les haut-parleurs sont dans ta souris, trou du cul ou quoi? T'as ton drone. Ouais, tu viens avec moi en gros. Ouais, j'ai ma sœur à ça. Tu vois où tu t'en sors? Tu t'en sers escablant. T'as dit quoi, Zayden? J'ai toujours du mal avec cette hache là. Tu passes par la small tower, mais tu vas. H plus Yana, mais bon. Tu remontes escablant pour les aider à prendre la master. Yo6, tu vas bien? Moi, ma journée allait parfaitement jusqu'à ce que je vois la décale de Zayden là. Tu m'as clairement donné envie de. Vas-y, de me suicider, hein, tout simplement. Non, mais sérieusement. Hein. C'est clair. Ah, je pense que je suis au bout de ma life. Hein. Je crois que t'as un timing, mec. Hein. C'est clear. Top main. Lily à droite. C'est clear, ma soeur ou pas? Souris, il est à gauche. À gauche, y'a personne. Dans la master, y'a rien. Dans le trophée, y'a rien. Top main, y'a rien. Ouvre le mur, s'il te plaît, poulet. Ouais, j'avoue, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Mais attendez, mais ils font pas la cuisine, hein. Yeager close port poulet. Nice, faut laisser rentrer alors. Faites gaffe à Tika. Franchement, y'a rien. Au revoir, drone Yana, Tika. Au revoir, drone Yana. Au revoir, drone Yana, Tika. Au revoir, drone Yana. Pour checker ici à quelqu'un. Je verrouille les bacs avec les jardins poulets. Yep, j'ai verrouillé les bacs. Il faut au moins un mec bas blanc et un mec en cover quand je vais bas blanc. J'arrive, j'y suis bas blanc. T'as un drone bas blanc ou pas? Je vais être comme Carlos de chez G2. Ils vont faire de la merde, ils vont prendre des trolls. Il était freezer le mec? Il était freezer, j'ai plus de gamme. Il faut T'as intérêt de venir à mon Zayden, je te le dis. Ah, dans l'escape freezer, ok, vas-y, clone-moi. Il faut un mec avec moi, s'il vous plaît, qui vient kitchen et un mec bas blanc. Un mec qui prend la pose de Zayden et un mec qui vient avec moi. Vas-y, Len, prends ma pose. Vas-y, c'est pas grave, prends ma pose, poulet. Je vais avec toi. Tu travailles la TV en priorité. Est-ce que tu peux droner Zayden? Ouais. Non, j'ai plus de drone. Est-ce que je tente la planche? Y'en a un TV, Castle, il est lourd. T'as la TV? Non, non, y'en a un. Un mort dans la pitching. Castle mort. Nice, vas-y plante. Je l'entends à ma gauche, les deux. Non, t'inquiète. À la porte green, couleur green. Il est parti. C'est là, ok. Voilà. Oh non, oh. Franchement, je trouve cette attaque elle est carrée, mais il faut juste au moins deux mecs pour la plante. Je vais générer au gros round. Mais ouais, elle est pas mal. T'as quoi comme en setup fait, Zayden là? S'il meurt, c'est pas grave, vous prenez le top à 3. Souris, tapis de souris, tout ça là. J'adore ce taf, hein. Pousser derrière droite, c'est trop bien, oui. Mais c'est surtout, enfin, c'est pas logique que tu pousses par là alors que tous les autres sont de l'autre côté, tu vois. Ouais. Et dis-toi que t'as des bonnes capacités à le faire parce que j'ai déjà essayé, c'est pas facile, hein.
Quand t'es habitué à être le droneur, crois-moi que quand t'arrives. En fait, si tu veux, quand t'es droneur, t'es les yeux. Mais quand t'es en tri, t'es plus les yeux. Tes yeux, c'est le droneur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Sauf que toi, tu vois rien dans la map. Tu vois rien de. Quand tu vas décaler dans une pièce, tu sais pas ce qui se passe. Tu le sais juste parce que t'écoutes. Alors que quand t'es droneur, bah en fait, tu vois tout ce qui se passe. Et le fait d'être en tri, t'arrives derrière. Genre, c'est limite, tu dois filer dans tous les sens, tu vois. Après, sauf c'est. Moi, c'est ce que je dois faire, hein. Si le drone, il est. C'est ça. C'est ça où? Je pense que c'est le same. En vrai, ce qui est bien, c'est que limite, quand tu donnes comme ça, limite, quand tu me donnes la call, je vais te rachète carrément, tu vois. Parce que. Ils sont en bas. Bah, je me suis couru, j'ai gardé le thermite, mais du coup, ça va être facile pour moi une freezer avec les smokes, hein. T'attends, drone, ma call, je vais te rachète. Tu es dans une pièce, tu sais pas ce qui se passe. J'ai envie de le faire chier, vous avez remarqué. On va le mettre en bas à droite quand même pour avoir sa photo, hein, c'est important je pense, hein, Zaiden. Voilà. Là. Voilà. Alors, on disait. Carrefouras, vas-y, dis-nous tout. Donc il apparaîtra de temps en temps quand même. Hop là, comme ça. Vas-y, Tu le sais juste parce que t'écoutes. Alors que quand t'es droneur, bah en fait tu vois tout ce qui se passe. Et le fait d'être en tri, t'arrives derrière. Genre, c'est limite, tu dois filer dans tous les sens. Genre. Après, sauf c'est. Moi, c'est ce que je dois faire. Hein. Si le drone, il est. C'est hein. Ça. C'est où? En vrai, c'était bien, c'est que limite, quand tu donnes comme ça, limite, quand tu me donnes la call, je vais te rachète carrément, tu vois. Parce que. Ah, ok, j'ai mis. Bah, je me suis couru, j'ai gardé le thermite, mais du coup, ça va être facile pour moi. Ah, j'aime bien pour les. Il faut tous les drones, les gars, les drones. Ouais, je suis en train de mettre un cap, t'as bien. Ouais, en vrai, j'ouvre les deux trappes, la main et la freezer, et on pourra se mettre facile pour le main. Du coup, Zaiden, faudrait limite que tu échanges avec moi. Je prends le main, moi. Y'en a qui jouent toujours de freezer. Ouais. T'en as le pour les actes, tu veux dire? Ouais, pour les actes, parce que j'ai les smokes. Vas-y, c'est clair, vous pouvez y aller. Bah, smoke. Comme d'Ablen. Ouais, ouais. Top blanc, c'est clear, ça m'a l'air bon, hein. Y'avait pas de roaming avant, je pense que c'est la même. Attends, je rentre Zulu, mais j'ai vite. T'inquiète. Oui, c'est clear. Top white, c'est clear. Top white, y'a un mec, mute. Top white, top freezer, top freezer, top freezer. Il a pété le drone. Hein. On va Yana. Vas-y, j'envoie. Est-ce que quelqu'un peut garder le. Un mettre un drone green et garder la cover, s'il vous plaît? T'as drone green, Zaiden. T'as dit quoi, Nadan? Tranquille, c'est bien. Je vais drainer le. L'armurice, ça qui veut. Armurice, c'est clear. Prenez la cover des flancs. Vas-y. Prends le. C'est clear. Je vais prendre le green. Meeting, c'est clear. J'ai mis mon drone meeting, y'en a pas. Freezer ouverte. Ok. 2 minutes, on est bien. Full time. Double bas main. Bas main, c'est clair qu'il est. Y'en a un closet. Jäger closet. Moi je vais jouer le main, il faut que les ça, autres. Ça sent le drone de perdu pour pas grand chose. Y'a rien derrière la bombe pour l'instant. Y'a rien dans la longue. Y'a un mec qui a freezer seulement. Il a rota le shield, il a rota les ADS. Vas-y, viens me deny, je vais le nez. Du coup, vous voulez faire 2 main, 2 freezer et je vais dans le flank. Y'en a DS là. Est-ce qu'il y en a DS sur route? Noma, tu peux venir deny s'il te plaît? T'es sûr qu'il y avait personne là sur la ligne que tu prends là? Ils sont où les ADS s'il te plaît? Il est où l'ADS? Au niveau du shield salle de bœuf. Je sais pas, mais le shield il est tout à droite. Il est à mon ping, l'ADS à mon ping. Il y a un mec d'ailleurs, il y a un mec là. On peut me prendre un trade s'il vous plaît? Mais le bug! Quoi le bug? Il est en haut? Il a pris ma vertie. Vous avez le temps, sérieusement? Comment c'est possible de se faire niquer par une Aronie qui veut faire un trou? Le truc le plus obvious de l'histoire de l'humanité, quoi. Anti-roaming là-dessus, là. Très leur job, là-bas, la prochaine fois. Y'a un mec pilar, un mec freezer, à ta gauche. Mmh. Vas-y. Y'a un freezer. Viens le shield s'il te plaît, Len, tu peux ou pas? Ou H? J'arrive, je comprends pas. Quelqu'un est sur mon. Enfin, je balance un drone maintenant. Le shield, ouais. Il est mort. Autoroute. Double porte. Un freezer.
Tire un peu laine, tire un peu laine. Freezer derrière la box, il est passé autoroute, personne Freezer, autoroute, autoroute. Prends l'argent autoroute là, il a pété. Contact à toi. Ah donc c'est bien autoroute, c'est pas couloir. J'ai pété, je suis. Non, attends, vas-y pète. Je peux pas, j'ai plus. Main sur les roues. Allez, plus longtemps, vous parlez mieux. Les mecs, Rocha et Amélie, faut t'appeler. À terre, je crois. On retombe. Et l'autre était pilier, dernier col. Je plante. Len, la cover. 20. 50. T'as quoi comme cover? 80. Dans le site. Bien joué. Il faut vraiment qu'on se parle. Vous savez que j'ai demandé, je suis presque sûr, j'ai demandé pendant une heure et demie. J'avais déjà tout droné, j'avais dans le meeting, j'avais pris les drones. J'ai demandé pendant une heure et demie ce que quelqu'un prenne le drone green. Personne ne l'a jamais pris. Du coup, elle est remontée. Il est pas passé par green. Oui, elle est passée par green. Non, elle est remontée top tower. Elle peut pas remonter par green et elle va où après? Non, mais elle est remontée Esca Tower. Mais on a pas, il faut un drone dans cette. Il faut que le drone kitchen, après, il parte pour regarder l'Esca en fait. Oui, pour l'Esca Tower, oui. Et ça, je l'ai demandé pendant une heure et demie. J'ai dit, Nero, avance ton drone dans l'Esca. Enfin, pour voir l'Esca. Et après, je te mettrai. Est-ce que quelqu'un prenne les drones le temps que j'ouvre les trappes? Yep. Alors, mais bah toi. Mais pas forcément. Jaden, hein, si H, Yana, Slash, vous pouvez rien faire tant que j'ai pas ouvert les trappes, de toute façon. Donc, vous pouvez prendre les drones, tu vois. Ouais. Moi, j'étais parti pour deny le shield à droite, là, c'est tout. Mais avant, l'attaque défaut, ce serait deux main, deux freezer et là, un mec en fait, dans le flanc. Hein. En fait, toi, il faut que t'ailles. Bien dans les execs, c'est que quand t'es dans l'esca, en fait, quand t'as utilisé tes deny, tu vas dans l'esca, et au moins on est sûr déjà que ça va pas nous remonter dans le bac, vu que t'as l'esca, et en plus tu fais une petite pression. C'est où le site? L'esca pilier. D'accord. On fait contrôle map, placez vos drones. Vas-y. Cette fois on fait bac, on fait gaffe au flanc. Cette fois il faut s'annoncer, il faut que tu tombes et un mec. On fait où? La même chose. Je vais les prendre 50% du temps, mais là j'ai fait un C4 à la fin. Je vais aller mettre mon drone côté tour. Je vais tout prendre les cams, et qu'elle dit prenez les cams, si quelqu'un n'a pas répondu. Là, je prends les caps parce que quelqu'un n'a pas répondu. Le drone, faut vraiment. Quitte à crier. Faut vraiment les faire, les. Faut vraiment prendre la cam. Beaucoup de surcom, mais c'est moi. Attendez, mais ils sont pas au top, ils sont où? Ah, ils sont en bas. Ah, oui, on a gagné. On refait la même. Ok. Oui. Mais du coup, j'ai pas mis mon drone. Okay. Je voulais changer pour une bleue. La bleue, c'est la plus facile. C'est clair, Mamaï? On est pour celle-là. J'en sais rien. Je te redonne la cam. Dining, c'est clear. Kitchen, c'est clear. Tu peux passer. Bathroom, la cam est prise. Ah bah si t'es passé, c'est bon. T'es passé, Nero? Ouais. TV, c'est clear. Top wide, top freezer, c'est clear. Zulu, c'était clear aussi. Top wide, c'est clear, rien n'est passé. Check les cams, faut quelqu'un prenne les cams. Top freezer, je crois. Vas-y, drone jusqu'à la monteur. La Mélosia, j'envoie. Elle a pris la cam prise, Mélosia. Jusqu'à la tête, c'est clear, y'a pas de routeur. Y'a du mute sur la trap main, cette fois-ci. Bon, Murray, c'est clear. Dans le freezer. Ça a pété ma cam tour, attention. Récupérer les overviews pour la prochaine fois avec les démos in-game. Elle est peut-être déjà montée. Hein. La rota elle est pas faite de tap, elle est pas encore passée. Est-ce que vous pouvez prendre les cams le temps que j'aille faire les traps? Je suis en train de dormir, je dors sur des cams, allô. La trap main, tu peux pas l'ouvrir, hein, Jammer. J'ai pas le flanc. Normalement, il peut pas tout avoir avec le truc. Freezer, il y a un freezer encore. J'ouvre le meeting. T'as la cam meeting, c'est clair. Rien du tout. Toujours dans un freezer. Quelqu'un peut prendre la dernière cam, s'il vous plaît. Je vais péter le jammer. Déjà, vous venez avec moi, hein. C'est bon, je peux ouvrir, Zayden, j'ouvre la trappe. C'est bon. Vas-y, je vais le mettre ensuite là. Zayden. Ouais. Faudrait que tu deny la Rooney, il pique derrière. Je vais deny le premier. Une 10. Tu veux que je prenne le freezer, Zayden? Et je reste main, je te laisse au début. Ouais, vas-y. Tu freezer, mais... Ouais, j'arrive, Len, je te drone. Dites pas vous quand vous commencez à mettre pression, je peux plus en côté. On essaie de. Mort, okay. Y'a de nouveau le même Mélusia. Y'a plus de drone, poulet. Attends, je pète le Mélusia. Vas-y. Regarde s'il y en a pas un close, poulet. Y'a un pilier, Mélus pilier. Il pique devant toi, Zayden. Il est mort, mais il vient de drop sur la trappe, poulet, je peux pas le voir. Non, j'ai pas dit ça en mode. Ah, ok. J'ai pas dit ça en mode, c'est ta faute. Non, t'inquiète. Mais ça m'a demandé la pique. Ouais.
Ah, faut pas le couper dans la façon dont il a call, là son call était parfait. Il pique, il pique, il pique, il est juste devant. Deux fois, elle serait répétée, puis deux fois, les automatiques finiront ensemble. Moi, je crois que mon problème dans l'île, c'est que je suis trop. Trop stressé par le temps. Alors qu'on a le temps. C'est alors, on avait large de temps. Hein. Ouais, mais en fait, genre, quand on je regarde discutait de quoi à 1h du matin, Momoy, alors que je n'avais pas vu cette VOD. Côté en contrôle map comme ça, faut prendre son temps. En plus, ils prennent pas la map, donc on prend son temps, on fait les choses bien. On a 3 minutes pour prendre une map. Et ils nous enlèvent le fait d'anti-roomer. Du coup, on gagne 1 minute 30. Non, mais faut que je corrige. Tranquille. Faut que je stresse sur le temps. Genre, moi, je vois 1 minute, pour moi, faut exact, tu vois. Ouais, tu peux tuer le niveau de temps en Nigel. On en parlait, hein, j'avais pas vu ce VOD, hein. Je te l'ai dit, il y avait des trucs. À 1 minute 45, je me disais. Là, je suis en phase d'observation, Nado. C'est encore en bas, c'est encore en bas, les gars, c'est encore en bas. Vous voulez faire une blue ou pas? Ouais, non, on changeait là. Non, non, on change. Vas-y, c'est toi qui décide. Enfin, on l'a fait 5 fois. Ouais, moi j'aime bien. L'exec maintenant, c'est 15-20 secondes, non, tranquille quoi. Hein. Il faut être sûr d'avoir des faits de Mélusie, il faut être sûr de faire des faits du mec qui était en train d'anti-romer, etc. Il ne propose rien. C'est désolé pour les personnes en face, mais il propose rien du tout. Il n'y a pas de roaming, il n'y a pas d'agression vers l'extérieur. C'était 4 attiques. Là, j'aimerais bien que vous preniez des grosses sanctions sur des trucs que je vois là. Donc, on va tous y aller du coup. Ouais, sérieux, même des... Ils piquent pas vers l'extérieur et... Ça se promène, je trouve, un peu au début. Bah ouais, non, ils sont en bas, ils sont en bas. Là, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas un pic au niveau de la fenêtre parabole? Je pense qu'il est passé comme un toto, l'autre en dessous, c'était trop rapide. J'ai essayé de lire, et je vois rien T2. J'ai pas fait le T3, je peux pas le faire, mais c'est clear. Vas-y, tu peux y aller. Tu peux le faire, le T3. Tu montes à droite, tu montes là, le meilleur des moyens pour avoir le T3, c'est en rapide quand on n'a pas eu le temps de monter son drone. Enfin, le meilleur moyen, c'est de balancer le drone à l'intérieur, mais vraiment... Gêné, c'est clear, et je vois rien. Jump ici, jump là, et jump, et rien qu'en jumpant, tu te mets sur la poutre, et en jumpant de la poutre, tu vois tout ce qui se passe, quoi. S'il n'est pas là, de toute façon, bon, tranquille, quoi. Voilà, c'est surtout derrière le truc là, qui est un peu emmerdant, quoi. Au moins que quand lui va ouvrir la fenêtre, toute la partie qui est au-dessus du drone, là, il n'y ait personne qui le prenne, que tu puisses voir s'il n'y a pas un mec allongé en dessous de la fenêtre ou ce genre de truc-là, quoi. Après, ça, c'est la position de tôle. Moi, j'appelle ça tôle. Tôle, il faut qu'il s'en occupe normalement lui-même, quoi. Et voilà, quoi. Mais il y a zéro agression vers l'extérieur. Hein. Vraiment, là, j'ai l'impression qu'on met une équipe un peu... Qui a envie de s'amuser un peu, ça va pique vers l'XT, machin. On a vu beaucoup de piques hein, sur un Six Major ou ce genre de truc-là. Il y a encore beaucoup d'agressions relativement safe avec des petites lignes. Dès qu'il y a une fenêtre cassée, ça veut dire danger, quoi, avec des toutes petites lignes. Et si tu viens passer à cet endroit-là, il va te mettre des bastos, alors que là, ça court en mode... Bon, bah, je sais qu'il y a personne de mon spawn à l'entrée de la map. Faut faire méga gaffe, je vois le truc arriver. Hein. Je vois des pics garage, ah merde il m'a pique garage, ah merde il m'a pique machin, ah merde il m'a pique dans le main. Oh putain, alors que j'ai cassé, j'ai pingé la caméra du main après avoir cassé la porte, merde il m'a pique Zulu, il m'a pique garage, etc. quoi. Merde, putain, j'ai vraiment du mal. J'ai pas fait le T3, je peux pas le faire, mais c'est clair. Ouais, c'est pas très grave. Escapilier, Yeager, il vient de péter mon premier drone. Deuxième étage, tower, c'est clair aussi. Yeager, escapilier, vous l'escatower, il est clear. Là, le mec est en train d'attaquer au niveau du préau. Ça arrive quand même souvent de voir des agressions de garage, hein, quand le garage il a pas été droné, quoi. S'il y a un mec qui est resté au niveau du main, quoi. Il agresse au niveau du garage, il vient péter le mec qui est au niveau du préau. Ils ont zéro agression vers l'extérieur. Ça ne représente pas... Ah si, là il prend une ligne. Meeting clear. Déjà rentré par le préau, je suis pas fan moi. Speed, drapeau c'est clear. Il y a un drone kitchen. Parce qu'en scrim, les spawn picks sont pas faits. Oui mais il y a un truc qui s'appelle le drill boîte de conserve. Et t'as pas envie de ça en fait. Le drill boîte de conserve, ce serait de t'habituer à une situation et le jour où ça t'arrive en vrai, tu te dis bah merde quoi. Non, faut faire comme si quoi en fait. Faut faire comme s'il y avait du spawn kill, faut faire attention à ci, faire attention à ça. Je le mets. Moi je récupère mon drone. Nomad, tu mets un nomad chirurgical. Faut pas être un infirmier, hein. Faut pas savoir un peu. Un peu s'occuper d'un patient, quoi. Là c'est de la chirurgie, quoi, en ce moment. Petit truc.
Barbare, moi je peux nade depuis la trappe. Ah, mais j'ai besoin de tes nades, Nado, on a plus rien sinon. Ok, ok, j'arrive. Tu sais là que tu feras les nades s'il y a besoin. Viens avec toi. Là, il y a un shield, un Hades close. Il y a besoin de tes flèches. Il y a un shield pilier aussi, tu peux l'inade s'il te plaît, Len. Il y a un mec Potter aussi. Le shield il est pilier. Là, deny le depuis la trappe, ce sera plus safe. Il y en a un close, Potter. Ouais, l'intensité de la com en fonction de la dangerosité. Hein. Ça aussi. Tout à l'heure, en fait, tu reprends le mec qui te donne une intensité qui est parfaite par rapport à la dangerosité, quoi. Il saute et dit devant toi, par rapport au fait que tu puisses faire tout de suite quelque chose, quoi. C'était le même cas hier avec une Momo où j'aurais voulu entendre un truc. Cheminée, on peut le défoncer. Il est bloqué. Vas-y, cheminée. Il est juste à côté de la cheminée. Contact à gauche. On le défonce. Vas-y, let's go. Attends, je prends la ligne. Toujours là. Il est sur mon ping. Il bouge pas. Il peut pas bouger. Bam, bam, bam. Là, on y va, quoi. Là, le fait que Potter aussi, il y en a un. Que l'intensité de la com soit aussi importante entre le shield qui est à côté du pilar. Et du mec qui est proxy en dessous, il aurait pu se passer 2 secondes avec un timing où Len n'avait pas cette confirmation-là en finale. Parce que là, il demande la confirmation. Et en fait, quand il demande la confirmation, il demande plus que la confirmation. En fait, ça c'est typique. C'est typique d'une personne qui ne comprend pas qu'on lui a envoyé une information aussi capitale avec aussi peu d'intensité. Ça, c'est clairement. Il demande une confirmation en mode, sérieusement, il y a un mec Potter. Et en fait, ce qu'il t'envoie comme message, c'est de le comprendre, c'est de te dire... Normalement, on aurait dû me faire passer ce message avec plus d'intensité. Clairement, le même truc, la même machine. Moi, ça m'arrive sur le drone et tout. Potter, contact. Attention, t'en as un. Aruni, contact, elle est en dessous de Potter, etc. Je te donne l'info, elle a pété mon drone. Démerde-toi avec ça. Mais c'est. On a les infos, mais il y a une information qui est capitale, quoi. Et elle doit donner avec un truc. Je sais pas, c'est un truc, c'est immédiat, quoi. Et il faut que ça monte en intensité, quoi. Et là, je pense que ça, par exemple, même si ce n'est pas stricto sensu une erreur de com, c'est le genre de truc que je l'ai déjà vécu 100 000 fois qui peut devenir une école de com, une erreur de com. Pourquoi ? Parce que derrière, on n'arrivera jamais à trouver la responsabilité entre la personne qui dira « Mais je te l'ai dit !» et l'autre qui lui dira « Oui, mais !» Tu vois ? Len, il y a un mec Potter aussi. Le shield, il est pilier. Là, deny-le depuis la trappe, ce sera plus safe. Il y en a un close, Potter. Il y en a un Potter. Ouais, il y en a un Potter sans raison. Attends, il en reste un. Ah. Vas-y, bouge, recule après. C'est hyper important. Envoie ton clone, il y en a un. Et quand on peut défoncer un mec, on le défonce, quoi. Et on met de l'intensité dans le call, quoi. Le mort. Un Shaiko, toujours. Ok, j'ai drop. Shaiko mort. De longue. Laundry. J'ai la longue. Prise. J'ai. 5 assists. Un bon gros joueur bien chaud en face vous défonce la rondelle sur notre décan du machin. Pourquoi ? Il a 6 assists. Y'a pas par contre, de Badoué, freeze, nom de dieu. Le kill sur Tcheko c'est ton kill aussi, Len. T'envoies ton drone. Un Shaiko toujours. Ok, j'ai drop. On vient de faire quoi là ? On est en 5v2. Il reste 1 minute. Ce déroulé là de machin là. L'accélération dans notre truc, cette exécution où on passe quasiment les étapes mid-game, late-game, very late-game. Et ça, ça se fait à 15-20 secondes de la fin, quoi. Pas à 1 minute. À 1 minute, on a le temps, bordel de merde. On a le temps de redroner, on a le temps de prendre l'information, on a le temps d'avancer tranquillement, etc. Autrement, on va se heurter à des mecs qui vont être chauds. Ah merde, il m'a eu. Attends, moi j'y vais. Ah merde, il m'a eu aussi. Ah merde, j'y vais. Putain, les mecs, franchement... 30 secondes, je comprends pas, on était 5v2, on se retrouve en 2v2, nanana. Mais ouais, mais remonte en fait, le problème il est que t'as pas respecté le fait qu'en 5v2 à 1 minute, tu prends 15 secondes pour te toucher la tub quoi. T'as 15 secondes à rien branler, à rien faire, tranquille. Qu'est-ce qu'on fait ? On freeze le jeu. Les plus grosses équipes, c'est les mecs qui mettent des têtes. Oui, c'est les mecs qui ont des strats. Oui, c'est les mecs qui ont des analyses, etc. Machin. Mais c'est des gens qui savent prioriser ce qu'il faut faire en fonction du temps qui est restant. C'est tout. Là, j'ai envie que vous preniez des clutches dans vos gueules. Hein. Vous comprendriez. Hein. Chez Comor. Là, bam, il met une grosse tête. Là. De longue. Laundry.
Ou le dernier là, il en fait un, il en fait deux, il est avec son shotgun, deux mecs qui le rush. Et il y en a un tout cas, un troisième qui dit attends, vas-y, let's go. Avec la petite montée d'adrénaline là. J'ai vu personne. Ah, ça c'est typiquement, faut savoir dissocier le résultat de. Kill sur Tcheco, c'est ton kill aussi là, non ? Tu envoies ton drone, tu follow. De la façon de le. Faut savoir dissocier le résultat de l'action quoi. Le résultat est bon, ils ont gagné. L'action est très mauvaise. Donc ça passera contre des joueurs et ça passera pas contre des joueurs meilleurs. C'est sûr. C'est certain, mais à 1000%, là y'a pas. Après, si tu veux vraiment strater, est-ce que R6 va mourir dans les prochaines années? Oui, dans les prochaines années, ouais. Toi aussi, tu vas mourir dans les prochaines années. Moi aussi, je vais mourir dans les prochaines années. On va tous mourir dans les prochaines années, ça c'est sûr et certain. Merci infiniment, Dr. Zitoon pour les 2 mois de frais scolarité. Merci Roro pour les 30 mois de frais scolarité. Just Baptiste pour les 33 mois. Boys pour les 5 mois. Vous êtes des monstres. Merci les poulets, vraiment. De toute façon, on a besoin de travailler le default au début et après on fait les strats. Je sais pas comment vous voulez vous y prendre, on verra après. Bah, on verra. Faut travailler les automatismes avec son souffle. On revient au moins 1-2 semaines avant de. Les basiques en fait, et après on. Oh merde, je suis trop con, espèce d'effet là. Et vous mangez tard ou pas, vous, de base? Ouais, j'ai mangé tout à l'heure. Ah ouais, parce que là, je sens l'odeur de mes parents qui mangent, j'ai faim. Vas-y, mais Momo, tu manges tout le temps. Merde. C'est Galou, hein. Galou hier nous a dit que R6 était déjà mort parce qu'il y jouait plus de 2 semaines. Donc voilà. Je bouffe tout le temps, meuf. Le drone il est en métal, je comprends pas. Au niveau des spawns. Merci infiniment, Sillon, pour les 4 points de scolarité. Monstre. Merci beaucoup, vraiment. Bon courage pour la création de l'équipe. Vous êtes des monstres, les amis. Attends, laquelle le Campbellkey? Regarde, c'est sur le. Sors. Il t'attend, bus, mais sors. Trop tard. L'autre il. Ouais, derrière le bus. Il a eu la cam. Sors, vas-y, c'est immédiat, tu peux le faire maintenant. On a un truc, on a un timing. Il y a un danger, il y a une opportunité. Et je prends le contrôle sur mon teammate en fait. Je prends le contrôle, il a plus besoin. Il faut pas qu'il ait de questions à se poser. Il faut le contrôler à ce moment-là quoi. Sors, tu peux le faire, vas-y. Et après, bon, t'as fait de la merde, t'avais pas vu un autre mec. Ah, désolé, je l'avais pas vu, machin. Mais non, là, faut que. Voilà, c'était parfait. Un drone en moi. Ça, c'est bien ça. Il est allongé en dessous. Mec, Captain Master. Allongé balcon. Et en dessous, ça va attaquer la tique. Doucement là, hein, on dirait Len quoi. À courir partout et tout. Mec, ça drone. Ouais. J'ai vu la tique. Y'a pas eu le drone top main. C'est rentré, Master. Ok, j'ai un monde top main. Drone top main pété, on est en moins 2 en drone. Master, c'est rentré Nero, je crois. Ça a voulu mur principal. Bridge open. Merci infiniment, okay, Alex, pour le fait d'avoir offert à Scarel et à Intox leur droit de scolarité. Vous êtes des monstres, les amis. Merci. Ça drone trophée là. Ouais, il est close. C'est nous le mec, Nero. Ok. Grenier. Bonne journée, Blanc. Rotate. Toujours Attic, c'est rentré. Ace mort, diffuseur. Ça, c'est propre. J'aurais aimé un peu de moins de. Attention les highlights YouTube là, désolé, mais un truc un peu plus propre et tout machin, j'écoute, je reste là. Est-ce que là je suis en difficulté? Non, j'ai pas besoin de bouger. À chaque fois que je bouge, je donne une information de bruit. Nanana, je sens que j'ai une opportunité, j'avance tranquillement. On le voit en ce moment, les mecs walk à mort quoi. Au Six Major, ça walk tout le temps, ça fait très peu de bruit. Et à un moment, bam, là j'y vais. La moitié d'un an. Le nombre de fois où. Voilà quoi. C'est fini le bolo stretch pour dans tous les sens. Au niveau du dropper, côté gauche, dropper. Bon, bref, c'est pas grave. Mais... Toujours côté gauche. Ok, non, elle est partie. Dis-moi quand il a gauche. Il est au niveau du dropper. C'est Yana, toujours. Il t'a pas un truc à en dessous. Ils sont deux à tic. Et la drop. Elle drop meeting. Non, ça drop close. Close à la porte. La trappe est ouverte. Ouais. Ouais, la trappe est ouverte. Il y en a qui told. Elle est repartie côté bridge. Elle est par là. Il me reste un C4, il y a des trous pour les plans de défaut. Elle va bientôt arriver sur ta ligne. Je reste en dessous pour les plans de défaut. Il y a Yana qui est toujours close. Elle est partie, elle vient de passer. Nice, une tue, C4. Ibana mort. Trophée. Ah là, je peux. Voilà, de la petite ligne de merde. Côté gauche, côté pas besoin de repique, voilà. Côté droite, maintenant, Flores. Vas-y, Top blanc mort. Non, il m'a tranquille. Eu. Et l'autre attique.
Prêtez, pour trophée, middle. Ils sont voilà. Les deux, ils sont les deux. Il y en a qui est rentré, ils push. Ça push, ça push. Ça push armoire. Encore l'autre est close à la bombe. Pas à la porte. Bien joué, mon mec. Zayden, tu veux refaire le truc blanc ou pas? C'est quoi le truc top blanc déjà? On les deux, on est au top, on pète des drones et on prenait des kills si on pouvait. Vas-y, on joue un peu plus aggro. Vas-y, vas-y. Pas de soucis. T'as un style de jeu après 6-4. Un style de jeu quoi? T'as un style de jeu de créateur de contenu d'il y a 2 ans sur Rainbow Six, ouais, de faire tout le temps. C'est ce que je fais moi. Moi je suis dépassé. Je te mets moi au niveau. Attends. Regarde comment ça pique au Six Major alors. Ouais, mais tu fais là sur la même ligne, il y a un moment où il se serait mis en mode machin, légèrement décalé, pas de bruit. Et plutôt que de partir à gauche, d'aller à droite, alors que c'est déjà clair, parce qu'on sait déjà qu'il y avait personne qui poussait à cet endroit-là, et de courir dans tous les sens et de faire un maximum de bruit pour aller sur des lignes où eux, ils verrouillent les trucs. Non, c'est vraiment les décals sont vraiment... c'est vraiment... Enfin, voilà quoi. C'est vraiment mis sur le côté... Enfin, tu te penches sur le côté, et tu fais un strafe, et tu prends juste une information de quelques pixels, quoi. T'essaies de décaler une tête, machin. Enfin, je sais pas. De tout ce que j'ai vu sur les 3 derniers jours, c'est quasiment que comme ça. Quoi. Petite information, ok, j'ai raté mon duel. Il push ou il push pas, je prends pas trop de... Faites les traps, hein. J'overextend pas en fait, parce que le problème du AE c'est que t'overextend quand t'as des cales quoi. C'est pas grave, fais le main en plus. Sinon j'ai pas le temps. C'est Len qui a le plus de temps, en fait t'as le plus de temps dans ta phase de prep. En fait, quand t'es Guillaume, tu fais l'attrape meeting et l'attrape. Mais c'est pas grave. Un excès de confiance, mais non, je pense pas. C'est juste que c'était. Avant, en fait, on partait de ce principe-là. On faisait beaucoup de A et de E pour trigger, en fait. Bah, c'est bleu. Pour trigger le shoot d'une personne qui tenait une ligne, en fait. Et au moment où il tient la ligne, parfois tu passes sous sa ligne et tu viens lui coller la balle, en fait. Mais à l'heure actuelle, les décals, vraiment, en pro, c'est beaucoup plus propre, quoi. Ça vient vraiment lécher les arêtes tout doucement. Et au moment où le mec apparaît. Attendez, j'ai un bruit de chip. Ah, Flores, ah, j'ai pas de bruit. On regardera un match tout à l'heure. Je l'ai pas mis où? Je l'ai mis à la porte. Non, là, je l'ai pas mis là. C'est pour ça que je demandais toggle et hold et on s'est pas gouré quand je demandais ça à Renchi hier. Merci Jokes pour les Simon. Vraiment, c'est plus du tout comme avant quoi. Je pense que les personnes en hold comme moi sont désavantagées à l'heure actuelle. Il y a mute face aussi. Meeting? Bah, à Portico, tu peux mettre les drones, je pense. C'est compliqué. Scato, je prends la tour. What? Tout le monde dans le meeting. Il m'avait droné, MyBot. Contact à droite. Faut pas que je joue, c'est aggro. Le mec est bas blanc. Ouais, c'est un pull dans la petite chest. C'est dommage de rester sur site tout de suite. Meeting open. Ok, j'ai essayé de flanquer. Non, c'est vrai, faudrait que je regarde des games sur Oregon. Y'a un mec dans la Oregon est l'une des maps, elle a pas été trop jouée pendant le Six. Ouais, c'est la map la plus defense-sided, donc ça c'est le BP le plus defense-sided du Six Major. Vous l'attrape Freezer, les gars. C'est le BP que tu dois gagner en défense. Merci. Bon, tu fais quoi en moins? Freezer, les gars. Ivan Amorst. C'est généraux. J'arbac. Rock meeting, un mec. Il me pousse bleu. Bleu, attrape-le à droite. Ça se balade, Zayden, hein. Dommage. Aligné, du coup il veut finir. Ouais, mais ça c'est pas du turtle ça. Ça c'est je me balade quoi, poulet. Ça, ça passe contre des plates 2 quoi. Hein. Ça c'est ok, tu vois ce que je veux dire. Mais dès que les mecs vont commencer. C'est dommage, j'ai perdu le shield dans une seconde. Tu mets le but genre juste devant le shield. À être extrêmement rigoureux sur leur décal et tout. Ok. Limite tu mets les deux mutes au fond, tu vois. À la porte, je m'en fous. Parce qu'à la porte, en fait, à la porte, si tu contrôles la droite, tu peux passer. Ouais, il est passé. Beaucoup plus strong et faut arrêter le côté, je pense, faut arrêter le côté AE partout là et, voilà. Et se balader, courir, essayer de distribuer des headshots et dire ah merde, fait chier. Non, faut être plus pro quoi. Calme. Et dès que j'ai fait ça, au pire, après, dès que je perds le shield, si je perds le shield dans la faut minute, faut-il de faire un décal avec double A au lieu de AE? Comment ça double A? Ça veut rien dire. Comment ça double A? Parce que là, il fait une freezer bleue en fait. Ouais, tranquille, en vrai, on a 2 C4, 3 smokes, je vais la jouer safe. Dès qu'il me fait mon shield, j'ai retard ma cam blindée du coup devant bleu. J'ai pas regardé toutes les machines, mais. Faudrait regarder un peu quand même. J'ai pas envie de dire de la merde. Là, j'en dis pas mal. On va regarder une vidéo qu'on a pas vue hier.
YouTube, VOD, Major, RC, machin, je sais plus c'était quoi déjà. YouTube France, non. Esport VOD, c'est ça. Yes. Non, Rainbow Six Esport. Ils mettent les VOD là-dessus. Ah, ok. Espérons que ce soit pas du 480p comme hier. How the dynamic has worked out for this group already. Yeah, they won't know how they can manipulate the group until IG and Empire play each other, though. Because yeah, whether that yeah. goes or if one of the teams with beautiful regulation picks will be a office. They've got lots. We haven't seen a flawless in a while. It seems like. But they were previously like the team. But if it happens in the best. See Empire ending up. Is this a semi-final team? Is this a top four team? Might be a quarter-final team, honestly, because it's a known. Map la plus compétitive. Enlever du map pool pro. Yes. Technically, those Selmos, they do act as a meilleure des maps. Breach on a lot of. Be the same. Full as ace. If you look at the lineup being brought. TSM came out ahead on. Liquid have already clinched their spot. Allez, pour une fois, j'ai pas envie de voir de l'overview. For them, there's not a ton that they're going to be playing for. Seeding. For TSM, there's bragging rights, there's pride, there's third place in the group, and the potential to play spoiler to Team Empire, which is substantial. Team Empire, I feel as though if Team Empire are allowed to make it to the playoffs, they will have a better run. Un mec en bolo est en hold, hein. Yeah. That's going to enable them. They are good in those best of threes. Je veux juste regarder un truc, hein, mais bon. Laisse bonne faire la petite taf. And they do have another match also. Vas-y, vas-y, il va nous faire que de l'overview maintenant, le mec. Making that spot happen, but Dan's gonna get the lead off here. The first round of Consulate, down goes Bolo. Empire's fate is very firmly in their hands, playing both TSM and Invictus. All they need to do is just win. That's it, that's all it's gonna take. Just win, Parker. Just win, it's really quite that simple. TSM angling for their second win here, as we talked about before. Joystick down below, this is an angle that we'd seen from him in their Team Liquid matchup. Dan is gonna be very difficult to dislodge. Que ça alors, Xen. Tough spot to hold, but when you see the player put there, you know that he knows how to do it. Shepard, the second kill for Empire. Y'a pas de... J'ai trop l'impression qu'en France, on serait déjà allé greedy en top escale, enfin en France de certains, et d'aller prendre une info et faire un AE et se prendre une tête par le mec qui t'attendait. On comprend déjà que dans une logique de défense, le but du jeu, c'est avant de faire des kills, c'est déjà de pas mourir. Et je pense que déjà, ça, c'est le premier truc, quoi. C'est de faire du kill quand il y a besoin de faire du kill, en l'occurrence. Bon, après, si on est dans une logique de remis. Mais même dans tous les cas, en fait. Et là, dans ce move Pillar, tout à l'heure, Pillar into Sheiko, into toutes les personnes qui étaient au niveau de la trappe, qu'on essaie de jouer au niveau de la trappe. Alors qu'il n'y a pas besoin, en fait. Si on reste au niveau du Pillar, Zayden, le mec, il drop trappe, tu lui défonces sa gueule. Vous êtes derrière des setups, lui il est dans son meeting, il va pas bouger de son putain de meeting quoi. Il a une trappe à côté, je suis sûr il va jamais la prendre, il va jamais rotate. Après c'est pas, on n'est pas sur la même map, on n'est pas dans la même logique et tout, mais jamais il va aller prendre une info à un moment pour essayer de surprendre, même s'il y a un reload ou une connerie comme ça, parce qu'il sait qu'il se fait play de, du balcony et de là. Et là on est strong quoi, on va jouer, on va faire les, on va être les Messi de Rainbow Six quoi, on va jouer dans 2 mètres carrés. Là on est strong, le but du jeu tout à l'heure dans Oregon c'était de tenir notre pillar, tu vois. Regarde une décale. Oh. On lèche bien les angles, tous les angles sont bien. Encore c'est TSM, ils se font soulever, mais bon après ils étaient que 4 les mecs. He knows there's one down below and he'll make a ton of noise. Might as well be a herd of elephants. He gets finished off by Always an Empire. Open thing. Je sais pas comment il fait pour jouer avec son genou lui. Hein. Il m'impressionne sérieux. C'est Karzeka. Toujours avec son genou en plein milieu quoi. Shepard, ah ouais. Shepard deuxième. You have been on a lot of consulate lately, Parker. Yes, we have. We've been on a tear, and it was Shepard, plutôt. Okay.
the small change, which is obviously a targeted ban towards Team Empire. Yeah, and I like the Echo ban. We've been seeing Echo be used fairly well on Consulate in general. Even if Empire doesn't want to run it, it's just better to be to say, hey, you know what? We don't want to deal with Echo, regardless of who we're playing. Oh, Joystick will have just hacked a drone. I think it's been shot. They know that there is a roamer upstairs. Drone in a position to call out, and there's the Jackal track on Joystick. He is now stuck in the closet and possibly going to be cut off from those players on Repel, but he's doing a good job at least of wasting time and killing drones. He's just going to still play inside a cubby, and there goes the grenade. He petite ligne là, on n'a pas overextend sur la deuxième ligne, quoi. Et on va faire chier, on va pas mourir. On va pas mourir. Il a 4 personnes sur lui. 3. 3,5 quoi. Perte de temps. Et ça, c'est typiquement le move de merde, quoi. Bon, après, il est tout seul, le pauvre, il aurait dû se barrer, mais il s'était un peu enfermé, à mon avis, avec une grenade dans les toilettes, alors qu'il aurait dû rester ici. Ça, c'est le genre de truc, dans le genre de situation dans lequel on n'a pas envie de se retrouver, je trouve. On l'a pas vu. Ah, je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Regarde un match LATAM. Bah, j'ai vu les finales, j'ai vu les 5 maps. Regarde ces petites décales. Chirurgical, 1 pixel. Il a une grenade, il va même pas la balancer. Il va la balancer. J'ai eu peur. On prend son temps. Chirurgical. Chirurgical, la ligne encore. On n'est pas en train de faire du A et du E et de chercher partout. Bing. On s'en fout. Ah, c'est ça l'idée, enfin... Et je pense qu'avant de parler de aim et avant de passer parler de juste sur le côté individuel, de crosshair placement, de genre de truc-là, c'est vraiment le crosshair placement... C'est vraiment la position des joueurs, en fait. C'est plus les mécaniques de position, en fait. De pas être en train de se balader partout, en fait. D'être extrêmement efficace sur les moves. Cut de paille quoi. Oui, encore plus qu'avant, je pense. Bon, j'aimerais bien voir les attaquants en fait. Voilà, parce que c'est là qu'on va venir travailler. Il est en hold, hein, Bolo. C'est l'un des seuls, je pense. Tu vois, enfin... C'est-à-dire que... Il a deux fois la possibilité de tirer, enfin je sais pas. Toujours ce côté AE en plein move en fait. Je sais pas, hein, on pourrait voir, hein, là on rentre vraiment dans les mécaniques du jeu quoi. Mais est-ce que ça c'est pas déjà un truc qui se faisait il y a 2 ans et qui fait perdre en efficacité quoi. C'est AE, AE, AE là. Je pense que d'autres joueurs, je dis peut-être de la merde hein, mais je pense vraiment que d'autres joueurs à l'heure actuelle auraient été capables de faire ce kill en fait quoi. C'est une efficacité quoi. Alors regarde, on voit bien le toggle machin, toujours incliné machin. Enfin bon, c'est pas... Enfin, c'est très clair ce que je dis. C'est difficile de l'exprimer. Allez, tac. La petite ligne de merde. La logique de backup derrière. J'essaierai de mettre une tête au moment où il va rentrer. Ou pas, ou je back derrière. Ah, typiquement, là, j'ai fait un... Enfin, je sais pas. Renchero aurait eu 100% de réussite sur ce kill. Je sais pas si 100% de réussite, parce qu'en fait, le problème, le mec se barre dans l'escalier, mais il a quand même 2 fois la possibilité de tirer dessus, quoi. Son tracking est dégueulasse, son... c'est pas ouf, quoi.
Et je pense que dans cette... Enfin, je sais pas. C'est peut-être beaucoup d'extrapolation. Je mets beaucoup de conditionnels. Je ne sais pas. Mais je pense que ce côté chirurgical des mecs maintenant qui sont en toggle et qui vont aller plutôt se caler et faire une petite décale, prendre une information de 1 pixel, c'est un peu ça, the way, quoi. Là où avant, on était plus dans une logique où le simple fait d'aller caler du A et du E, puisque les mecs en face n'étaient pas forcément très bons, ça donnait déjà un dynamisme à un moment ou une époque où, en fait, nous, on n'avait même pas besoin de dynamisme. D'un point de vue individuel, on n'était pas très bons. Nous, c'était les strats qui faisaient tout, en fait. Je sais pas. Il y a le stress, quand même. Mais ça, on s'en fiche. Là. Regarde, tu vois, cette décale de Pojo, c'était déjà un peu plus... C'est le pixel. Le seul endroit de merde où il y a une tête qui peut apparaître, c'est dans ce pixel-là, quoi. Là, voilà. Il va bien... Bon, ça, on le fait tout, je veux dire. Là, Zaiden, est-ce que tu penses, poulet, est-ce que tu penses vraiment que sur la même ouverture, à la même position que Dan, c'est ça la question, t'es, on force pas ce mur-là. Est-ce que tu te mets dans la même chose ou alors est-ce que tu vas aller tenter d'ouvrir peut-être un peu la ligne, aller chercher pour voir s'il y a pas le mec ne prend pas la ligne de l'autre côté, voir aller au-dessus, faire le kill du mec qui met sa tête là. Ouais, je sais pas. Je pense que les logiques des en défense solo aujourd'hui, c'est l'efficacité absolue. Et donc, dans ce cas-là, le mouvement ne doit être réalisé en particulier en défense que s'il est nécessaire, quoi. Il a fait son kill. There's nobody playing by White Van right now. Nate gets dropped, it goes off, it does not hit the target it wants to, and Geo's gonna die because of the Banshee that he can't shoot away. He slowed in the smoke. Les Américains sont fous. Cypher swings on the Chala though, dies, and it's another smoke kill coming in. Shepard doing excellent work, and he'll look for one more. He and Dan both have two kills. Ouais, d'accord, ok. Excellent yellow though, Chahol. Deaths early, they roamed in such a way where they were not in any way going to... So Empire learning from their mistakes on that garage hold. We talked about the site rotation that Empire likes on this map. They will not go to Teller's archives unless we're going to be absolutely required to do it. So kid ourselves here. So for Empire, they go back upstairs to console. Pour moi, le E permet aussi de compliquer la tâche au mec en face pour te mettre une tête. Oui, mais je ne pense pas. Je pense que ça, c'était justement en partant du principe que les mecs en face... Non, je pense pas. Je suis quasiment sûr, en fait. Ça marchait à un moment, justement, où tu venais chercher une info, tu piquais avec lui, tu l'emmerdais, etc. Mais à l'heure actuelle, non, les mecs vont être sur l'arête. Vas-y, redécale. Vas-y, remets ta tête, je vais te mettre du pré-shot, je vais tirer tout droit. Il n'y a pas de recoil, en plus. Remets ta tête, là, refais ton gugus à faire A et E. Franchement, voilà, quoi. Après là on parle juste de mécanique individuelle, on parle pas de strat, on parle pas, je m'en fous que ce soit Empire, machin. Empire's aggressiveness had come back to bite them in that second round, but since then it seems to be doing all right. Scyther looked like he was going to try to replicate round number two, but who knows exactly what his thoughts were. A difficult role for Dan to try and stay alive in projector. If you're exposed there, but Dan is one of those players that can make it work. Là, Klux se pique, quoi. You're exposed there, but Dan is one of those players that can make it work and has done in the past. C4 from Joystick. Ooh, the timing is everything here. Oh, Pojoman just walks past it, I believe. And I don't know if it's still there, but I'm guessing it is, and the call is just being not made. It could be a twist if he triggers right now. And he doesn't. Pojoman is still, I believe, exposed to that one. I mean, it's all going to come down to the timing of when he decides to trigger it. And that's up to Joystick. So far, we've also seen the Selmas going up on the wall. Eating away at those flank drones there for Joystick. Trying to limit the information for TSM. Yeah. Whether the Nitro Cell Projector damaged with... There goes a Nitro Cell run out from Joystick, also gives his position away. So the call from TSM is that there's three people in there. And there goes a Nitro Cell from Scyther used so effectively. In the midst of the smoke is Pojo, no! They keep going down to these toxic canisters. They cannot be committing those mistakes time and time again. Ces petits décals là, rien que dans le mouvement de la souris, moi ça me fait bander, quoi. Désolé, mais bon. Perso, je trouve que le style de jeu est moins impressionnant qu'avant. Ouais, mais ça, c'est parce que j'ai arrêté de jouer, mais...
Mais il faut laisser leur place au, à la jeunesse. Oh. Regarde-moi ça. Hein. Empire looking to extend their lead now, and they'll do just that with Shepard. Play on to... Ah non, c'est propre. Moi, ça me fait kiffer, moi. Ok. Comme ça, maman, il... Attends, je t'ai dit. Ouais, bah limite, ouais. Comme ça, je suis obligé à rentrer. Ouais. C'est pas con. Un drone pilier. J'ai moyen de prendre les cams. Quelqu'un prend les cams, faut que j'ai des trous encore à faire. Vas-y, je vais les prendre. Vas-y. Dan, tu peux pas les prendre. Tu peux avoir un ADS, Aiden. T'aurais pu prendre les cams, non? Construit, ça spawn. Construit, main. Merci, Jogs, pour les 6 mois. Je mets en deux, je pense que c'est la même. Ça fait pas le bleu, du coup. C'est bleu. Ah, ok, j'arrive. Je te mets un wire, ça le ralentira. Je barricade la main si jamais. Je reste dans le pas. Sinon, je vais la jouer safe. Attends, un mec escatour, je peux pas. Ouais, un mec escatour. Je sais quoi. Escatour déjà. Ouais. Ça dénaille le Harouni. Là, c'est mon wire tour. J'ai un Flores. Bien vu. Vas-y, quelqu'un joue le closet en vrai, moi je vais pas jouer avec la SMG. J'ai pas d'aider chez quoi. Bleu, ah bien joué, Flores mort. Est-ce qu'à tour je crois, je close. Un autre, un derrière le baril, Zayden. Derrière le baril. Bah regarde. Le baril bleu, ouais. Trop d'avance. C'est quoi, drone, côté freezer. Ouais, non, y'a du drone. Main freezer. Deux drones. Un bleu et un main freezer. Freezer, ça rota. J'attends le freezer à droite, dans le freezer à droite. Qui en va les team? J'ai la cam main. Ah, elle a passé à gauche. Derrière le baril, il est lourd. Ils sont deux derrière. Mort baril, mort baril, mort baril. Bah, quand c'est parfait comme ça là et de pas courir partout, ah, c'est parfait là. Je joue close river. T'as où la trappe? Vous aussi. Toi, Zayden, j'ai pas vu. Faites-moi les prochains banners. Doucement là-dessus là. Pourquoi pas prendre la même ligne en 1 pixel? À quoi ça sert? À quoi ça sert de la redécaler à chaque fois? Dites-moi si elle est de votre côté, le gars. C'est celui qui était bleu, c'était le dernier. Une fois que t'as pris l'information, à quoi ça sert? Non, y'a personne. À part de donner la possibilité que le mec vienne prendre une ligne à un moment où vous y êtes pas, en fait. Non, je veux pas ça. Laisse-moi closette. T'es entré, main, j'ai entré. Ça, non, ça c'est. Laisse-moi jouer closette, t'inquiète. Allez, on pète le drone, on se replace. J'ai eu le drone. Je suis mort, t'es qu'à pour son mate. Mort l'autre. Bien joué. Ivan adore. Ouais, ouais, j'étais pas call et j'étais éclaté. Quand ça attaque mate, c'est le smoke qui joue entre la route avec le set. C'est pas grave, mais c'est le fait que. C'est juste pour smoke en fait. Que tu freezer sans me dire, je peux te bait. Mais attendez, vous voulez pas faire une tap ou kitchen dining? Les petites pixel lines de 1 mm là. Bam bam, on essaie de mettre des balles, on se barre, on give up. Je commence à rebloguer les mecs. Avec l'avantage que le nouveau joueur sur LinkedIn. Non, c'est pas vrai, ça c'est un mensonge ça. Non, là tu prenais une pique, tu prends des lignes de 1 pixel, là tranquille, tu vois. Si le mec il s'arrête, il se la prend. S'il continue dans son mouvement, t'as juste pris une info, quoi. Tu redécales pas, tu repiques pas derrière, quoi. Mais en vrai, s'il y a un drone XT, il tapait direct, mais bon, il est moins connu du coup. Ouais, mais personne prend les cams au spawn, genre. Enfin, les drones au spawn en XT. Le but du jeu, c'est avant tout de pas mourir. Chez moi. En excès tu les prends. Ah quand je suis évité moi je prends des drones hein. Genre une cape plus tu la prends. Ah non jamais. Non mais... Ah c'est dans ce sens là. Par contre Nero s'il te plaît, j'adore finir mes phases de prep avec 5 balles et 2 minutes 30 donc tu vas pouvoir faire une rota. Arrête de faire des murs. Fais les rotas, arrête de faire des murs. Reste tes buts et arrête de faire des murs. Oui mais dans tous les cas, normalement c'est à prendre les cams, t'as le temps. Juste pas qu'il fasse des murs en fait. On est en train d'analyser le ah, je peux les prendre, la VOD d'un frag de Yungtis. C'est Nero. On l'a vu, c'est Zayden. Tu peux ouvrir les trappes? Je crois que c'est facile pour toi avec... Voilà. Je vais prendre la cam... Oh mais vas-y. On y va des cams. Ça spawn main. Ça spawn main contre eux. Ok. Fais juste la trappe chaîne et joue. Elle est ouverte. Efficace sur les aliens, c'est tout ce que je voulais dire. Sur les pics plus efficaces. Lâchez les bus.
il y a moyen de la sanctionner sur le retour. Je te prends la cam. Je te prends la cam. Ouais. Elle t'attend. Ouais, ouais. Elle est partie. Elle, va, elle a mis une clé mort fenêtre blanc. Elle va revenir. Vas-y, vas-y. 3, 2, 1. On s'arrête. Tu jumps, tu l'as. Attends. J'ai pas de jump. Ta mère. Elle va monter, elle monte, master. Encore un. Dead. Encore ouais, c'est pas mon coup. Ah, he's dead. C'est pas c'est Flores, excusez-moi. Ça a passé le mute côté attique. Fais gaffe, SK blanc. Je suis blacké SK main. Fais gaffe, mais des attaques. Profi, c'est rentré, Profi, elle est rentrée, elle a fait la cam. Elle push top main, elle push pas top main. Elle est dans le. Garde ta ligne, garde ta ligne. Elle a pété la cam, top main. Ça ouvre. Ça open attique, ouais. C'est quand leur premier match en officiel. Je suis bloqué dans le garage. Je sais pas. Vas-y, je vais jouer la position contact, Alain. Ouais, t'as une bonne arme en vrai, vas-y, fais-la. Attique, ça va arriver. Ça m'open la bridge. Comme ça. Kill white, top white. Je recule. Je recule. La mec close bridge. Je recule. Bah, joue comme tu veux, Alain. Non. Juste que ça rentre. Là il décale à gauche, t'es mort. Hein. Ouais. Y'a un drone à tick, ça push à tick. Y'a un drone sur pink, y'en a derrière. Y'en a sur le drone. Et sur le drone. Elle a drop. Ça drop à tick. Ok, ça a pété mon chien. Ivana aussi. Je l'ai. Le drop par en bas. Wow. Ouais, ça fait à droite. Beaucoup de bruit pour pas grand chose, mon frère. Efficacité pour les prochaines games. Efficacité. On arrête de courir partout là. Normalement, une jure de tick. Allez, pas une jure, pas une jure. Sur ces clones sur ping, décale. Sur ping. Toujours sur ping. Elle a lâché les clones de ping. Ouais, elle a prétisé. Mais what? Non, j'ai pété le shield, je l'ai tué. L'équipe pick là. En fait, on est en 5v4. Et le problème, c'est moi le premier, hein, bah de même. On pique des zones qu'on n'a pas besoin de pick. Genre le nombre de free kills qu'ils prennent parce que on pique en fait. Juste sur ce BP, tout le temps. Et du coup, on perd les rounds, bêtement. En 5v4 et on a genre tranquille, on peut aller en dessous pour dîner les plantes. Parce là que les 3 mecs avec les C4 ça va. Mais vous jouez les rounds pour faire des kills, on joue pas des rounds pour faire des kills, on fait des jeux. Quand on verra la différence entre les amis, entre jouer des rounds pour faire des kills et jouer des rounds pour gagner des rounds, c'est deux choses complètement différentes. Hein. C'est tout, en fait. Le but du jeu, hein, ça sert à rien de pick quand il n'y a pas besoin de pick en l'occurrence quoi. Ça veut pas dire qu'il faut jamais pick. Il y a des moments où il faut pick. Mais là, il y a des picks qui servent à rien, en fait, quoi. Des picks sur des lignes où les gars sont déjà pris leur ligne, machin. Non, il y a des possibilités à certains moments d'y aller, etc. Là, c'est le call à la fin, je le comprends pas, par exemple. Pas très grave, mais bon, c'est un... T'as drop à tick. Close right. Sur ping pour qui? Elle est où? Elle est derrière. Elle est même pas dans la. Elle est même pas dans la kids là. Moi, quand je demande à un ping, enfin, je sais pas, je passe sur la vue du mec pour voir s'il est en mesure d'aller faire ce kill. Bah, il est pas kids là. Hein. Le mur prolonge comme ça. Va jusque là. Ah, il est en train de prendre la ligne. Il est à la porte de la kids, à droite de la porte. Toujours sur ping. Elle a lâché les clones de pique. Ok. Ouais, elle a prétisé. Mais what? Non, j'ai pété le shield. Je pensais qu'il était au niveau de. En fait, on est en 5v4. Et le problème, c'est moi le premier, hein, bah de même. On pique des zones okay. Qu'on a pas besoin de pique. On a. Vas-y. C'était la trophée ou la tique? C'est laquelle qui trouve tout le temps, la trophée, je crois, non? Bah là, l'excès. Tu la mets dans la lampe là. Ouais, elle était soit rota, soit. Tu la mets dans la ta routine là, faut couvrir les deux trappes et t'ailles faire les deux murs. Je pense qu'elle était là en fait. Exactement là où il était. Non, sur la ligne par la porte en fait. Regardez, là tu vas tout voir. Attends, tu m'as dit des deux trappes. Elle fait mal à la tête, mais tu vois tout. Les deux trappes et tu fais les deux murs fantiques. Mais ça me paraissait loin quand même. Bon, elle fait juste mal à la tête. Ta routine. Ensuite, tu mettais un Rooney là où tu les mets, tu peux te traîner. À la bridge, mais je sais pas si tu le mets à droite, mais mets-le à gauche à la bridge parce que la Rooney, c'est là c'est le même Rooney que tu mets. Mais si t'en mets un sur la bridge babyfoot, tu le mets à gauche, pas à droite. C'est tout.
Bon bah t'as mis un but de Attic. Non non je suis en cours. Essaye de le mettre un drop U, ouais mais tu peux pas. Bah, enlève le... Len, enlève ce shield, ouais, on va le déplacer et tu le mets pour la base bleue. Il sert à rien là où il est. Il sert à rien là où il est. Non mais écoute Zayden, écoute Zayden. À tout à l'heure, on a eu un shield qui est une position forte à un endroit, on ne l'a même pas à peine utilisé. Quoi. Tout à l'heure, on a un shield qui est à côté du pilar. En bas, on l'utilise à peine. Quoi. Le but du jeu du shield de pilar, c'est en fait, c'est pas d'avoir un shield. Quoi. C'est pas de pique derrière le shield, c'est d'envoyer à l'équipe adverse, et en particulier aux attaquants, le fait comme une Mira, de dire que la problématique, elle n'est pas sur le fait que s'il y a une Mira, mais il n'y a pas de personne derrière, ça ne sert à rien en fait. C'est de dire, il y a une Mira, et il y a quelqu'un derrière. Tant que la personne derrière est en vie derrière un shield, ça représente un énorme danger pour l'attaque. Elle peut rien faire quasiment en fait. Elle est obligée de deny la personne et ou le shield. À partir du moment où on overextend derrière notre shield qu'on avait considéré encore comme une position forte pendant encore quelques secondes, bah du coup on offre la possibilité à l'attaquant d'avoir exactement ce qu'il veut. On deny le shield par définition, puisqu'on deny la personne qui était derrière le shield. S'il n'y a pas de personne derrière un shield, ça ne sert à rien, le shield ne sert à rien. S'il n'y a personne derrière une Mira, bah, la Mira ne sert à rien, quoi. Donc il faut savoir rester derrière ces trucs-là. Ouais, ça fait... ça sonne aussi vers la tique. Oui. T'es de la tique encore, oh, ouais. Ouais, la tique. C'est quoi ça? J'ai poussé les dépouches dans... T'es foré ou... Vas-y, va le récupérer, hein. Non, mais il y a la trappe en moi. Oh, t'inquiète, t'inquiète, j'ai la trappe. Ah, ça peut être rentré dans le main. Ça, je prends les cartes. Il y a un mec escalapilé, maybe. J'ai besoin d'être escalant, quoi. Il y a notre. Bah, si c'est un rappel sur l'escarre rouge qu'on pourrait avoir. Shot, Roby, rock kill. Ouais, faudra arrêter ça, Zayden, ok. Bon, je me suis fait, je pense, comprendre là-dessus. Juste garder une position, être strong. Après, si c'est une. Si c'est une logique d'aller roamer, bon, pas de problème, quoi. Si c'est une logique d'agressivité, de se balader, etc. Mais sur site, à l'heure actuelle, je pense qu'il y a des positions fortes et il faut quand même essayer de les garder, quoi. Un shield à un endroit et de comprendre que derrière ce shield-là, c'est là qu'on va être, voilà, quoi. Mais là, on offre trop la possibilité, en fait. Soit on s'offre la possibilité de faire quelque chose d'un peu sexy, de coller un one-tap sur une petite décale contre des joueurs d'un niveau. Et soit on offre surtout la possibilité à des joueurs qui auront un niveau supérieur de nous défoncer la gueule. Nice, C4 le B, mort top me. Ah, c'est pas con. Je crois que c'est là j'aurais bien aimé. Vas-y, balance sur C4, fais des 4 sur le machin. Après, s'il le fait. Il joue des contacts. Fais garder la tick, s'il vous plaît. Ouais, je vais la garder. Non. Ah, d'abord, j'ai un moins escape là. Là, il y a des switch, on sait pas pourquoi est-ce qu'il se barre de la tick, Len. C'est une position forte, la position forte elle est pas tombée là. La position forte, elle est pas tombée. Il y a, si vous voulez, on fait des points de pondération. Enfin, on fait des points de défense, quoi. Et on va mettre 2 points sur un Jaeger, 2 points sur un autre. Il y a encore 4 points qui sont là. Il y a au moins 10 points sur ce putain de shield. Il y a 2 points sur les renforts de derrière. Il y a un mute, il y a machin. Il y a 30 points qui vont tomber, qu'on va laisser comme ça. Parce qu'on a décidé de ne plus mettre personne derrière. Parce que s'il y a plus personne à cet endroit-là, forcément, le Jaeger ne sert à rien. Le truc ne sert à rien. Le truc ne sert à rien. C'est la position du bonhomme qui est là, qui est chiante, protégée par un shield, protégée, ce même shield protégé par des Jaegers. Mais si le truc qui est à protéger n'est plus là, ça sert à rien, quoi. Donc oui, effectivement, je comprends que toi, Zayden, tu comprends, et tu te mets à sa place, du coup, mais il n'a pas à bouger, quoi. Tu lui dis non... Je comprends pas comment est-ce que ça peut venir à la tête, à l'heure actuelle, de quelqu'un. Voilà, voilà. Non, en fait. Toujours pas, après vous entendez... Ah ouais, pardon, vous êtes en 2v3. Ça a du M-Lab. Hein. Mais à la limite, on a un 2v3, ça me dérange pas de répondre par une certaine. Bah, il faut savoir bouger, quoi. Len, Zayden, ils ont dû remonter. Essaye de rester. Zayden, ils sont à côté de la porte. Certainement de la Zofia. Ah non, tu peux pas. Ou un mec qui attend. Il y a un drone, Remonté. Normal. Là, à la limite, j'aurais préféré avoir un petit shoulder pick parce qu'on y va en face shaking. Ça plante. Il plante baby foot. Un pitch, un part trop vite. Nice shot, allez. Un pitch, un part trop vite. Allez, t'es un monstre. Il est à terre.
Dommage, il était pas à terre, il était s'il vous plaît. On se réveille, c'est pas grave. Bah, logique, ça, c'est pas très logique, enfin, il a pas l'avantage. On l'a refait, on l'a refait. Et on est d'accord, hein. Non, en fait, on est tranquille sur site, faudrait vraiment. Vous voulez pas extender la Mélusine, hein? Non, moi, on joue tout ce qui est Kitchen, TV, que du C4. Vas-y, je vais faire ça. Là, c'est le seul moment où j'ai envie de voir un mec qui va faire du shoulder pick comme Len l'a fait, hein. Il le fait dans une situation de face check absolu en fait. Il est obligé de compenser le fait qu'il soit en 2v3 par des petits trucs quoi. T'es en 1v3 dans la surface de réparation, c'est là que tu vas devoir sortir des petits ponts quoi. Mais à la base, au milieu de terrain, ou en défense, ça sert à rien de faire des roulettes quoi. Oui, je remets juste ce que j'ai mis tout à l'heure. Mets le plus à gauche, t'as plus. Alors, c'est sûr, hein. Mec, grand tour, c'est Niana. Sanction up depuis la fenêtre parabole. Trop tard maintenant. J'ai toujours la compétiture, il y a Ace qui s'est mis sur le balcon, ça va direct open maintenant. Le jeu la tick. T'as peut-être but. Essaye de mettre. Prenez la cam top main. Ah, à droite, ils vont pas y arriver. Quoi? Prenez la cam top main, s'il vous plaît. Ah, bouge là. J'ai plus de mid là. Attends, mais en vrai, je vais en décaler un. Attends, j'en décale un. Ça va y faire chier. Attends. Et t'as compris ce que je veux dire la prochaine fois? Vas-y. Tu mets un à gauche, un à droite. Là, je le pète pas. Il va devoir retourner dans la zone. Bomb main. La cam top main, elle est pétée. Il y a un mec parabole au moins. On l'a pas dit en meeting. Il y a un meeting. Si, je vais y aller si tu veux. Bien, j'arrive. Fais gaffe, il y a la rota qui tient, hein. Le drone trophée. Ouais, je vais me suivre. Mais ta rota, elle marche pas. Je suis pas. Pousse-toi, pousse-toi, Nado. Y'en a le team meeting, attention plus leur green. Ouais, il y aura un drone Flores qui va arriver, Goyo. Faudrait que tu pètes là, par la porte. Close à la porte. Attendez, prenez la cam, il est toujours. Nero, tu peux peut-être le décal. Il est close gauche. Il a vu la cam là, il va peut-être décal. Je sais pas, tu peux peut-être décal, hein, de ordonne-lui, mais là, si tu penses que ça passe. Comme tout à l'heure. Cam trophée, il est pété, la porte. Décale-le, il est. Close à la porte. Ok, ça va, petit, t'as pas. J'ai pété un drone Flores. J'ai vu que. Est mort. Oh, nice. Ah, tu l'as eu, okay. Moi j'ai le bas blanc à peu près. Maybe meeting. Un mec sur le toit qui va retourner Big Window. Maybe. Ouais. Big Window, Big Window. Van 8. Voilà. Ash, bridge, half bridge. Côté droite. Bridge toujours et j'ai tué le mec à tick. Bridge et Big Window. Bridge close droite, tu peux C4, close droite. Va en bas main et tu C4. Bon, on en reparlera. Elle est master. Et... Fais, elle y a un drone à gauche, Big Window. Tu veux que C4 quoi? J'ai pas compris. Elle pique Big Window. Mais ça contre une équipe. Et l'autre elle drone légèrement supérieure. Elle drone dans la master. Un Big Window, un master. Big Window toujours, maybe in. Pas d'info. Vous avez pas dedans. C'est qui top white? Ça descend en bas par le top white, par bas white. Ah bah ouais, c'est moi. Non, et j'ai vu un mec ça va. Attends. L'autre il rota aussi. Les deux big window. Ok. Ouais, les deux. Il a l'insert par en dessous. Un qui s'est inséré, qui push. L'autre aussi. L'autre il est derrière le matelas à gauche, Il push, il va kids, mort. J'ai pas compris. Mais je. J'ai pas compris ton histoire du bah white, frère. Je sais pas, j'ai sur la cam j'ai vu un mec boy, mais ça devait être du coup qui est remonté. Ok, je. Tu peux les prendre les 4. Bien joué. C'est le truc d'hier ça? Bah vas-y, après les prochains rounds, je prends un Jäger si vous voulez, vas-y. Non, mais il était. Mais c'est bon, t'inquiète, Nado, il est pas. Ok, bah c'est bon alors. De toute façon, tu sais que moi, Nado, il va falloir qu'il me. Si vous voulez Sprak avec Soso dimanche, il va me remplacer sur la première map, il va jouer Smoke, hein. Bah ouais, bah. Oui, il reste. Parce qu'il revient à 19 ou 20. Rien du tout. Ça me dit rien du tout. La même. Bon, Je crois que t'es Goyo, ouais. Nado, toi, c'est Mute. Ça va commencer à arrêter de jouer Mute. Celles sur lesquelles les calls sont parfaits, tout va bien se passer, c'est ça. Il va recommencer à arrêter de jouer Mute, en fait. Avec le nerf. Frère, t'as l'habitude de jouer la SMG 11 à l'ancienne ou pas?
Oh, le nerf de mute va pas forcément impacter Newt. Enfin, il va l'impacter, mais. Non, il parlait juste du gadget de mute. Il remet du recul d'après. Ah, bah après, le recul, on s'en bat les couilles. C'est vraiment le gadget en fait. Moi, j'en ai marre d'apprendre des nouveaux reculs tous les jours. Il va être. Je te manadais, chop. Après, je pense qu'ils vont ils vont donner la possibilité, je pense, de le coller contre le mur, quoi. Comme, ouais, comme un ADS. Comme ça. T'as pris un dégât, là ? Je t'ai mis un ADS, chop. Ok. Chop, ok, nickel. Je vais les faire en minibar. Mon deuxième J, je vais les remettre là. Encore plus, c'est Lust. Il est envoyé aussi. Bassroom. Ah oui, je suis pourquoi. Mais Bassroom, mais il faudrait que le renfort soit mis de l'autre côté, du coup. Je sors pas les cams. Ouais, je vais les prendre, je vais m'arrêter. Faites le mur cocktail s'il vous plaît. Ah bah il est fait. Le renfort devrait être à gauche. De toute façon, ils vont monter sur le toit. 9 en drone. Ce serait ouf de pouvoir les poser au mur, c'est mieux. Oh, non. Je pense que c'est possible qu'ils le fassent. Hein. C'est hyper simple. Je vais tenter AFK4. Ouais, j'ai inversé sur ce round. Vous avez des drones ou pas? Par contre, ce mur là. Ouais. Je sais pas, après, si vous avez un truc, vous me dites, hein, mais. Vite, ok, on va pas les brer. Ok, rappel blanc. Allez, je rappelle minibar. Rappel minibar. Il me voit une nouvelle trappe. Il me voit une nouvelle trappe, my bot. J'essaie de s'y banner. Ouais, normalement, parce que là, tu laisses trop la possibilité d'avancer, quoi. Le but du jeu, c'est d'avoir une safe zone sur cette ligne-là, justement, parce que le mec minibar, justement, s'ils viennent, ils vont agresser, ils vont se faire cette ligne. Du coup, c'est relou. Du coup, lui, il est stuck comme une merde, à moins que ce soit une clash, comme les BDS, je la jouerais. Renfort ici à gauche, orientation vers la droite de ce truc-là. Et les Jaggers, pareil, en revanche, derrière le sofa, pourquoi pas. Et puis, la possibilité, ouais, vraiment de venir jouer l'un, entre les deux. Et par défaut, maintenant, on a vu que la meilleure façon de deny ce truc-là, à l'inverse, du coup, c'est de jouer sur la fenêtre. Escalate. Flash grenade là. Attendez, j'arrive. Les gars, le bas, merde. T'as drop, escalade rouge. Pour moi, Niana. Non, c'est un cigare. Ça, faut le dire. Ivana. Ouais, c'est bien H. Ouais. Je t'ai pas donné les calls même sur du soude. Ça a pété le but à ouvrir le piano là. La méta met le mur à gauche. Ouais, sur les pros, on va plutôt avoir un mur à gauche. Ça, parce que là, le setup est naze. Hein. Piano ouvert, rappel minibar. Vous avez le Zayden. Oh, ça, j'en veux plus Zayden. Ok, il y a un Flores qui arrive. Plateau drone, Flores attaque au Zayden. Efficacité maintenant. Pro égale efficacité. Ça va partir. Les points de style, c'est. Non, c'est minibar. Ledge, décale. Innate. C'est entré. Il a, je crois. Ouais, je suis mort. Deux rentrés. Piano, il avance. Sedge. Plus qu'un. L'autre, il est top rouge. Ibana, top rouge. Ibana morte, besoin d'aide. Le Sedge, on peut me raise. Je vais drop healer, on reste, tu veux. Vas-y, c'est mieux. Vas-y, viens. Oh là, je sais pas, ça passe. Si c'est bien fait, ça passe. Ouais, ça passe. Vas-y, reste. Il est. Led, t'es tout seul, Lena. Nice, solo, machine big kill. Ah ouais. Mais si. Ah ouais. La cam, les gars, la cam. Non. Laquelle? Bah, la cam 90. Ça pique du 90 là. Oh, blanc du coup. Allez, prends ton kill et c'est win. Non, mais ça, c'est inadmissible, hein, franchement. Hein. Il arrive ça fait deux fois sur deux prac, les mecs. Si vous savez pas prendre des cams, sérieusement, faut arrêter. Hein. Faut arrêter la carrière pro. Hein. Il y aura jamais, ça marchera jamais. Hein. Ça, les amis, le mec décale du 90 à la cam du 90. Hein, faut partir sur Valorant là, hein, ou Fortnite, ou je sais pas quoi. C'est inadmissible. Toujours cigare, il y a un fake Anna qui part. Tu vas dîner le. Il est dans le cigare. Joue le mec cigare. Joue le mec cigare. Toujours sur les cams, jouez toujours sur les cams. Il push Freezer, Ah, il plante close Freezer. Plante en face de toi, à ta droite. Il plante pas, il va pas le planter. 8 secondes, il va pas planter. Derrière toi. What? Mais comment il te cut d'ici?
Ça, qui est-ce qui... Bon, après, c'est Len. Bon, c'est pas très grave. Mais jamais tu joues un clutch comme ça, les amis. Bon, c'est pas grave, mais... Il push freezer. 9 secondes. Il va l'entendre Volt. On sait qu'il va nous entendre Volt. Donc, on sait qu'il va savoir que, de toute façon, on peut... il a pas le temps de planter. Donc, il va pas planter. Donc, il va jouer le kill. Et il va jouer le kill. C'est obligé parce qu'il a que ça à faire, en fait. Donc, le seul et unique but du jeu que vous devez faire toujours dans cette situation, c'est toujours la même chose. De faire un bruit... en lui faisant très très peur, par exemple, coup de shotgun ou tirer là, balancer le C4 et derrière, de vraiment lui foutre les boules, mais surtout de lui faire arrêter son diffuse en lui disant « J'arrive !» Alors qu'en fait, bah non, j'arrive pas. Ah, il plot close freezer. Ça, c'est l'erreur. En face de toi, à ta droite là, à ta droite. Mais même sans le C4, on s'en fout du C4. Le but du jeu, c'est de faire « Bam, 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 bam !» J'arrive, tu peux pas planter. Et là il va faire ah quoi, il est où? Merde, il est planqué derrière son mini shield, derrière sa bombe, derrière un mur renforcé, derrière le truc, il s'est barré en fait. Ouais, c'est ça. Il y a que ça à faire, Derrière toi. What? Mais comment il te cut d'ici? Bon, dommage, t'as le C4 là. Par contre, il a pas pris. On s'en fout de ce que t'as mis. Ah, il était derrière toi, tout le temps, il était mort. Ah mais après c'est un 2v1. Attends. Ah non, il y avait deux mecs en vie. J'ai pas vu l'autre. Alors on la refait. Dommage, ouais, la revive ça nous a coûté. Enfin la cam, enfin tout nous a coûté. Ah bah encore raison de plus en plus. J'avais des maîtres sur le C4, c'était fini. Ouais. Tu reprends Goyo pour non, c'est pas grave. Non. Mais Len, hier t'es mort avec un shield de Goyo dans les mains, une caméra de Valkyrie dans les mains, deux grenades sur une Yana et un C4 sur un Goyo sur une situation de clutch où tu gagnes le clutch et tu balances ton C4. Attention à ça. Il doit y avoir un problème, peut-être dans les touches, dont on parlait hier, ou pas, sur les lancers de gadgets. Dommage la gamme, j'ai bien. Attention, bon, en vrai, j'ai les maestros, mais attention quand même à ce qui passe pas trop vite, quoi. Au pire, on compense, et si on se dit qu'on est pas très bon sur nos lancers de C4, grenades, machin, truc bidule, bah on prend des opérateurs sans ça, quoi. On dit, ouais, bah désolé, mais... Mais tu sais qu'avant, je préfère prendre des fils de barbelés, quoi. Ah, mais on a besoin de ça, ouais, bah... J'étais derrière la mirage, j'ai full tout dans sa tête, et elle m'a tué quand même. Sur chalet? Ouais, sur chalet. Après, si le mec a des balls, j'ai dit que ça peut passer. Ah bah complètement. Là, normalement, en fait, le truc, c'est que... Normalement, s'il plante, c'est qu'il va avoir de toute façon... J'avais pas vu que c'était... Moi, je pensais que c'était un 1v1. Mais en 1v2, en règle générale, l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Soit on sait où est le défenseur qui reste, et donc dans ce cas-là, il devait avoir une ligne à peu près au niveau de la cabine et... ou du cigare, et de dire, ok, vas-y, tu peux planter, il va pas... je te couvre. Ce qui inclut la possibilité qu'il y ait un C4 qui vole aussi. Donc, il le couvre. Donc, sur une ligne... qui va être au-dessus de l'épaule du mec qui plante, en règle générale, tu vois. C'est le truc le plus logique, hein, c'est je te couvre, parce que je sais où il est. En revanche, si tu sais pas où il est, la plupart du temps, c'est je coiffe l'objectif. Donc pendant que tu plantes, je vais faire « Wouh ! Tire-moi dessus, bonhomme ! Tire-moi dessus !» Avec possibilité 1, je le trouve, je le tue. Ou possibilité 2, il a quelqu'un qui arrive dans ses fesses, et donc il est obligé. Pendant qu'il va être en train de... Il va pas pouvoir se focaliser sur le planteur du diffuse que moi, il va gérer son clutch derrière sur un V1. Mais moi, j'ai besoin de faire « Wouh !» Tu vois, le toréador, quoi. Avec mon truc rouge. « Wouh, non, tire-moi dessus, moi !» En fait. Ah, donc, c'est soit coiffer l'objectif, soit couvrir par-dessus l'épaule. Mais autrement, voilà. Mais j'ai pas vu que c'était un V2. En plus, c'était hyper mal joué parce que le Flores, il arrive de derrière. Donc, je pense que le Flores, à mon avis, doit pousser piano, en fait. Mais comme on l'entend pas ou je l'ai pas entendu, il doit pousser slow. Enfin, c'était pas bien joué, hein. C'était pas bien joué. Il y avait clairement la possibilité de mettre le clutch. Mais c'était la Yana aussi. J'ai passé quoi, Nado? J'ai essayé de péter l'Ibana, mais j'ai jamais le clutch. On pète jamais l'Ibana, on s'en branle. L'Ibana, c'est vraiment le truc que se laisse à Dinaïja. Ouais. Du coup, j'ai mon train de le frapper. Tu peux faire les trous, c'est le premier pour son shield basse-front? Ouais, je vais le faire. Ouais, j'ai eu peur. J'aime pas qu'on me mente. Il va encore essayer d'envoyer son Flores, mais je sais pas par où il l'a envoyé parce qu'il sera... Il y avait pas de Flores. Il l'a envoyé. Si, il a mis. Mais là, il y avait pas de Flores. C'est annoncé. On a pas reçu. Alors, regardez les strats du Six Major, poulet.
Un setup Mira aussi est sympa là. Hein. On l'a vu, setup Mira posé ici là. Assez sympa quoi. Assez sympa. Ou de l'autre côté aussi, setup Mira en faisant un petit coin là. Mais ce setup Mira là est cool parce que. Il n'y a pas de ligne directe de la fenêtre, t'es plutôt safe, puis t'as une petite ligne de merde. Je prends changer là. De temps en temps quoi. Ouais, ils sont sur le toit mec. Hein. Ah, après en l'aide, ça sert à rien. Enfin, mais... Ça sert à rien du tout sur cette meuf, je trouve. Au début, un rappel sud de piano, tu me le dis, je run out. Bah ils prendront toujours le rappel Néo. Ouais, rappel mini bar. Mais juste pour voir par où ça poche, c'est tout. Rappel mini bar. J'ai plus l'info sur le rappel mini bar. Un drone en moins, pilier. Un pas pilier, mais. Je suis caché shop, enfin tap nade. Il a nade le but. Ok, un drone barré de pété. Sam drone. C'est raté. Ah, t'es barreuse déjà. Ouais, je sais pas où. Y'a un rappel hein, rappel minibar je pense. Le, il vient d'envoyer Flores. J'ai eu un drone. Y'a un autre Twitch qui arrive sur la cam blindée. Il était spot la barrette la plus forte. On est à 7 je crois. T'as un drone sur toi. Mais où tu as pété la fenêtre là? T'as un drone qui t'as renvoie Flores, t'as un petit but là. T'as drone, t'as drone. 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 Il va dans mort. Un kill Nado. Un Flores, il y en a un. Il Flores le ton drone de Guyo. J'ai plus rappel je crois. Ah si. Ça me tourne encore. Je l'ai pété. Rappel sud. Comment on fait pour être Yungti? Envoie-moi un DM là, il y a une place qui se libère là. Rappel sud je crois. On a un créateur de contenu là. Ouais ouais, toujours. Il est toujours ou pas? Ouais, toujours. Vas-y, je run out. Ça, c'est propre. Merci, Eldouane, merci pour les 7 points. La porte bagage, elle était pétée, attention au blanc. Attendez, mais ça prend pas? Regardez toutes les vagues. MDR, j'ai compris, ouais, intérêt, je te jure. J'ai mis une tête en plus, je crois, non? On l'a vu hier. Frère, je sais pas, j'ai mis 15 balles. Je sais pas. Ça veut dire quoi, Dirty? Déjà? C'est sale. Bah, du coup, il est sur l'épave. Aïe aïe aïe. Non non, il est tout le temps. S'il fait comme il faisait quand il était avec moi, il est tout le temps en vue du dessus. C'est pas moi le but de base. Ça de quoi ça aussi 4. Non mais je suis sérieux, hein, je te jure. Hein. Il me refait encore ça, je regarde encore une VOD où il se balade partout là. En mode. Normalement c'est juste qu'il a Jaeger. En mode 2018 là. Non c'est fini ça. Ouais vas-y, c'est pas mal cette compo en vrai. Tu m'aides à faire les retards et tout en plus, c'est mieux comme ça. Ah non, je veux de l'efficacité là. Nado, c'est bon ces calls là. Hein. Moi j'aime bien. J'aime bien les calls que j'entends. Salut Nesquik, merci pour les 27 points pour l'éternel. C'est en bas, c'est peut-être mieux que c'est propre, c'est carré. Un exemple à prendre, c'est la com de Nado là. Bah à voir. Ça dépend si tu. En fait, si tu fais ça, faut vraiment que tu fasses un gros coup de top, sinon la Valkyrie devra jouer safe et redescendre. Ou le mur à gauche, Nado. Par terre ou. Hauteur tête. J'ai eu un drone, je crois. Je peux faire le mur rouge, hein, et la trappe. Je vais faire les murs garage. Je les mets où pour. Faut que tu fasses la trappe, c'est gros aussi. Le shield, t'en mets un. Prep. Là. Ah où? Prep sur mon ping zone. Ah où? Et tu fais l'autre, tu le mets où tu veux. Tu peux le mettre couleur rouge, tu peux le mettre. Je sais pas où tu veux. J'ai pas de. Je passe. Je t'ai vu. Tu viens. Ah non, mais t'es pas là. Y'a petit gars qui est avec moi au top. Hein. Personne. Ça sert à rien, je joue trop agressif alors. Hein. Je peux venir à toi. Non, mais après, je t'ai dit si tu veux. Enfin, c'est comme blanc. Ouais, bah non, mais attends. Mais Tado, ça c'est moi, va jouer ailleurs. Tranquille, j'ai pas trop forcé au top. Alors, ça sera. Par contre, si y'a assez mal à faire, je vais clean. Je pense que le parler dans la prep. Je vais prendre des vas-y. ZS, faut prendre le barred. Ça tourne bien à cocktail. Ça tourne bien à cocktail, attends, je vais mettre pression quand même. Ça tourne cocktail, ça a drôné tout le top. Franchement, heureusement qu'on habite pas au même endroit. Je prendrais une grande claque derrière la tête là, je te dis, c'est quoi ça?
Qu'est-ce que c'est que ce truc là? J'ai un drone. C'est le cirque Pinder ici? Non, bon bah alors arrête de faire l'acrobat. Il se lève, Yana au top. Qu'elle prend la cam d'actif fast. Ils ont bord. Non, mais sérieusement. J'ai quand même tir, gros. T'entends quelqu'un côté blanc? Non. Blanc, c'est nous. Drop Nutty, fake Yana, elle part librairie. J'ai plus les cam d'une fake. Mettez-vous dans les mutes, ça. Moi je l'ai pas pris. J'ai pris la cam. Pilier. Zofia, pilier, regarde l'escabois. Non, c'est H, pardon, la pédale cam Nighty, plus de cam au top. Ils ont le top, essayez de caler un C4. T'as récupéré un drone, Nero? Un drone? 8, je crois. Non, 7, du coup, 7. Quelqu'un peut jouer mon bar, s'il vous plaît? Ça travaille les vertis. J'ai vu Sly. Bar, quelqu'un d'autre en moins. Quelqu'un peut jouer ma longue bar, s'il vous plaît? Ah, je suis mort au top. T'as ouvert la trappe? Kitchen. Redescends et prends la longue, s'il te plaît, Nero. Nero, redescends et prends la longue barre, s'il te plaît. J'avoue, après un bout de camp. Mikil, on reste ah, faut que je les paye en fait, hein, si ça devait se faire, tu vois. T'es même pas étudiant, mec. Vous voulez leur drop trap. Donne-moi. J'ai demandé, attends. On m'a dit visiblement. J'ai demandé à KRL. Donne-moi 6-7 000 euros, je pense que je peux faire un truc. Non mais sérieusement, il y a un truc qui s'appelle internet, les gens. Donc vous arrêtez avec vos bootcamps là. Vous croyez quoi, sérieusement? Vous étiez mauvais et d'un coup vous allez vous transformer en monstre parce que vous faites des bootcamps? Oh là là, mais sérieusement. T'as le raid, oui, puis je pense pour la cohésion, ce serait bien qu'on fasse du paintball aussi. Blanc, il remonte à la trappe. Vas-y, j'ai le raid. Ça va drop trap. Oh, tranquille. Et du karting aussi, ouais! Banal, oh, oui, oh oui! Putain! Escablan, je crois. Je la trappe. Elle me défonce, Ibanatre. Escablan, elle va arriver free. Ouais! Elle attrape ou pas? Oui, attrape. Ibanatre mort, très bon, il sort dans le. Vas-y, choc. Putain, j'arrive plus là. Jeu! Jeu! Bikill le C4, bikill le Nero. Merci. C'est ça que je veux! Là, le sledge il est mort, avec t'as repris un kill. Moins dégueulasse, mais... Déjà, t'avais pas forcément besoin de remonter. Soit tu le fais, tu prends le kill, tu redescends. Prends ta Aroni, s'il te plaît, Nero. Prenez une Valkyrie en 6-pick. Toi, t'avais quoi, toi? Jäger Goyo, il faut Jäger Goyo. Parce que là, tu greedy, tu meurs. Comment Lenny greedy, il meurt. Les t-shirts, mais bien sûr, les amis. Quand l'équipe ne sait pas du tout coller, première étape, les manchettes. Deuxième étape, les mousepads. Troisième étape, les maillots. Quatrième étape, les bootcamps. Cinquième étape. Celui-là, il est super bien, il est très intelligent. Mais ensuite, direct, t'as fait kit, bam, tu redescends. Va pas chercher plus. 5v3. Bienvenue dans les sports en France. Comment il s'appelle? Sledge est mort. Benef. Oh. Vraiment benef. Et on blâme le coach. Toujours. Nero, aide-moi à faire les rotas, s'il te plaît. Oui. Une cam longue barre, une cam cano et la dernière on la met où? Pilier peut-être. Ouf, cano. Oh, franchement je vais faire des ça. Je vais faire des pseudos avec Scratch dans le dos. Et je vais les faire en leasing. Les t-shirts. C'est un an. Ah bah non, c'est bon, tu le rends. Hein. Mon gars, il est pas foqué, c'est un Scratch. T'es sûr qu'on peut pas l'avoir de la fenêtre là, ton Jäger? Trouve une utilité aux manchettes. Il manque les murs freezer, c'est pas mal. Ouais, 2 secondes. Le stage, il fait pas gaffe quand tu les trappes. Vas-y, je peux. Non, vas-y, je le fais garçon C4 pour la Valkyrie. Jusqu'à faire C4. Ça, il nous en reste 2 derrière. T'as pris un rappel? Windows Sud. Ouais. Windows West aussi. Mort. C'est pas qui c'est? Non, j'ai pas eu stage, j'ai pas eu. Ah bah moi c'était quelqu'un d'autre alors. J'ai 4 raté. T'as drone le pédo. C'est couloir blanc, je crois. Y'a personne escablant, faites gaffe hein. T'as drone Skylight. Ils ont eu l'info sur moi. Je joue ici. Skylight, on s'en fout hein. Le yep qui dépasse là. Ils sont 3 au moins dans le rouge, côté rouge. Heureusement qu'on fait pas un bout de camp, pas Zaiden, hein. Tu te rends compte? Je serais violent avec toi. Elle pète la cam, cigare, il y a Flores. Allez, garde ta ligne là. Quelqu'un remonte au blanc, vite, vite, au blanc. Il y a ma pixel, pixel toilette. Efficacité, non, c'est moi, là, mon blanc. Dieu, transforme-toi en tourelle. Quelqu'un est au blanc là? Pas n'importe. Mais merde, c'est mon shield. J'ai plus de C4.
Je le mets. Non, tu peux pas. Si, je peux. Ok, et attends, mets-le sur ping. Attends, le truc, ping il le commence. Le Flores, il commence à biper. Mais il se mute derrière. Comment c'est possible ça? Hein, genre s'il saute et il le trigger en l'air. Et du coup, il est quand même dans son mouvement. Mais ça le cut. Il bipait en saut. Ouais. Bah, ouais, logique. C'est le seul moyen en fait. Donc il a jump. Ouais. Ce que je me disais, je pensais qu'à partir du moment où ça bipait, forcément c'était qu'il était hors range. Il a. Mais tu okay, peux l'activer en l'air. Mais décale lombard ou pas? Non, y'a personne. Pixel, y'en a un. Peut-être close à gauche, je vois pas close à gauche, les amis. Y'en a qui a la porte cigare. Il flash. Ah, je dead. Il a la porte à côté gauche. Si tu veux décale, Zayden. Tolette mort. Et là, c'est cigare. Non, rajoute-moi de l'efficacité dans ton jeu, Zayden, tu seras monstrueux, ça. J'ai vu personne. Non, par contre, c'est moi qui suis remonté, Zayden, vraiment. Mais j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre pour prendre avec efficace. Une autre arme, tu vois. Je peux le faire avec. Pas de fioriture. Ouais. Pas de truc pour le style. L'efficacité, pas les apparences. Je veux bien. Pas smoke. Je vais à la mon aide. On a des s'il te sert ou pas cigare plus. Cadeau. Hein? De quoi? La DS il te sert cigare ou. Ouais. En fait, ils nade le mute là, regarde. En principe, sur le papier, il devrait répéter si t'as activé donc, avant si le mute. Cool. Ouais. Il va peut-être faire du nade. Non, il rentre dans la range du mute, c'est pas si con, tu vois. Après, faudrait savoir si ça reset le timer ou pas, tu vois. Ça, ce serait marrant de le voir. C'est-à-dire, imagine, tu le fais, tu l'actives. En l'air. Et il fait. Le mute le catch à ce moment-là. Mais il est à 0,1 seconde. Petit 1, si tu casses le mute jammer, il instant explose. Petit 2, ça reprend le cooldown. Je pense que ça reset en logique. Ouais, ça reset. Je pense que ça reset. Tout est reset parce que. Quand tu vois Wamai, ça resetait. Quand tu vois même quand tu mettais des fils barbelés et que tu les récupérais, ça reset. Ça devrait être. Ouais, c'est du marabout. On est le câble, s'il vous plaît. Vu. Ouais, ça y banane les traps, du coup. Ouais. Nice, du stuff, ça. Zayden, tu restes en bas, je remonte moi si tu veux. Non, vas-y, je vais faire plonger en bas. T'as pas peur là. Tu vas te faire sécher par. Tu vas te. Hey, Zayden, je te jure. On va augmenter le niveau, je te jure. Tu vas te faire sécher la rondelle. Là tu verras si tu vas bouger dans tous les sens. Non ils ont pas pété la cam garage. Non j'en ai vu aucun. Oh j'en ai vu aucun. J'ai le mal. Motion sickness. Le drone Flores explose direct dès que le mute est détruit. Ouais tu t'en fais voir ça. Tiens. La full flash. Heureusement que tu l'as fait que le premier round comme tu m'as dit hein ce setup. Fais gaffe. Y'a un drone? Non, nomade. Pourquoi tu l'as pas fait au pistol? Ça aurait été plus stylé, moi je pense, au pistol. Ça pleurait quand même. Tu one tap pistol là? Après, sur ma playlist, fresh frère, un petit one tap pistol, tu vois. Ouais. Y'a qui a un one tap pistol, mon gars? Fresh frère, merde. Tu l'as mis celle d'hier? Merde. Oh, j'ai fait de la merde. T'as dit quoi? Merde, attends, bah du coup j'ai fait de la merde. C'est juste qu'il a Jaeger. Ok, sorry. Je suis allé. Merde, c'était où? Et l'autre. Gaffe, hein. Ouais, Scarrow, lâche. Je remplace. C'est là, non? Je prends un drone. Et je leur fous le pète les drones. En fait, j'ai tendu juste pour les drones. Non, ils ont pas pété la cam garage. Ah oui, c'est des. Non, j'en ai vu aucun. Vas-y, double clic. Ah, je t'en ai vu aucun. J'ai un autre drone. La full flash, ça veut dire night au shield, même fais gaffe. Y'a un drone. Sur site. Ah, je te l'ai avancé, j'avais pas envie que tu te tripotes encore. Encore un drone. Merci Moodway pour les 10 mois, à mon poulet. La flash, je me mets chez Ko. Vous êtes des monstres. Je suis blanc, ouais, je vais essayer de prendre le Danan. J'ai pu charger drop, mais j'ai pas drop. Top rouge, y'en a un. Je suis nuage, gros. Y'en a top rouge. Je suis en dessous de la nuage. Ok.
Ça va ouvrir, ça. Vas-y, c'est Danone, ça a gardé mon call, bon enculé. Tu vois, Floret ? Marie, Floret Dead, Floret Dead. Là, c'est Scarouge, non ? Ouais, Scarouge, Scarouge, lâche. Oh non ! C'est machine, 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 machine. C'est le toto que je suis. On se calme, on évite le 1v2, s'il vous plaît. Attends. Vous pouvez prendre les cams du coup, je lâche les cams. Ah ouais, je tourne, j'ai la cam pédée là. Si on bas blanc, j'ai plus là. Si, j'ai la cam d'initié. Qui s'occupe de quoi? Last of all était machine, je la soune quelque part dans la map. Côté blanc. Ah, c'est ça. J'ai la cam pédée là. Si on bas blanc, j'ai plus là. Si. Meilleure information, meilleur call de 2021. Il arrive. J'ai la cam d'initié. Qui s'occupe de quoi? Last of all était machine, je la sound quelque part dans la map. Je la sound quelque part dans la map. Merci Zayn. Ça, c'est propre. Ça, c'est précis. Là, on est bon. Sexy Invitational, mois de février. Ah, on le gagne. Ah, on va soulever des marteaux, mon gars, je te le dis. Côté blanc. Ah, c'est... Attends, non, elle va côté blanc. Et ouais, les bas blancs, bas blancs. Ouais, bas blancs, je suis côté bas. Bibliothèque, bibliothèque. Elle va arriver pilier. Elle est côté la porte. Elle est par là. Faut bien y aller, Len. Deuxième meilleur call de l'année. Je suis côté bas. Bibliothèque, bibliothèque. Elle va arriver pilier. Elle est côté la porte. Il arrive. Porte. Elle est par là. Ah, il a pingé. Ok. Elle est par là. Entre la nomade et le mec à la trappe là. Elle est quelque part sur la map. Elle est par là. Elle est bonne. Yeah, non, yeah, mais yeah, ils sont intéressants, moi je suis caméraman, non ? Elle est donc sur la map. Je vois pas sa tête en fait, je tire dans le bord. Du coup, tu voulais Valky que je prenne en bas ? Bah, tu peux la suspect. Ouais. Ah, ok, ok, ok. Comme vas-y. Ça, ça. Quoi, attends, tu voulais quoi ? Non, non, vas-y, non, t'inquiète. Vas-y, mais prends Jäger. Prends Jäger, toi, et ton coup. Non, mais c'est. Ouais, t'inquiète. T'as vu, t'inquiète. Parce que c'est ça, c'est un coup, t'imagines, ils prennent une IQ ? Ça, c'est un coup à être con, ça. Pire de pour faire ce genre de décision, genre vraiment. Attends, j'allais faire les murs garage et le top. Tu me prends un mic. Ah, j'ai envie de voir du setup d'Ina et Tachanka, moi, faites-moi rêver, quoi. Je prends Tachanka, comme ça, il fait. Ouais, voilà. T'as ton Mozi, mais tu prends pas Echo. Non, mais le Mozi, il va prendre. T'as le shield avec Echo. J'ai envie de voir un Echo drone posé dans le. Non, j'ai les. Posé dans l'étagère oh ouais, là. Qu'est-ce qu'il était beau ce Echo drone, putain, dans le sens major là. Hein. Qui est-ce qui fait ça? Vous l'aviez vu celle-là? Ah bah vous pouvez pas répondre, c'est dommage. Calmos. Oh, c'est ça, moi je suis le top, Néron. Je le top. Non, bah ah, oui, bah oui, Echo roaming. Fort. Bah oui, Echo roaming. 9. Mec, t'inquiète, franchement c'est pas mal. Hein. J'y étais. Vas-y, sur la dernière round de death. Yeah, yeah, yeah. T'as dit quoi, le top, Néron? Zayden qui a parlé. Je sais, mais Nero il a dit un truc juste là. Mais... Zayden, t'as dit quoi aussi? Ok, vas-y, je le fais. Une deux small, je crois. Aucune idée. Non, ils prennent des rappels. C'est du top, c'est du top. Quelqu'un va jouer au top, je peux lui aider avec mes éco-drones. Le port, vous voulez? Mec, on fait un gros smoke éco-droning. Moi, je vais juste péter des drones. 9 drones. Y'en a un rappel, Even. 7 drones du coup. Nice. Faites gaffe radio. Mais qu'est-ce que tu m'as fait là? J'ai essayé. Je suis redescendu hein, parce que c'est un peu compliqué le roaming smoke. Arnaud, dernier, fais des trous là s'il te plaît. Ouais, ouf. Ça a fait répilier, ça rentre pile, ça fait 4 drones raid en main. Oh non, je veux pas passer. Attends. Non, on peut pas. Ouais, non. Escabois, je crois. Vous voulez des pings pour des C4? Ouais, moi je veux bien, ouais. Ouais. Vas-y, laisse-le, j'ai. Je le mets sur le ping, ping 3. Dis boum. C'est bon? Fais gaffe, il est close. Tu me dis ping 3 ou pas? Attends, mais mec, attends, juste montez-moi le programme. Escabois, Escabois. Sur site et. Attends. Ça passe contre les totos, ça, Zayden, hein, ça. Désolé, c'est pas méchant hein, contre, pour les joueurs. Attends, en face, je vais la remonter, frérot. Je vais jouer de long bord, y'a personne qui te le joue. Dès qu'on va level up le niveau. Ah ouais.
Gardez ok pour la plante s'il te plaît, parce que on a besoin. Opening trap. Ouais, là ça va être compliqué. Dis-moi par pilier, est-ce que je peux monter? Pilier, attends, je suis en escablant là. Y'a Ibana qui drone, ils sont deux dans l'IT. Ils vont péter mon éco drone. Ils vont péter mon éco drone. Pilier, job de flank. Ouais. Le Echo Kitchen était incroyable, il était ouf. Hein. Full Verti Kitchen. Mon Echo Drone il est B. Est-ce qu'il y a Philippe? Désolé, j'ai joué l'embarras avec toi. Non, ouais. Et est-ce qu'il y a Philippe là? Il est monté. Ok, il est pété, ça va m'attaquer, ouais, ça va me prendre le blanc. C'est main. Je suis remonté, je prends un timing sur le top. Window VIP. Vas-y, fais péter, passe pas. Là tu mort. Lucien mort. Ibana mort, j'ai le def, tranquille, j'ai le def. Bip mort. Ok, ils sont les deux dans le. Ah, ouais, moi 3 en retake du top, c'est parfait. Non mais les ADS c'est pour rire hein. Sur ce quoi? Jeu. La nade elle est clairement collée à la DS et la DS il n'a pas proc. Tranquille, c'est pas grave. Je fais 3 kills en haut. Y'a personne qui regardait le bac, ça me termine. J'ai un seum immense. Il est souple. Bah, bien joué, 5-1, c'est vraiment. Il est très souple. Il est très souple. C'est des années. Des années et des années de practice hein, pour une auto-fellation. Focus, s'il vous plaît. On m'a fait de mettre 2 attaques. C'était le minimum. Qu'est-ce que tu fais, Nero? Pardon. Allez, go focus 5-1, on va chercher le 11-1. Raiden, c'est la dernière fois. La prochaine fois, je veux que tu sois un robot, moi. Je veux que tu sois une putain de machine, ok? Il faut que tout soit très très bien, là. Ouais. Bah, cette map, c'est une map, faut être carré. Café, on commence. Enfin, c'est la troisième fois que dessus, là, y'a pas d'excuses de découvert. Kitchen, c'est clear. Donc, bah, moi, c'est là. On sait où tout le monde doit mettre ses drones. Si y a besoin de répéter, on demande. Et go focus sur l'attaque. Vraiment, là, l'objectif, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est 4 attaques. Merci Shooters pour les 35 points de frais scolarité payés au sein du campus pour l'année. Bah, je prends le rappel avec Snake du coup. Ah bah non. Bah, en vrai, y'a pas besoin de prendre de rappel, Zayden il a le forest. Hein. Non, ça, y'a pas besoin. Y'a un truc de retour dîner depuis le Skylight. Voilà. Ouais, t'inquiète, on le fait ensemble. Ah, mais y'a pas de mute dans la compo, mais ouais. On peut pas péter le. Le mort air, hein, je parle de chef. T'inquiète, je connais. J'arrivais pas à péter le train. Je suis en train de tourner sur les cams là. 1v1. Tu serais content de saigner un retraité, sérieux? Parce que Yana H me fait toujours trop de mal, mais bon. Attends, la range du sledge, elle a augmenté ou quoi? On a bougé pour Zofia Mash. Ouais. Zofia SMG. LMG. HMG. C'est quoi du coup? Light Machine Gun? Je pense que c'est Light Machine Gun. Ça va être LMG, je pense. Sub Machine Gun, Light Machine Gun, Heavy Machine Gun. C'est plutôt une light machine gun LMG. Hein. Ouais. Mais là, oh, tu peux le choper la trappe d'ici, sérieusement? C'est le deuxième bruit le plus ridicule du jeu. Après là, le frost trap, je pense. Le fait de pas péter la trappe. Yes, LMG. Il y a Shield Shotgun, je vais le dîner en front, il n'y a pas de mieux. Envoie un gadget d'Aruni vite sur le truc. Ouais. J'attends, vas-y, dépêche-toi. Il n'y a pas de coup. Ouais, c'est bon, je le. Ah, mais le haut, les cailles, il y a un. Les cailles, il y en a qui est P2. Shield PT. Okay. Elle est partie piano. Tu peux drop. C'est quoi P2? P2, c'est P2. Ouais.
Y'en a un cocktail. C'est quoi ce call là, Len? Prends mon drone. Putain, c'est pas un call. J'ai payé 2 du jour. Il y a minibar, bloque-le. Fais la ligne depuis le dessus. Vas-y. Il est machi. Moi je veux pas que tu gardes. Non, toujours P2. Tu veux que je fasse un rappel? P2 et P2. Elle a pété mon deuxième. Ça veut dire quoi, LMG? Light machine gun. Une machine gun. Machine gun légère. On préchote là, tu l'as. Il est sain le mec, il est sain, il est sain. Je l'ai eu le sain. Oubliez le P2 s'il vous plaît, oubliez le P2. C'est du de la. Vous flottez là comme, oubliez le P2. Oubliez le P2 s'il te plaît. Dans la machine, un freezer. Ouais, tu lui as fait mal. Cocktail à gauche, on a un. Cocktail à gauche. Ouais. Diffuse. C'est 4, c'est 4 pour ça. Bah, elle a pris C4, donc elle est plus un problème. Elle est où le machine là? Machine, tu. Elle a pris C4 pour continuer, mais elle est là, non? Elle vient de C4. Okay. Mais vous pouvez prendre le piano, Freezer elle a quitté. Piano c'est clair, on peut y aller. Et Bastrom elle s'est barrée. Vas-y, il y a deux flux là comme sur lui. Je crois qu'il est B2. Il est bien leur renfort là-bas. Ouais. Je vais détruire le B2, attends s'il te plaît. Forest est vraiment tête. Forest est vraiment. Forest très très strong. Écoute-moi, je te pète le B2, tu vas. Après, je pense que ce. Il faut respecter la méta et respecter la logique d'objectif et de faire tomber du gadget, etc. Flores très très strong à un niveau plate supérieur quoi. En dessous. Parce que la plupart, à mon avis, les mecs en gold doivent l'utiliser pour tuer des gens quoi. Je pense qu'il y a d'autres possibilités. Les gens défendent. Il va y avoir des shields mi à des endroits qui sont pas protégés par un Jaeger. Il va y avoir des Jaeger et des shields, c'est pas protégé par du mute, il y a pas de logique de ça qui protège ça dans des lots inférieurs quoi. Donc gold ça sert à rien quoi, mais à partir de plate Flores c'est extrêmement strong quoi. Un autre opérateur que vous prenez, qu'on a jamais pris, etc., mais pendant le Six Major on l'a pas vu des masses hein. D'ailleurs, enfin je l'ai pas, désolé, attendez, faut que j'aille regarder un truc. Sam Fisher, non. Il est où? C'est quoi son nom déjà? Zéro. Putain, il a pas été pris, hein. Il avait un ban rate de 6,5% et un pick rate à 6,7%. Alors qu'on le voyait quasiment systématiquement. Ouais. Il n'a pas été beaucoup joué au Major et pourtant utile. Ah bon, après ça dépend de... Voilà quoi. En or, c'est plutôt contre les Mira ou pour deny les mute par le dessus quoi. Bah pff, Mira, meilleur opérateur de défense jusqu'à Platin je pense. Hein. En gros, sur site, machin, enfin c'est un opérateur extrêmement strong quoi. Même avec son nerf il sert à rien au final. Il y a très peu d'endroits où tu peux t'approcher de la Mira, voilà quoi, il sert en late game quoi. Tu mets une Mira dans un Blue Oregon, tu mets une Mira au top là, comme on l'a vu l'autre jour, dans les toilettes machin, bon, pff, combien de fois tu vas voir un mec qui va venir mettre un coup dans la Mira? Attends, le gars, il y a 100 mètres qui te séparent de la Mira, voilà quoi, approche-toi de ça quoi. Zéro qu'on n'a pas vu. Tu te rends compte que Zéro a été autant pique quasiment qu'un Capitao, quoi. Et ça, c'est quand même ouf. Hein. Cette stat est quand même très belle. Hein. Sledge, tout le temps pique, jamais ban. Yana, très souvent pique, jamais ban. Et H a bien droppé. Hein. Tu vois, H a bien droppé, quoi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le top 7 pour avoir les deux bans, bah voilà, le v'là. Thatcher, Sledge, Yana, Ibana, Nomad, Zofia, Termite, Maverick. Voilà. Flores c'est que là au final, quoi. Donc on peut se démerder avec de la grenade si on n'est pas trop mal, en fait, c'est ça l'idée. Bah après, le... Non, parce qu'il n'est pas pique, en fait. Lui n'a pas été pique, je suis con.
Donc en fait, ça sert à rien. On est obligé de ne pas le prendre en considération. Donc Sledge, Yana, Ibana, Zofia, Termite, Maverick. Et en défense, putain, Mute. Mute, Meyager, Smoke, toujours le trio. Hein. C'est marrant, hein, toujours des persos 1v1, quoi. Valkyrie perd ma ban. Mira perd ma ban, c'est dire si c'est toujours aussi puissant. Hein. Enfin, pas perd ma ban, mais bon. Voilà. Mélusie depuis son nerf, bon bah moins puissant, Wamai. Aroni, ouais, bon après, voilà quoi. 1, 2, bon celle-là on la compte pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à Aroni. Elle y est même pas, Kavera. Ah, c'est dommage, ils mettent même pas 0 en fait. Ils mettent même pas 0. Ils mettent même pas tous les opérateurs en fait. Ils mettent que les opérateurs qui ont été soit pick, soit ban. Ce qui laisse en fait un delta sur des opérateurs qui n'apparaissent pas parce que Kavera par exemple n'y est pas quoi. Jamais, jamais pris. Et Tachanka ? Attends. Tachanka n'y est pas non plus. Pourtant Tachanka on l'a vu pick plusieurs fois. Kavera, ouais il manque, il y a un problème là je pense. Il y a un problème. Ouais, et Tachanka aussi a été pris plusieurs fois. Found an error? Let us know. Ah merde. Vas-y, je suis pas sur leur site. Je leur aurais dit autrement. No thanks. Ok. Ouais, c'était ce qu'on disait hier hein, sur les stats de consulat qui sont assez insane. Ok, et Clubhouse. C'est vilain. Qu'est-ce que j'aime pas cette map, bordel. Ouais. Ok, donc en gros, ouais, franchement, normalement, Bank devrait remplacer Chalet, quoi. Devrait remplacer Chalet ou Oregon. Comme c'est deux maps rework, ils vont pas faire ça, quoi. Sur le papier, après, bon, sur 84 manches, bah, sur 33 manches, c'est pas parlant. 84 manches, c'est quand même assez parlant, quoi. Chalet, c'est ouf, quand même. Hein. La map complètement attack-sided. La map la plus attack-sided du Major. Tu dois gagner tes attaques sur Chalet et tu dois gagner tes défenses sur Clubhouse. Et sur Oregon. C'est ça, l'idée. Ok. Ok. On est où? On est là. Après, je suis allé avoir une map attack side dans le map pool. C'est pas une mauvaise chose, je trouve. Ouais, c'est clair. Ok, bien, ok. Moi, je la trouve bien. J'aime bien Chalet. J'aime bien regarder des compètes sur Chalet. Okay. Ah, des matchs sur Chalet. Faut c'est à ta gauche. J'ai toujours aimé Chalet. Je sais pas. Non, c'est peut-être. Non, B2. Non, B2. Pour reprendre la plante. Il y en a qui est couleur blanche, je crois. Tu vois la différence des coms hier entre le fait d'avoir... c'est con, hein, mais bon, là, c'est B2, quoi. Il n'y a pas de... mais si, la petite commode, tu sais, en bois, qui ressemble à une commode Ikea, mais plutôt style Louis XIV que Louis XVI. Il est derrière, ou il est sur la map. Non, là, c'est parfait. Oui, ils ont mal traduit, ils ont mis défense avec un C. Hein. Ouais, il est là. Ouais, la revenge, tout de suite. Ouais. Quand tu vas planter, tu prends pas par là, Nado. Enfin, tu passes par là. Ouais. C'est pas défaut, c'est B2. Mais il y allait, mais il est juste passé au milieu du cigare, quoi. En fait, j'avais peur de m'épiler. Ouais. Bah, la map a été faite, quoi. Ouais, mais bon, à partir de lundi, on n'aura plus ce genre de problème. Non, mais j'ai laissé le diffus parce que j'ai vu que personne y allait, du coup, j'étais en mode vas-y, je vais jouer au gros. Toi qui, sur le mec combat? Salut Lynx. Là, sur le mec piano, enfin, Zayden il dronait un mec et Len il donnait un autre info. Vous étiez à deux sur le même mec, donc moi j'ai fait. Nouvelle vidéo sur la chaîne replay, les amis. L'annonce des 30 joueurs d'ailleurs. Le mec P2, c'est du flou de commun. C'est tout le VOD pour le coup. Ouais, c'est ça, mais en fait, quand j'ai dit P2, une autre info, vous étiez à deux sur le même mec, donc moi j'ai follow Solid Zayden. Hein. Après, là, vraiment, le mec P2, c'est du flou de commun. On s'en bat les reins.
Ouais, c'est ça, mais en fait, quand j'ai dit P2, 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 il bouge pas là, sur le ping, je pensais que c'était save de la trappe d'Anon, mais. C'est pas grave. Oui, oui, banque, ils vont le faire. Chen, en bas, avec, un Wamai, avec un Wamai, avec un Tachenka. Hein. En vrai de vrai, en vrai de vrai. Il y a un jeune dans l'équipe. On a Flores. Ouais. Moi je propose ben, qu'on peut 13 ans. Une Bécry et Flores t'essaie de passer ton drone par le 3 drone. En fait, il va y avoir un gros problème, Nado. C'est qu'il va falloir le prendre très rapidement et que je commence à deny très rapidement parce que le Tachenka c'est 1 minute 30. Hein, de là, deny. Ça dépend s'il joue. Ouais, on dirait qu'ils font la rota. Ouais, oublie, contrôle pas. Bah on peut prendre le Bécry facile. Hein. Drones, non, on prend ta Bécry, c'est une prise de Bécry facile. Hein. Vas-y, goal. Hein. Bécry, on va pas. On met qui small Bécry et. Zayden, tu vas small Bécry au début Nado Non, pas avec la même personne. Nado, vas-y toi. Ouais, le mec derrière le bar, je l'envoie en Flores, il bouge. Hein. Un mec qui se met sur la voiture et puis on. Avec 2.5. On savait qu'il y avait zéro agression vers l'extérieur, pas de problème. Mets-toi sur la voiture, mini bar. Vas-y, bah. 3 Non, H, prends la small. Ouais, ok, moi je me mets sur la 2.5 sur la. C'est à moi de prendre. Bah, c'est pas moi qui prends la ligne sur le mec, hein, c'est Len de la ligne. Non, c'est. Len, il drone pas, Len. Ok, derrière la boucle. Qui vous la porte? Je vais bouger, poulet. T'es prêt? Vas-y, go. Mon drone il part. Il va bouger dans 3, 2, 1. Ils sont deux, il peut pas bouger. Il a un HP Yeager. Il est encore là, il fait des dégâts. Ils sont deux. Il fait nade. Vas-y, nade, je suis par à gauche, j'ai. Il est à gauche là. Je vois pas. Mec, il est rouge. Il est peut-être injured. Non, non, il est là. J'ai le drone, attendez. J'ai pas de chance. Yeager dans la prep. Pourquoi les pauvres cette prep là y a plus... Alain, c'est quoi ces calls de merde à chaque fois que tu meurs là? On s'en fout du putain, on s'en fout que t'aies pas de chance, ok? C'est qui ou quoi? Qui ou quoi? Qui ou quoi? C'est tout. Plus personne décrit. Le reste, c'est la pollution. Il est dans la prep l'autre. Allez, prêt, viens là les gars, viens là, votre Paul Bakery, explose à droite. Il me l'a mis, pique. Ah, c'est la revenge. Il est dégagé à droite depuis tout à l'heure. Tout le monde est mort. Kaïd, il est allongé, peut-être prêt. Facile à faire. Ok. On s'en fout des touch. Ça marche. C'est pas intéressant à regarder. Avec Zayden, ça va être free deny du cocktail, je pense. Moi, j'ouvre le mur freezer si besoin. Vas-y, putain. Là, tu gardes la. Comment ça s'appelle? Nero, vous devenez trop tendre. Pas de spawn kill en creep, en scream, donc personne ne sait ouais, par je me fais et... Comment ça? C'est genre, c'est un gentleman ouais, voilà, agreement? Et si tu entends qu'on couche, tu peux couche aussi si tu veux. Attends, c'est quoi ce truc? En scream, genre, y'a pas le droit, y'a un gentleman agreement sur le fait de pas de faire de spawn kill? What? Depuis quand? Ah non, plus personne ne spawn kill parce que c'est genre mal vu et tu prends un scud si tu spawn kill. Il y a deux secondes où t'as pas le droit. Non mais ça on le sait, il y a deux secondes où t'as pas le droit. Pendant le Major, tu m'étonnes du coup que les mecs avaient énormément d'agressions vers l'extérieur, quoi. Les gens se sont habitués tranquillement à leur petite drill boîte de concert. Tranquille, pou-pou-pou-pou-pou, bah moi j'y vais. Ouais. Tellement de fenêtres ouvertes, rien que sur le match de tout à l'heure, on a vu que beaucoup d'agressions vers l'extérieur. Pour travailler les attaques en 5v5. Ouais, ok. Mais bon, du coup, après, on s'habitue à ce qu'il y ait plus de spawn kill, boîte de conserve, et le jour où ça nous arrive, on fait « Ah, merde !» Aussi qu'il y avait du... Pendant le Major, il y en avait tellement de spawn kill. Il y avait beaucoup d'agressions extérieures. Ouais. Bah, je comprends mieux pourquoi il y en avait autant, en fait. Mais be free kill. Close au drone sur ping. Elle bouge pas. Elle est vraiment close sur ce drone. Ouais. Ouvre la fenêtre. Non, elle bouge. Machine. Couleur raid. Elle va jouer la trap raid. Ça a pété mon drone train. Ouais, trap. Cigare, c'est clair, faut s'en serrer. Piano, c'est clair. Attendez, piano, je vais pas tourner.
Il est pixel. Gaffe, il a pété mon drone pixel. Rouge, escar rouge. Pas drone skylight, hein, faites gaffe. Elle passait 4. Sur ma première scrim, quand j'étais sur console, j'ai spawn kill. Je me suis fait insulter Sarah MDR. Attends, vous faites des scrims sur console? Et pourquoi? Et dans quel but? Hein? Prime et Prax, c'est la même? Ouais, c'est pareil. Je sais pas quel est le trou du cul qu'a décidé de changer un truc qui existait depuis 1998, le mot PCW pour PRAC. La musique dans le. Parce qu'à l'époque c'est PCW, Practice Clan War. Je vais et après tout le monde a dit PRAC. Et là, depuis. Avec Rainbow Six, moi je suis arrivé, les gens m'ont dit hey, on se crée. Je vais la drone, t'es prêt? Fais what? Le truc avec l'épée là? Ok. Et toujours derrière la mining, gros, toujours. Attends. Et piano, j'ai pris? Eh, hey, juge pas, hein! Ah bah si, c'est la Sophie Academy, moi je juge énormément. Mais Nado, tire, pourquoi tu prends pas, tu ouvres pas la trappe? Attends, deux secondes. Eh, toujours dans la machine, close on ping. Plus de la route. Ouvrez la trappe, ouvrez cette trappe, je suis là. Vas-y, je vais le faire, mais y'a un mec qui est celle en fait. Elle est partie, elle est partie là. Il y avait un mec qui est celle en fait. Elle est où là? Elle est partie là? Elle est partie, je voyais pas. J'ai plus de drone, moi, faut drôner ce qu'elle a. Kai, il est encore là, il est mort. Ouais, Nado. Nice. Ah mais du coup c'est passé Skylight. C'est mal joué le train. Ça pique couleur blanc Nero. Ouais bah frérot tu que je te rappelle bien quoi. J'ai déjà un peu les en même temps mais je peux pas. Moi je retarde. Bah elle sort. J'ai rushé pas blanc. Elle push, close, lane. Elle monte, c'est 4. Close droite, elle est où, barre rouge, barre rouge, elle est barre rouge. Elle est barre rouge, elle arrive sur toi, H. Elle est dans. Ouais, elle est palier rouge. Je l'entends. Dommage de pas l'avoir joué ensemble, la Mulusi. Mais ouais, une fois de plus, le but du jeu c'est tac, 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 tac. Là, on saute direct au niveau de la fenêtre. On pète la fenêtre à gauche, donc on n'est pas en risque. En fait, on fait... Ok, elle pourra pas rotate. Elle peut pas rotate train. Elle va forcément rotate pilar. Pilar ou barre rouge. Quelqu'un la prend? Vas-y, pilar. Moi, je suis de l'autre côté. Il aurait fallu quelqu'un au niveau de la neige, tu vois. Par exemple, bam, bam. Ok, neige, d'un. Tu l'aides à la jouer, Len. Elle est rouge. Hein. Soit on fait les choses ensemble, soit on les fait pas ensemble. Mais on fait des... Elle a remonté. Mais oui, c'était pas la meilleure façon de la jouer ou de ne pas la jouer. Ouais. Allez, machine. Vas-y, et drop avec ta nade. Là y'a un mec Ok, les mecs pour moi, on arrête de jouer le mec machine. Il a aucun impact, il peut C4 personne. Len il va être sur du PC. Si, il peut C4 un mec machine. Il peut C4 hein. Bien sûr qu'il peut C4 depuis la machine. Il peut C4 mini bar, il peut C4 tout le piano. Bah alors faut push en même temps, mais vous êtes à 3 sur un même mec. Et après il peut C4 tout le piano, de quoi Len il va être sur du béton, hein. Il va pas jouer sur le soft hein. Bon ok bah prochaine fois on le jouera pas, c'est pas grave. Parce que ça fait 3 fois qu'on se fait péter, enfin sur toutes les maps qu'on fait. On a toujours pas appris de nos erreurs, on se fait toujours péter par le même mec qui est dans la machine. Alors que en soi le C4 il va rien nous arriver. Enfin si C4 il va C4 depuis la librairie, il va pas C4 du piano. Depuis la librairie? Ah oui carrément. Depuis la librairie sur le skylight. Enfin sur ce qui va se passer long bar. Ils étaient 2, Kaïd et Melusi à jouer dans le train. Oui mais en fait y a le seul qui peut mourir c'est Len sur du béton. Et ok, comment vous voulez mourir les autres? Len il va jouer Sen, c'est ça? Il va jouer où? Il va jouer non, où? Non, il va jouer Pixel. Pixel. Pixel, ok. Sauf que. Et nous, on push tous par Cigar? Bah oui. Pourquoi tu voulais pas push Cigar? Il y avait plus personne dans les brindilles. Il y avait personne Skylight, il y avait personne. Pourquoi on perd du temps? Dis-moi pourquoi on perd du temps piano alors qu'on pourrait jouer piano? Bah, je sais pas, on peut push le Freezer. C'est pas grave, vas-y, la prochaine fois, tranquille. Bah, le Freezer, on peut y aller, mais on peut y aller par la Skylight et j'ouvre le Freezer depuis le. Je sais pas, moi je pensais pas qu'on allait tous passer par la porte Cigar, c'est tout. Bah y'a personne piano. Ok. Ah, il kite par en dessous. Ils sont au top hein? Ouais. Il kite de machine. Bah quelqu'un peut aller me le péter. A la limite tu mets un coup de hache par en dessous hein. Ou le quoi? Tu mets à la porte machine et tu mets un coup de hache ou un coup comme ça pour péter le kite. Plus j'ai le détruire. Il spawn kill window vip. Fais gaffe. Window vip. Bah ouais, essaye. Du coup, il faut que quelqu'un monte côté train, s'il vous plaît, et me mette soit une nade, soit une hache côté sur le caillou. Depuis la fenêtre.
mort, mais vas-y. Nero, tu peux le faire ou pas? Vas-y, j'arrive. Tu vas à côté train. Ouais, j'arrive. Je voulais juste cacher C4 par en bas, quoi. Ouais, bah, H ouais, tu... en gros, tu mets un coup de H depuis la fenêtre avant. Prends pour le C4, attends. Prends C4. Pas de C4, vas-y. Oh, le sledge joue de la fenêtre, attention, ah, voilà, la trappe, attention, c'est 4 quand même. Ouais, c'est parfait. Le drop cigare. Quand il ouvre Danone, qui est pas un mec top prêt, il balance le C4 vers ses gars. Protège-le, quoi. Je le pète. Je pète le Bélusier. Non, mais non, j'aurais voulu péter comme ça. C'est pas grave. Mais oui. Ça donne quoi le. J'ai le pixel deny. Ça donne quoi le piano? Minibar c'est clear, Sense c'est clear. Shield pixel c'est clear. Y'a Goyo qui traîne dans le pixel et y'a encore un shield toilette. Attendez, je vais deny le shield toilette. C'est le barbelé qui est devant eux. Le barbelé est pour le C4 en fait. Ça c'est un barbelé sound, hein. Il a rien à faire là-dessus puisqu'il va pas décaler sur le barbelé puisqu'il avait pas la ligne dessus. Y'a pas de shield toilette. Un barbelé minibar comme ça, ça veut dire C4 verticalité. Je peux péter par une cam, je pense. Un bass room, ok. Et y'a un shield lombard, je vais le deny. Danette, comment t'appelles ça? Nouveau balcon. On y était presque. Danone, Danette, c'est bon. Dans 3 semaines, ils appellent ça fromage blanc. Mezza. Mezza. Ah, Mezza. Faudrait deny le shield en France. Eh, hein. On se lève tous, hein. Je là. Je vais être le premier village, je vais deny le. Faut faire gaffe. Non, la première erreur, donc ouais, quand il pète, quand le sledge vient péter, on l'a vu quand même, des C4 qui sont balancés de la droite, de la gauche, de machin, des sledges qui s'approchent et qui prennent un coup de C4 au moment où ils approchent, mais des C4 qui sont balancés par les ouvertures, soit en rappel, soit quand il l'a dit tout à l'heure, attention au C4, que la trappe ne soit pas déjà ouverte et que quelqu'un balance un C4, ou alors quand il l'ouvre, d'avoir un C4 qui part à gauche ou qui part à droite, quoi. Donc là, il est passé sur ses drones un peu rapidement, quoi. On est un peu en drill en se disant ok, il pourra ne rien nous arriver quoi, mais il y aura une fois on va prendre un C4, on va prendre un spawn kill, on va prendre un truc et ça va nous mettre dans le bad mood quoi. Ça c'est le premier truc et puis après je pense qu'il aurait voilà toujours dans une logique d'avancer tranquillement step by step quoi. Enfin bon après faut avoir quoi, mais quand moi je vois ça je peux drop. Non mais non, j'aurais voulu péter comme ça. C'est pas grave. Là quand on m'a parlé tout à l'heure de jouer sur la verticalité, etc. Ça, c'est un fil barbelé pour qui en fait? Parce que le fil barbelé, si on peut le péter, on va se mettre à cet endroit-là. Donc c'est un fil barbelé qui est pas pour pique en fait. Donc ça peut être un... Ça, faites attention quoi. Soit c'est un fil barbelé qui cache des trous par en dessous, donc verticalité. Soit c'est un fil barbelé call sound du mec pixel qui va dire « Et son fil barbelé déclenche ton C4 !» Donc ça veut dire un play sur un play sur l'engine, ça. Ça, c'est des fils barbelés soon, quoi. C'est vraiment le truc, le B.A.B.A. du... Le B.A.B.A. du... C'est clear, Sen, c'est clear. Donc moi, je l'aurais dit Knife Flores, mais bon, après, tranquille, quoi. Il y a Goyo qui traîne dans le pixel et il y a encore... Vaut mieux s'assurer. En plus, au moment où on fait un trou avec Flores, du coup, lui, il peut se mettre là, il peut essayer de prendre une ligne, si c'est mieux vers avec Dragon 1. Attends, je vais deny le non, parce qu'il est ouvert en bas gauche. Remonte dans l'info mining, s'il vous plaît. Oui, c'est ouvert en bas gauche, donc il ne peut pas avoir les... Machine, il n'y a rien. Ah, ok. Igor mort pixel. Y'a pas de chill toilette. Ah, je suis pété par une camaïs. Là c'est dans des moments comme ça où j'ai envie d'entendre quelqu'un qui a la capacité tout de suite de cool the fuck down. Le boulot est fait en fait. Tu vois, Momoe. Vraiment hein. Cool the fuck down quoi. 1 minute 25. Ouverture des trappes. Piano secure. 2 kills de fait, pas un HP de prix. Et ça, c'est la... Waouh, quoi. C'est tranquille, quoi. Là, on peut s'arrêter 30 secondes. Hein. 30 secondes. On peut arrêter, on peut dire, bon, les gars, tranquille, on reprend à 1 minute. Ah, mais non, tranquille, franchement. On arrête 25 secondes, là, on reprend à 1 minute. Et on va voir. On va voir. Là, on va mettre un peu d'intensité, etc. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Bam, bam, bam. Ok, maintenant. Là, on peut vraiment cool down. On peut dire freeze, tranquille. Tranquille, les mecs, pas la peine de s'exciter, quoi. C'est là qu'on va se jeter sur un mec qui est une tourelle. Et puis, c'est là que ça va faire mal, quoi. Voilà. Un bass room, ok. Et il y a un shield lombard, je vais le deny. Danette, comment t'appelles ça? Nouveau balcon. Mezza. Mezza. Ah, Mezza. Faudrait deny le shield en front, là. Je vais être le premier village, je vais deny le shield. Attends. T'as pété les deux,
C'est Mezza ou c'est Evan du coup? On va tarder à pouvoir exec. Je pète le shield. Je reste à la skylight. Je reste à la skylight. Vas-y, mets-toi en rappel. Attendez, je drone du moi j'ai envie d'entendre ça dans l'école. On est bien les mecs, tranquille. Maestro Freezer, Kaïd, Maestro. Ouais, j'ai un HP, Maestro. Y'en a un derrière le chien. Plutôt 35, écoute, à mon avis. Ce que tu vas faire, H. T'es prêt à aller planter, toi? Moi, je peux... tu veux que je plante tout parce que tous les murs okay. sont ouverts. Ok, écoutez-moi. Moi, je vais flash pour ton insertion, H, et tu vas rentrer, ok? Et toi, tu vas essayer de planter. Au milieu, au pire. Au milieu, vas-y. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, les flash pop. Je plante B2, je plante B2. Je vois rien. Il va C4. Ok, ok. Il est côté mort. 75, 100. Caïd mort, injured. Bien joué. La toilette. La Freezer. Tranquille, pas la peine de pique, pas la peine de chercher. Ouais, ça ressemblait un peu à un... ça ressemblait à une vraie exec avec une logique de on prend le temps de se dire comment est-ce qu'on va faire avec une certaine avec un certain truc. C'est pas ils étaient trop passifs en face. Ça manquait vraiment de répondance sur la défense et tout, mais déjà c'était un truc un peu plus là sans appeler le freeze, on fait un truc un peu plus sympathique quoi. OK, j'aime bien. Mais ouais, va falloir apporter cette notion de tranquille, quoi. On plante à combien? On est sur le bon site et on va planter à 20 secondes, quoi. 20 secondes, c'est énorme, hein. 20 secondes, c'est énorme. Bon, après, effectivement, à 20 secondes, on se prévoit la possibilité qu'il y a un petit truc qu'on a oublié, un petit C4 qui part, etc., etc., quoi. On sait pas le... Je plante B2. Je vois rien. Il va aller, bah c'est 4. Okay, on pouvait prendre 6 secondes de plus encore pour discuter, okay, tu vois. Genre, 75, 100. Franchement, si je passe là, je fais ça. Aid more injured. Si je flash, je pense que ça passe. Toi, tu peux pas passer au local. Last freezer. On est bon, ok, vas-y, t'es prêt. 3, 2, 1, let's go. Propre. Ouais, c'est propre. C'était bien, Zayden. T'as eu le freeze que t'as eu, non? Pendant qu'il call, même si c'est pas long. J'ai rien compris. De toute façon, moi je pouvais pas planter ailleurs. Mezza, vous appelez ça du coup? Mezza, Danone, Mezza. Le truc de la base room, je sais pas trop comment on la gère. T'as une idée, Zayden? Parce que... c'est dans l'idée, tu pushes pas le couloir blanc. Il faut juste quelqu'un qui garde le pixel en ligne cassée, quoi. Faut pas que le mec qui pique à la porte pixel dans les base rooms. Par contre, le truc c'est que pour plante, du coup, je peux pas ouvrir, tu sais, genre je peux pas faire une plante bien en ouvrant le freezer et tout, tu vois. Non. Bah après, ça part sur une plante comme on a fait deep, ou ça part sur jouer les kills avec le mec du coup qui push blanc, tu vois. Après, si le B2 il est soft, bon, c'est à haut niveau, c'est impossible, mais sur des matchs ou des packs, on aura le B1 qui est soft, bah, on plante bien, quoi. On se pose pas de questions, on fait une exec de la même façon. C'est-à-dire que dans tous les coups, il faut c'est que Mezza tu rentres, ok? Dans tous les coups. Non, je disais à Nero, dans tous les coups, le mec qui va à Mezza, faut qu'il rentre. Mais si le B1 on peut le bait son, on peut le bait. Il va vraiment falloir les overviews, voir un peu. Oui, non, si le B1 est soft, tu plantes bien. Mais s'il est. Si le ouais, B1 non, est mais je vois Mezza, c'est bien. Je sais juste que Mezza, je l'appelais Evan l'autre jour. On m'a dit de l'appeler Evan, j'appelais Evan. Donc, fenêtre Mezza, ça crée une diversion, et t'as bien vu, j'ai couché en barre comme un toto et c'est passé. Après, tu rentres, tu prends ton kill, c'est bien. Tu rentres, tu prends pas le kill, il meurt. Y'a mes visibles piliers. Si vous avez une info sur elle, je peux la détruire depuis la porte neige. Je regarde, attends. Est-ce qu'il y a un ou pas? T'auras pas la com. Bah, vous pouvez pas faire le record en même temps. Et je le 5. Je sais plus. Ça peut-être des tests, moi. Bah, trop, non. En shield, il y avait un shield pixel, il y avait un shield double porte. Il est parti côté du. Il a préparé la fenêtre, peut-être, mais une clé mort pour la prochaine. Mais tu sais que tu vas bien jouer là. Le bien il est soft, on fait une plante bien. Ok. Y'a un mec dans le cigare, nade le cigare, c'est free nade. Ok. Vas-y, t'es je prêt? T'es prêt, t'as vu, t'aimes ta nade? T'aimes ta nade? C'est bon, je l'ai. Ouais, c'est bon. Il m'a P2, attends. P2. C'est mieux. P2. Toujours pilier. Y'en a un Shrek. On peut drop? Il est toujours P2. J'ai plus qu'une info, c'est la librairie, et encore. Tu gardes la ligne. Je vais remettre un drone pilier. Est-ce qu'il faut pas lui défoncer systématiquement le P2 le mur, là? Machine, la pilier. Est-ce qu'on a pas vu énormément pendant le major des agressions au niveau du. Elle décale double porte, non, P2. La neige. Elle te regarde pas, Zayden, elle te regarde pas, vas-y. Piano,
Bah faut y aller ensemble, Len, hein. Propre rappel. Je suis au revenge. Ah, je vais prendre rappel even. D'abord, normalement, tu peux abattre ma maille. Ah, merci. Ah, je prends le rappel even. J'ouvre le mur, piano, j'ouvre le mur. Il durera le bac, là. Quelqu'un peut droner piano, s'il vous plaît. Il est mini-bar. Droner piano. Len, fais gaffe, mini-bar. Il close bridge. Il est mort. Freeze. Ok. Bien joué. Pour la première fois, on a un freeze. Freeze. 4v1, 1 minute 16. Ouais, je pense qu'on peut faire... Oh, c'est pas mal. On peut freeze encore un peu plus... Voilà, quoi. Les gars, 5v1, 2 minutes 30. Freeze, je pense qu'on peut freezer. Ils ont tous point kill, ils se sont TK, C4. Ah, voilà. Non, mais... C'est un peu plus maintenant. Non, mais c'est d'avoir cette logique, quoi. Je sais pas si on peut faire une espèce de chronologie parfaite. Il y a trop de détails, de trucs de merde. Parfois, un Mélusie qui va tout freiner, machin. Mais bon... je sais pas, en fait. Faut arriver en fonction de au moment où on refait les strats et des niveaux de jeu qui vont être joués, de s'apercevoir si là, on est plus en avance ou plus en retard par rapport à certains trucs, hein. Surtout quand on a l'habitude de les faire et de les refaire et de les refaire, je pense que ça rentre vachement en paramètre, ça rentre vachement en ligne de compte, en fait, ce côté, le côté où, sans être dans une logique de drill de boîte de conserve, il y a quand même des moves que tu vas souvent faire en attaque en fonction de comment est-ce qu'on va jouer là, il y a des trucs un peu, ouais, que tu reproduis souvent, quoi. Et en règle générale, tu vas t'apercevoir que bah, y a des schémas qui vont arriver, quoi. Là, on est en 3v2, c'est une situation compliquée, il reste que 35 secondes. Ah là, c'est marrant, mais c'est, voilà, dans ta tête, ça me rappelle cette fois-ci, on était carrément en 4v2 alors qu'on avait 30 secondes de plus. Et là, tu peux arriver à te dire tout de suite si tu es plutôt en avance ou plutôt en retard, quoi. Je pense que c'est juste de la répétition, mais bon, y a quand même des trucs, il y a quand même des schémas, à mon avis, assez logiques, quoi. Ouais, il y a quand même des généralités qui peuvent être faites, quoi. Enfin, bref. Derrière la bombe. Ok. Bien joué, Nice. Nice, le colt. Moi, je bats Len en 1v1. Ok, Smegis. Qui fait la petite nade. On fait un truc. Tu paries combien? Là, c'est parti. Len arrive. On met 100€, ok? T'es prêt, vu que t'es sûr que tu vas le battre? 100€ ou pas, Smegis? T'es prêt? Et attention, le P2, piquez pas cet angle, il a 8 milliards de fois l'avantage. 10 balles. Vraiment. Non. Si t'es sûr de le battre, t'es absolument sûr. C'est quoi le problème? Pour aucun rapport, mais. Non, mais en vrai, Flash McQueen. Hein? Flash McQueen, Nado. 10 balles, s'il te plaît, respecte-toi quand même. T'avais dit que t'étais sûr, mais 50€ minimum. Y'a qui a pas piqué P2 encore? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, moi je suis pas mort. Mais un petit 50 balles quand même. Non, c'est Len et. J'attends la notification PayPal, ok? On va faire un truc. Tu fais la notification PayPal, tu m'envoies les 50 balles. Je prévois le truc le 1v1. Je te promets sur la vie de ma mère, et je preuve à l'appui, que si tu gagnes, je renvoie les trucs et je remets 50 balles de plus. Et je respecte toujours ma parole. En particulier en ce qui concerne la thune. Il a peur de me 1v1, mais je suis son coach. Maintenant, il fait ce que je veux. Il est là ou quoi? Non, personne n'a peur. Personne n'a peur. Donc alors, 50 balles, t'es où? Du coup, Smegis. Ah, vas-y, viens. On attend, c'est quand tu veux. J'attends l'alerte. Derrière moi, tout le monde la verra. Il y aura 684 personnes, donc moins toi, qui pourront être témoins, si tu veux. Et que tu viens d'envoyer 50 balles. Dès que t'as envoyé les 50 balles, c'est parti. Et Nado. Moi, pendant le titre royal, Nero, à un moment, il tenait le P2, je l'ai déchiré depuis ce jour-là. Ouais, il m'a enculé, gros. Depuis je suis un clodo, j'ai pas un rond. Eh, frère. La petite couronne, là, c'est Amazon Prime devant ton pseudo. Donc déjà, tu claques déjà 60 boules pour Amazon. Donc, s'il te plaît.
le P2. Non mais en plus tu m'as... avec HR4C tu m'as mis un gros tout tap je crois, un truc comme ça. Pas à moi. Genre vraiment tu m'as déchiré sans deflux. Bon après je peux dire que sur la même game j'ai fait 22 kills quoi, je vous ai quand même. Elle m'avait un drain boss. Ah oui c'était cette game. Quand t'étais avec lui. Ouais, j'ai pas avec qui j'étais. Demande à papa, demande à maman. Ouais ils sont pas les gars. Contrôle map. Contrôle map. Ouais. C'est ça qu'on s'est fait. T'as peur que je l'humilie, je comprends. Il y a que toi qui t'humilie, poulet. T'es cru humilie sans hache. Pas d'exécution blanc. Ouais, je pense que c'est mieux. Bon, de base, c'est pas moi qui mets. Normalement, je garde mon drone, mais personne n'est monté top blanc. Hein. Moi, je l'ai mis pilier, j'ai des balconnages. Un drone top blanc, un drone top rouge, un drone libéré, un drone. Ton drone top rouge, s'il te plaît, madame. On fait une attaque du coup blanc. On fait un contrôle mop, Len, et on attaque sur la fin. Une ça me fait marrer, c'est 1v1 là tout le temps. 1v1, 6-4 versus Len. Nado, je sais pas si quelqu'un a une drone. J'espère qu'il me défonce, sérieusement. Je sais pas si quelqu'un a une drone. Il me défonce pas, c'est grave. Je vais me rapprocher du coup, attendez-moi. Même pas la dernière fois que j'ai joué à Iron Bossing. Drone. Oui j'arrive. Je vais essayer de tirer. Pas de soucis. Cocktail, je pense il est pas livré le mec. C'est vrai, c'est clair. Ou amène ton équipe, Métis. Tu veux gratuitement ton équipe. 5v5. Freezer c'est clear, Shaiko c'est clear. Zaza, livré c'était clair, t'as dit. Livré c'était clear. La cam était bleue. Oui, ça m'a l'air. Sauf s'il est contacté. La cam était bleue, le gars. C'est tout bon. Ah voilà, il s'est fait ban. J'ai de la remontée blanc. Le top red c'est bon. Vas-y, moi je vais bloquer. Je vais droner train quand même. Magnifique, c'est clair. Vas-y, je vais direct avec ce blanc. Train, c'est clear. Dors sur les cams pour l'instant, Momoy. Allez, je vais. Mais tu veux pas j'aille ouvrir la trappe, moi? Si. Quelqu'un peut dormir sur les cams, s'il vous plaît? Prends mon trou, Jarouni. Je load. Dormez sur les cams, s'il vous plaît. Fais un trou là, Sedge. Il y a un camion, sapin, y'a rien. Len, viens voir, j'ai besoin de toi. Escabois, y'a rien. Escabois, Len, enlève ton drone. C'est quoi, il est dans l'escabois, genre? En gros, je crois. Ah non, porte main. Regardez mon drone, s'il vous plaît. C'est le dernier, s'il vous plaît. Il est coincé main. Quelqu'un va avec ses main? Non, attends. Main nade, j'y vais. Il est où? Main nade là? Attends, non, mais j'ai besoin de sledge plutôt. Nado, viens, s'il vous plaît. Attends. Il est où, Zaydan? Le mec, il est dans le main sur mon ping. Faut jouer la porte main. Il est main. Exactement sur le ping. Vas-y, ouvre la porte. Il est mort. Ça c'est beau ça. Et puis c'est clair, j'ai pris le contrôle. Ça c'est bien ça, on a pris le temps, on a verrouillé, on avance, il est là, il est bloqué, on donne le call, j'aime bien. Dans le freezer s'il vous plaît. J'ouvre le freezer. Merci Lyon, Hubble Space. Alors en revanche je sais pas comment il voit pas le drone. Y'a un mec qui peut piquer Boudor. Merci Hubble Space, nouvel étudiant, bienvenue poulet. Vous êtes des bons. Faites la cam s'il te plaît. Moi je viens bien sur Fortnite, ça serait pas mal. Non moi je veux que... Ah ouais, carrément la strat Tachanka. Je suis mort. C'est quoi cette strat? Oh la strat elle est insane! Oh, elle est trop bien cette strat! Je suis mort. Red c'est clear. Boudor c'est clear. Y'a un mec qui peut piquer Boudor. Oh non, GG les mecs, vous êtes des monstres. Faites la cam s'il te plaît. Y'en a un derrière le bar, t'as pas la ligne dessus? Moi je suis blanc. Je suis mort. C'est quoi cette strat? Elle est trop bien. Elle est trop bien parce que les Tachanka sont d'abord envoyés à droite et à gauche pour le fermer et après sur lui. C'est génial. Bien travaillé, c'est hyper bien. Parce que du coup, en plus, ça doit partir de la possibilité du call qu'il y a un mec qui est long desk en fait, tu vois. Donc il entend le mec qui est sur son drone long desk et c'est ouf parce que tu sais qu'il va mourir du coup. Non, mais reprenez-le, ça. Hein. C'est hyper intelligent, en fait, au final. En étant sûr, tu vois, en ayant une petite cam, un truc comme ça, ou je sais pas, voilà, quoi. Et c'est vrai que, normalement, c'est plutôt du Tachanka deny sur un entry ou machin, là. Mais c'est pas con du tout, quoi. La petite cam bien placée. Ouais, une petite cam mise... Bon, après, Valkyrie est souvent ban, quand même. Mais la petite cam posée sous les fenêtres du VIP, sous les tables, là, du restaurant, en fait. Le VIP, c'est là à côté. Mais du resto... t'es bien, hein? C'est le moment où les adversaires de la team qui prac sont meilleurs. Hein, c'est hyper bien. Après, je pense que c'était plutôt en mode Balek, mais... Ok.
Window mort, non, window une jambe. Window mort, window mort. Ah, c'est tellement propre. Derrière la bombe, derrière la bombe. Derrière la bombe, mid jambe, on va planter. Derrière la bombe, close bombe, close bombe, close bombe. Freeze, 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 20 secondes, close bombe. On fait quoi? Je nais, attends. Il est freezer, freezer, vas-y, rentre, lane. Freezer. Ah, les calls sont bons là, c'était bien là, sur la fin là. Bon là, freeze 2v1, je sais pas si c'est le mot qu'il faut donner. Ah bon, ça va. Mais c'est pour ça, mec, je suis désolé, j'ai bugué. Mais en fait, c'est que, tu sais, peut-être quand tu meurs, tu vois un petit bout, tu sais, de la d'action. Et là, j'ai vu Tachanka sur ta gueule. Ah, et maintenant, il y a un nouveau truc qui est apparu, TFS. C'est quoi, c'est Thanks for Scream? TFS, quoi. Oh là 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 là, les mecs. Aïe. Toujours inventer des petits trucs et tout. Oh, il m'a dit TFS, hein. Vas-y. Oh, vous êtes les meilleurs. Ah, right. Ça juste fort les TFS là, mais grave, j'ai jamais vu ça encore quoi. Encore un truc inventé quoi. TFP à la limite du coup. Thanks for prac. Ok. Du coup, est-ce qu'on a un autre truc à regarder les totos? Va me falloir de la POV là. Hein. Va me falloir de la VOD. J'ai plus grand chose à me mettre sous la dent là. Vas-y, mais dézoom là, Google. Merde. Ah bah là, il y en a une là. TGG. A, B, C, D, E, F. G. Sur le papier, le niveau doit être supérieur, c'est ça? Amen. Quoi? Merci Prime pour les 28 mois de frais de scolarité. Comment ça, poulet? Bien ou bien? Merci beaucoup. J'espère que ça va. J'espère que tout va bien pour toi. PG Nats. MDR, ça va? Ok. 64, ça te dit de voir un joueur PS4 meilleur que toi? Non, ça n'existe pas. Il joue de la relégation. Ah, ok. Et c'est vert, hein. Vous m'avez mis en vert, donc j'ai le droit de les... J'ai le droit de montrer. Après, ok. Donc si je fais ça, je vais faire ça, ça, et normalement... Y'a qui a enregistré, y'a que moi? Non, je sais pas, t'avais... Tu l'as mis celle d'hier? Attention, quoi. Je suis con ou pas? Ouais, j'avoue, t'es prêt? Je suis prêt. Non, ça c'est celle de tout à l'heure, on est d'accord ou... On est d'accord? Hey, Zayden. La clé, tu iras chercher. Ok. Ok, celle-là, je vais le mettre en wallpaper. Ah, je vais la mettre en fond d'écran, celle-là. Elle est tellement parfaite. Ça, c'est une tête. Ça, c'est un mur. Oh. Ok. 6-4, il ressemble à quoi ton charme? J'ai celui de Mérid, pas de toi. Quoi? Comment ça? Comment ça, il ressemble à quoi mon charme? C'est le plus beau. Ok? Il n'y en a pas d'autre. Attention, et attention. Insérez le nom du streamer ou de la streameuse voilà, là-bas. Si celui de... D'ailleurs, c'était très bizarre ton truc. Est meilleur. Que ce soit augmenté comme ça. Ok, attendez, c'est bon, je l'ai. Ça a l'air d'être bon. Bam, bam, bam. VLC. VLC. Alright, ok. Média. Flux réseau. Hop. Ok. On va le regarder sur le truc, on s'en fout au final. Ah voilà. Len, sur la VOD, enfin genre que ce soit super non, rapide d'un coup. Mais en fait, le truc c'est genre... Nero, tu peux jouer là. Parce que c'est super. Je pense. Avec qui tu parles là demain? Nado, oui, Majestic. Non? Ou c'est Nero? Ouais, j'ai mon exa aujourd'hui. Moi, chez moi demain. Nado, Majestic, c'est ça. Combien de temps à l'avant?
Un jour, je pense. Ouais. Comment je vais pas pouvoir te regarder. Magistique, faut que tu passes la trappe. La trappe. Ouais, en vrai, Lane il est pas là souvent, faudra lui dire ses murs à chaque fois. En gros, Lane t'as le trappe et mur. Non, faut les mettre à un endroit et faut qu'il les regarde sur cet endroit. Avec tes ADS, c'est bleu après. Déjà, voir que c'est une bonne équipe, ça. C'est pas sympa de m'insulter, mec. Quoi? Bah, c'est une équipe. T'as eu un drone? Ouais. C'est bleu, c'est full bleu. Full bleu, ok, vas-y. J'arrive. Juste prenez le lit. Ah non, la cam small tower est tombée. Qu'est-ce que tu racontes? Attention, la cam small tower est tombée. Ok. Mais pas la cam main, elle vient de tomber. Prends la cam T1 s'il te plaît. T1 Grand tour. Ah oui, grand tour, ils ont ouvert le mur, la porte. Il y a un freezer. Leur freezer. Le Yanel s'est inséré, je crois. Freezer? Ouais, j'ai perdu la cam, j'ai perdu la cam. Vas-y, je bug, je prends pas de risque. Faudrait jouer dans le freezer s'il vous plaît. Ah, ça, j'avais main froide. Ouais, d'ailleurs, prenez ça à son shop, les amis. Il y a des nouveaux trucs qui sont sortis sur le shop de la S1. C'est bleu, c'est clair. On est sur qui là? Oui, j'ai. Ça c'est Momoï. Tu l'as? Oui, j'ai. Tu peux remonter. Il y a juste la porte à droite qui est ouverte là. Il y a un manque de goût évident sur le skin. Il y a juste la porte qui est ouverte. Tu as la photo moi? J'aurais pu la recul. On m'a insulté car je suis CS sur console. Ah bon? Tu joues clavier souris sur console? Et on t'a insulté? Je comprends pas. C'est bizarre. Et sur les autres jeux, Rainbow Six, tu laisses l'aide à la visée? Ou pas? Bref. Je vais mettre un drone. C'est depuis l'attique en fait. Ouais, c'est rentré, c'est rentré, tout à l'heure. Ok, il pète la cam. Freezer, sa drone, c'est qui Freezer? Faut un mec Freezer s'il vous plaît. Je crois que c'est drone bleu. Ça te drone sous l'évier le drone. Ah, on est à 7, il me semble. Trappe, il y a un deuxième drone. Trappe, petit copain avec Pena. Ça va open le Freezer? Et c'est bleu, y'en a un. Ah non, c'est vrai qu'ici tu vas pas trouver beaucoup d'amis à mon avis si tu parles de clavier souris sur console, tellement c'est une plaie. Excès bleu. Moi je suis pour les claviers souris sur console, juste un truc, je suis pour les claviers souris sur console. Mais tant qu'il n'y a pas d'officialisation de la part et de l'éditeur et du machin, voilà. L'avenir pour moi c'est clavier souris sur console. C'est l'avenir en fait, réellement. Hein. Manette et FPS, c'est pas possible, c'est de la merde, c'est tout. Donc clavier souris sur console, c'est l'avenir. Et je le dis sans ironie. Mais tant qu'à l'heure actuelle, c'est pas possible de faire le distinguo entre clavier souris, tant qu'on est dans une logique où on émule des manettes par des claviers souris, donc en fait, on triche. On utilise un truc tiers qui n'est pas officiel. Bah, désolé, quoi. Clavier souris sur console doivent jouer avec clavier souris sur PC. Et ne doivent surtout pas jouer avec manette sur console. Bleu? Tant que ce sera pas ça, c'est du tri. Moi, c'est ma façon de penser. Ou alors, il faudrait qu'il y ait un gentleman agreement et tout le monde s'y mette, quoi. C'est peut-être ce qui va arriver au final. Ok. Au final, tout le monde va s'y mettre, quoi. Tout le monde va dire écoute, voilà, quoi. Faut que tu essaies d'aider Nero. Ouais, faut tirer la grande tour, s'il te plaît. C'est la grande tour. J'ai renfo. Sledge lights. C'était tendu. Sledge mar. Il est 3v5, on est pas gris. Il me reste 3 smokes. Il pique dans le bleu, il est close à la porte. Il y a ses smokes pour la porte, faut prendre l'autoroute juste, ok? J'ai plus le freezer, moi j'ai l'autoroute. Essaye de garder la ligne sur freezer. On a la cam freezer. J'ai la cam freezer. Ce serait trop drôle, on verrait un CS console face à un PC, ça va trop rigoler. Closette. Bah non, enfin ça faut arrêter, tu vois. Non, mais sérieusement. Demain sur les dernières générations de consoles, ok? Si tu claques du 120 FPS. Tu mets 120 FPS sur une console. Les écrans, machin, télé, et même les mecs se mettent pas sur un... S'ils sont clavier souris, ils sont pas en train de jouer sur la télé, tu vois. Ils sont sur un bureau, quoi. Donc en fait, tu remplaces ton boîtier PC par une console. Et derrière, t'as clavier souris, sauf que t'es juste limité à 120 FPS et 120 Hz. À mon avis, t'es déjà mieux que 60 à 70% des joueurs, pas compétitifs pour le coup.
Mais t'es déjà mieux que 60%, enfin, je sais pas en fait, de 60% à mon avis du pool de joueurs qui est sur le jeu, quoi. Même sur PC, hein, qui tourne pour la plupart à 40-50 FPS avec des momo PC, avec les portables, etc., etc., quoi. Non, ce serait parfait. Ce serait parfait, mais tant qu'il n'y a pas ça, c'est, pour moi c'est du cheat, c'est tout. Hein. Il y a soit smoke. Il m'a mort. Première smoke. Ta poulette. PS5, t'as 120 FPS, ouais, ce que je disais. Non, hein. T'inquiète. Donc dans ce cas-là, ce serait pas déconnant de voir des mecs en 120 FPS, PS5, clavier, souris, jouer contre des joueurs PC. Vas-y, je lance maintenant. Des joueurs PC, point. En plus, s'ils ont 120 FPS, tu prends un écran d'ordi, ils peuvent quand même faire 120 FPS, 240 Hz, voire 120 FPS, 144 Hz, hein, bien sûr. Et t'as un setup vraiment pas déconnant, quoi, là, pour jouer à des FPS. Hein. J'ai lagué. C'est quoi ces lags, Bomoy, là? Bien joué. Là, la gestion était bonne, hein. Bien joué. C'est du lag ou c'est ton PC? Ouais, la gestion est bonne. On perd les deux mecs dans le pilier, c'est pas grave, on a la volonté d'aller chercher. En fait, ce qui était bien, c'est qu'on avait encore les trois mecs à stuff. C'est ça. C'est vraiment jouable à 40 FPS? Non, sinon, non, c'est bien, c'est bien. C'est, bien. Bah, c'est jouable, il n'y a pas de définition sur jouable en fait. Quoi. Comme tu veux. Tu stream pas, tu fais. Ouais, celle-là, non, tu non, la stream pas, non. Mais je la stream pas, je suis en enregistrement. Oui, non, enfin, celle-là, bah, j'ai même pas fait le rec. Bah, c'est pas grave, je l'ai fait. J'aime bien voir mes propres streams. On pourra pas la montrer. Hein. Ouais, mais moi, j'aime bien revoir mes rediffs. Oh, ouais, non, mais. Hyper important de revoir ses rediffs. Hein. Meilleur moyen de s'améliorer. Eh bien joué, go pas dormir comme on a fait hier là, parce que hier on a mis le. Ouais, ouais, go extend direct, go extend direct. 9-3, ouais, 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 je suis d'accord. Go. Faut quelqu'un joue. C'est qui? C'est Jäger armuré du coup? Ouais. C'est qui joue? Non, Jäger, tu joues à Tick, Nero armuré. Et c'est. C'est quoi ce chic? Je mets où les Jäger? On a changé. Voilà, et deux à Tick. Un ici? Là, ok. Et un, deux, Atik. Nero, faut que t'ailles jouer dans l'armure. Hein. Après. Si, Atik. Un ici et un là où t'es, mec, ok. Ouais, c'est qui joue le trophy? C'est. Il manque des murs, les gars. Ah bah, je fais. Ouais, il manque les murs games, hein. Vas-y, fais le. Faut que je mette la cape, sinon je suis deuxième, tant pis. Faut un mec trophy, un mec armurie, s'il vous plaît. Je vais jouer le trophée. Nero va armurie. Ouvre-toi la trappe, franchement. Tu joues le trophée, vas-y, je vais armer. Tu t'ouvres la trappe, t'es en pause suicide de toute façon, Nero. Oh, t'inquiète. J'avais bien compris ça. J'ai pas raté ma cam, mais. J'hésite, je prends le skin du M nanana ou la RX nanana. Tu prends un sub. T'hésites plus. Derrière le van blanc. Tu es derrière le van blanc? Ouais, derrière le van blanc, il drop. Je vois, attends, il est toujours là. Non, attends, je vois plus. Il a lâché. Non, il est à gauche du main. Deux portes garage. Deux, trois. Flash. T'as désactivé la runie. Là non, c'est de la connexion. Rappel armurie, j'ai la cam. Et j'ai la cam, rappel armurie toujours. Faudrait aller big window si vous pouvez. C'est free, hein. J'ai vu, ils savent qu'il y a personne armé, poulet. Hein. Rappel big. Mais il est toujours rappel armurie, hein. C'est vraiment free, hein. Mais tu sors ici, tu le défonces, hein. Comment ça, big window? Il est rappel armurie, pas bougé. Il est mort. Bien joué. Non, rappel armurie, tu l'as tué. Cam sur le colma. Il y a Ibana base quand même. Exté derrière le van blanc. Vas-y, je vais essayer de sortir lui, non? Mais comment ça, big window? Non, je pense pas. C'est préau du coup. Attends, moi j'appelle ça préau. Prends les cams, Nero. Prends la cam top main rapidement. Ouais, mais je crois qu'il y a rappel armurie encore. T'as la cam, mais il y a une cam, les gars. Exté blanc et bas blanc, je veux dire, Nado. Je te fais des trous, attends. Je vais sortir tower. Vas-y, Il était toujours, prends la cam. Mort, Exté. Nice. Ouais, il est tué le breacher. Je suis contact à la porte. Ouais, il en reste un breacher. On a plus la tick. Pas besoin, il y en a un XT Master et un armurie. Ouais, c'est le genre de move que je veux voir. Non, pas le premier. On attend que je... Pour l'instant. Il pète la cam maintenant. On a le tour fait. Je peux tirer quand je peux tirer. Sur les deux. Vas-y, je suis sur ça. J'ai la cam défaut. Il a pété le shield à tick. Le gars de la VOD a une très bonne fibre. Y'en a un tick? La nana de la VOD du coup. Il peut Ibana là, non? Y'a un tick. Là il ouvre la brèche. Master, un porte jusqu'à main. Top main, C4 top. Non, C4 pas. J'ai lâché. Vas-y, ouais. Je vais. Il a fait la rota, mais. Fais gaffe, c'est bridge, hein. Elle a bridge maintenant. Contact à la bridge, je le gagne, vous prenez le reste. On prend la bridge, on m'allonge. Je le refais. Bien joué.
Mama, il y a en soi, t'es contact shotgun, t'as toujours l'avantage, hein, garde. Je joue aggro là à ce moment-là. L'abri, tu t'en fous, le mec il peut pas venir te chercher, il a pas de nade, il peut pas venir te chercher. Et tranquille. Mamai. Là, shotgun, en plus là, je te donne un free kill, tu vois. Là, il est obligé de traverser. Je pense qu'il faut leur dire. Non, mais j'avais déjà reculé quand tu m'as donné la shotgun. Là, il y avait aucun problème de com. Mais j'aurais pu. En fait, j'avais peur de charger. Déjà, si vous vous dites crier, pas crier, machin, intensité, machin, il y avait zéro problème de com. T'es très bien. Ouais, tu vois, t'avais même pas de smoke pour back. Si vous pensez qu'il y avait un problème de com, je suis désolé, mais c'est votre définition de la com qui est mauvaise. Non, celle-là, il faut en smoke. C'est très bien. Je crois que c'était... Ah, ouais. Ah oui, parce que vous avez pris Frost. C'est juste que c'est normalement c'est Nado qui le prend et on n'a pas la Rony. Ah oui, dans ce cas, normalement quand t'es Yeager part en même temps quand et Nado joue. Il prend Frost. Ah bon comme d'hab. Oui. Non, c'est... Je l'ai déjà dit. C'est peut-être moi, j'ai fait de la merde, j'ai pris Frost. Je sais pas. Ouais, mais je crois qu'on avait changé parce que le Yeager, est... enfin, il arrivait pas à jouer dans le... Ce bomb site. Je vais tower là, moi. Ouais. Yeager, tu vas jouer avec moi au top, c'est le main. Dans la Kiza. Viens me Non, Zedon il est pas partisan de jouer de côté en même temps. Non, merci Pendo, t'es un monstre. Tu regardes la vidéo, comprendre l'intensité dans l'école. Ah, mais tu fallait faire les trous, je crois là. Bon, tant pis. Oui, c'est vrai. La prochaine fois, renforce pas le mur lane, mais tu savais pas, tranquille. Tu m'en mets deux là. Il y a un mur Zulu. Et un là. Je te mets les trois là. Et un là, ouais, les trois. Et si jamais ils attaquent pas de ce côté, faudrait que tu viennes les rotates, Zadus. Vas-y, vas-y. Les cams. Par contre, il faudrait. Son. Small. Ouais, small. Bon, faudra venir m'aider si possible. Hein. Léro, tu veux que je vienne avec toi? Bah là, puisque c'est full small, tu peux. Tu quelqu'un de ah, small tower, ok, parce qu'on va voir. Big tower, s'il vous plaît. Je vais. Dès la cam, big tower là. C'est faisable. Oui, c'est ouais, bon. Victor. Vas-y, prends la lettre. Bon, on voit bien déjà qu'on les respecte un peu plus. Hein. Entre guillemets. Ça me plorait, ça. Il lâche, lâche. Un timing pour lâcher. Tu pourras pas faire plus. Il y en a à ta window. La morte. C'est marrou. T'arrives pas à lâcher, Nado ? Il est bas, bateau. Je lâche. Vas-y, viens. Je vais mettre un coup. Bon, y'en a plus de dead. T'as back ouais, je suis mort. Enfin, Fresh, je vais. Vas-y, je te laisse les cams, t'es. Je peux tenter une sortie main ou pas? Non. Pas besoin. C'est rentré. C'est info. Je vois rien, mec. Je vais essayer. Y'a rien derrière le van. Vas-y. Garde la pause. Y'en a. J'ai fait une rota à Tix, c'est jamais. Maman, il est avec ta cam shower, tu pètes les drones. Vas-y. Fais gaffe au main. J'ai eu. Toutes les cams. C'est rentré au top, hein. Ils font les planchers. Dis-moi dès qu'il est dans l'escalier. J'ai pas d'infos. Au niveau de l'excès, vous savez, c'est quelqu'un. Il a drop, termit. Ah, c'est la boîte. Pourquoi faire ça? Ouais, il m'a eu. Pourquoi faire ça? J'arrive. Tellement con, il t'avait même pas vu, poulet. Ouais, attends. C'est eux qui pètent là. My bad. J'ai trouvé que ça. Pourquoi ne pas. Il avait même pas vu le. Kill dessus, dommage. C'est tellement. Un easy. Il y a un close gauche. Tu peux le faire, BG. Juste alors que tu tues le diffuseur. Je vais te le ping à travers. C'est moi qui va pour la porte. À la porte, il plante derrière la bombe. Un qui prend la ligne basse room, un ligne front. Derrière la bombe. À ta droite. À coupe bas, dommage. Je vais. Yes. L'autre il plante. Il a arrêté la plante, t'inquiète. Il push. Il est sur site. Il push où? Dining. Il plante dining à gauche. Juste à la table en face de toi. Voilà là. Derrière la table. Et l'autre il est à la porte, l'autre il est à la bridge. Contacte à la bridge. Il est juste en face de toi, contact à la bridge, à ta droite tu pré-shoot. Ah dommage, il a bougé. My bad, il a bougé, on le voit pas bouger. Dommage. On peut la refaire en vrai, j'ai mal géré mon stuff en fait. Du coup faut pas que je prenne la bonne stuff, ça sert à rien de le refaire si... Non mais c'est juste, en vrai j'ai tiré bêtement. Avec je reprends Aronie ou pas du coup? Non, on va en bas. Ouais, j'ai du mal avec qui. Calme hein, c'est le moment d'être le meilleur sur tout, Len. Ouais,
Vas-y, qui c'est qui bouffe du chocolat là? Comment on fait pour jouer contre eux? Le recrutement du manager est encore, n'est pas encore fait. Du coup, tu commences par faire tes traps là. Ou alors ça dépend si tu vas romer ou pas en fait. Twitter. Si tu vas pas romer, tu commences par mettre tes ADS. Trappes, ah oui, oui, vas-y. Ou alors en passant par le Discord. Il y a un mec qui a une affaire. Ah oui, il attrape serveur. Id one. Voilà, et après, mais quand tu fais un roaming, quand je te dis roaming, c'est péter 3 drones et revenir. Ah ouais, sauf si tu veux faire un roaming. On va jouer ensemble, Len, t'inquiète pas. Je te laisse fermer Bamming Nado direct. Là, j'ai changé. Vas-y. Len, j'ai préférence pour que tu mettes ton ADS devant moi pour le coup. Ah. Si tu veux. T'as un peu live du coup? Ouais. Bah y'en a, il doit y avoir des drones côté joueur, y'a plus ou moins de la quête. Ouais, j'ai la quête. Len? Laissez-lui juste la trappe, faites-lui le mur freezer. Fais-lui quoi? Tu te mets tout de ta freezer à la porte, tu vois? Ouais. Il y aura les drones qui vont arriver, des joueurs. Moi, tu vas me bait pour moi, tu vas les dans le... dans la TV, ok? Tu vas me péter les drones qui vont arriver. T'as pas besoin de décaler les... C'est la même, c'est la même. C'est bleu plus small tower. Ok, bah avec lui on va l'échapper, lui on va le découvrir. Je prends les cams du coup pour le moment. Il va arriver, prenez la cam short s'il vous plaît. Ouais, il est déjà passé small tower. Il est passé bass room, ils sont deux. Okay, il y a Nasledge. Il arrive, tu vois. Ils sont deux. Là ils vont arriver, il y a un drone là. Qui va arriver, je pense. Le drone tu vas le péter. La cam XM n'est pas pété. Hein. Il y a un drone qui va arriver. Ouais, t'inquiète. Il y en a un deuxième qui arrive aussi. Oui. Il m'a vu, le drone il m'a vu, je pense. Oh, vous en avez pété pas mal là, non? Il y a eu deux drones, on peut battre. On est à 8. Je crois que Zedan il en a eu un 7. J'en ai eu un 7, pardon. Allez, go, on prend les mêmes postes qu'on ils avait. Ils ont pété la cam main. Ouais. C'est rentré Ibana Tower. Attends. Il reste plus vraiment de cam intéressante. On a pas de step tour, les gars. Faudrait vraiment poser des wire ou quelque chose. On a rien. Peut-être moyen de faire un back freezer, je sais pas. Derrière toi. C'est un bon attrape. Vas-y, derrière toi. Il y en a au-dessus de nous. Le mec en tour, je vais l'aggro. Vas-y. T'as où la trappe, Freezer? Fais gaffe à la trappe. Dès que c'est bleu, il y en a au moins deux. Je suis droné. Dès que c'est bleu. Ok, là il y a Flores, on l'a entendu, c'est un AR-33. J'ai devenu bait les drones pour toi. Non, toujours meeting. Et forcément, le premier truc qui arrive, ça va être Flores. Flores. Ah, c'est toi en fait. Tu vois, c'est ça. C'est... Les calls visuels sont souvent bons, etc. Mais les calls sound, j'ai l'impression que les gens les font pas, quoi. On sait que c'est un Flores qui est là. Hein. À moins que ce soit un Thatcher. Mais bon, vu comment ils ont joué tout à l'heure et avec ce avec quoi ils ont joué tout à l'heure, il y a de grandes chances que les mecs, on se retrouve avec un Flores à droite, là. Ibana Dead, je meurs de la nade. Putain, je suis trop calme. Ouais. Fermez le bleu, vite. Il est pas encore passé. Bref. Merci Dewitt pour les 12 mois de frais de scolarité. Et ça, les calls soon, les gens, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment besoin d'avoir la confirmation, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ou ça leur vient pas tout de suite en tête, quoi. C'est un AR, tu vois, tu donnes, t'entends le bruit du truc, tu dis qui c'est, tu vois. Toujours ce petit call, quoi. Tu sais, c'est tellement puissant de savoir qui et où, tu vois. Flores, Bunker, deux qui me poussent dans le blue, dont un Flores. Mec, toi, faut qu'il freine l'escator là. Flores, pardon. Genre, il est pas mort sur la première balle. Garde le freezer, s'il te plaît, garde la carte. Je tourne entre main et freezer, ok? Main, il y a une porte, t'as pas besoin. Oui, c'est ok, vas-y, va freezer. Palier, grand tour. Non, mais ils sont très propres, les ombres. Mais ils sont. Mais je le fais avec mes yep aussi. C'est un peu dur. Ordre, opérer les gars. Nice. Une tower, stairs. Stairs, descend, il est pilier. Je suis pas assez souple. Pas de cam. C'est pas ouvert. Bleu 75 HP pour moi. Y'en a une. Oh, il est beau, Nato! J'ai joué, voilà. Ah là là! Mais en vrai, mon kill il pue la merde, désolé, j'aurais pas dû faire ça. J'aime bien cette petite équipe. Il me plaise. Il me plaise, c'est vrai. Tu nous caches des choses, Nato. Et tu veux le smoke, Nato? Non, non. Ça va. Mais c'était beau gosse. Vous allez remettre la cam en XT? Demande à Nado. Je les aime bien ces petits joueurs là. Vous les aimez bien? C'était la game default. Avant qu'on avait. C'était la game default, non? Ouais, non, mais. Non, il y en avait une XT. Il y en avait une XT. Ouais, remets la même. J'avais mis la tienne, Nero. Ouais, mais la main est carré de fou, faut le dire.
Mais la mienne aussi, elle est carrée, mec. Ce que je veux dire, c'est que là, tout à l'heure, j'ai joué dans le main, mais genre zéro pression, hein. Et ce que je peux faire, c'est que je jouais bas main et agresser à... Et moi, je vais pas le faire à la SMG, hein. Tu veux le faire. Rappel armurerie. Non, pas top grand tour, mais tu te mets côté. Ouais. Tu lui baisses sa mère. On dit rappel armurerie, bah tu vas. Allez, tu peux te mettre une cam. J'ai une cam depuis parabole. Moi, je peux te retenir. Ok. La cam qui est BP, tu la jettes parabole. Parabole. Bah vas-y, je mets la cam de Nero de port, attends. Et bah tu roules. Ah ouais, d'accord, mais tu. J'ai eu 3. Ouais, je t'ai là-bas. J'ai eu 3 drones. Ok, regarde. Nice. Buff PTDR, mec. Il y a marqué Viper dans ton pseudo. Ouais. Tu peux pas avoir de crédibilité sur ce chat. Tu vois. Je suis côté tour. Viper, Killer, Monster, Hunter. T'es rentré tour, Je la prends maintenant. T'as la tour, bah back. J'ai pas d'infos. J'ai pété le drone. Je me taille. On a pas la cam XC, elle est pétée. 13, 75 000, tout ça. Dans des chats, moi y'a pas de. Je suis sorti avec tes mains alors qu'il y a un mec qui drone derrière. Je l'envoie derrière. Tour, c'est rentré. Ça va arriver sur toi, Lane, je pense. Comme mon casque, y'a quoi? HyperX Cloud 2. Après, bon, rapport qualité, si il joue pas l'armée, Zaydan il peut t'aider. Hein. Nomade. Ouais. Ouais, y'en a au moins deux towers. Vas-y, il est lourd, c'est toi. Alors, Kediko d'attaque, c'est cool. Ah si, je m'appelle pas AH64 Apache. Y'en a qu'Extemain. Rappel kit. Wesh. Bande de bâtards. C'est quand même un peu plus recherché quand même. Il est sur le toit, non? Grande fenêtre? Ah ouais, putain! Mais moi sur un truc dégueulasse et tout, j'entends la rota, j'entends le machin, le drop, il y a qu'un endroit où ça fait ce bruit là. Ah, mais les gens ils ont pas de casque ou comment ça se passe? Bien sûr qu'il y a des big windows. Y'a un Aruni sur la. Non! Oh ma mort, elle est honteuse! Il a tiré sur l'aine et j'étais derrière. Gotaga, Frame Monster est pas crédible. Pourquoi? Pourquoi son pseudo c'est pas bon? Pourquoi ça vient d'où Gotaga? C'est bien Gotaga en pseudo? Hein? Pourquoi ça viendrait d'où? Ah, French Monster! Ouais, mais c'est pas un pseudo! C'est pas un pseudo! Voilà, c'est le moto qui va avec, c'est le slogan qui l'accompagne. Je sais pas comment on dirait ça pour une personnalité publique. Ouais, un slogan quoi, tu vois. La marque, c'est pas le contrat de confiance, hein, c'est Darty, tu vois ce que je veux dire. La marque, c'est pas vous viendrez plus chez nous par hasard, hein, c'est Total, tu vois. Voilà quoi. Ah, je suis triste. Je suis quand même sorti Extemain, hein. Un surnom. Du non. Coup, là, vous voulez que je... Bah non, un surnom et un pseudonyme, pour moi, c'est la même chose. Soit c'était Valkyrie, moi, au lieu de prendre Frost, je peux jouer Wamai, je peux la jouer. Moi, je peux changer. Non. Je prends Jaeger. Ouais, toujours. C'est pas Frost. Du coup, Nero, il prend Frost, non? Ouais, Nero, lui, de la Valkyrie, prend Frost. Un pseudonyme est un mot d'emprunt adopté par plusieurs personnes exerçant une activité sur un autre nom que celui d'un. Il se distingue du surnom en ceci qu'il est choisi par la personne qui le porte au lieu de lui être attribué par un tiers. Donc tu peux pas t'auto-octroyer un surnom. Ouais, ça va niquer. Moi, j'ai pas de Goyo Shield. Ça va niquer, mais avance le. Ah, il y a une logique de. Ouais, ok, il y a une logique de propriété en gros, quoi. Ok, j'ai décidé de m'appeler Toto, mais... Peut-être pour les retards. Ok, ah, c'est pas mal ça. Oh Nero, grand joueur SMG. Du coup, vas-y, c'est quoi mon pseudo, moi? C'est quoi mon surnom? Vas-y, bande de fils de pute, répondez pas dans le chat. Non, j'ai même pas envie, vous allez prendre des bans. Le premier qui répond à cette question, je l'encule. Papy, l'ancien, Dieu. Il faut m'aider, il faut faire les meilleurs meetings, j'aurai pas le temps cette fois. Le proviseur. Non, parce que le proviseur, c'est nous qui l'avons mis aussi au final. Si tu peux. L'attraper par enfant. Quelque part. Au niveau des cams, attendez, je vais faire un respi. Ok, bon écoutez, allez tous vous faire foutre, j'arrête le stream. Non, sérieusement, il faut que je me casse. Je l'avais dit en plus. Bon, c'était bien cool, ça me donne envie de continuer en tout cas, mais il faudrait que je rejoue un moment parce que si je rejoue pas, quand je vais rejouer, je vais vraiment saigner des fesses quoi. Merci Dewitt pour les 1 an de frais de scolarité. Flo, j'ai à 4 mois de frais de scolarité. Vous êtes absolument des monstres. On va passer dans le bureau, les amis.
va passer dans le bureau. On terminera ça, à mon avis, demain. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous avais dit 19h, il fallait que je coupe. J'ai vraiment plein de trucs à faire. À savoir boire des coups en dehors du campus. Un peu quand même. N'oubliez pas de faire point d'exclamation Twitter, point d'exclamation YT, point d'exclamation YT replay. Surtout YT replay sur lequel on attend pas mal de followers sur la chaîne replay de la Salty Academy. Alright, ça nous ferait extrêmement plaisir. Alright. Sur ce, je disparais de vos écrans. Et j'envoie le nom de celles et ceux qui ont participé à ce live à leur manière. Les donateurs. Les cheerers. Les surveillants, bien évidemment. Les joueurs de l'équipe Youngtis. Les membres du Salty Fan Club, à savoir les nouveaux followers. Les nouveaux. Et anciens. Voire très anciens. Étudiants du campus de la Salty Academy. Et au fond, toutes les personnes qui font que cette Salty Academy ira to the fucking top. Et d'ici à demain, n'oubliez pas, n'oubliez jamais que certes on est salty, oui, mais pas que.